Oh Sa grosse voix là. Qui a crié là oh, J'ai eu peur. Ça va, un morceau de rap là J'arrive ou quoi Oh là là D'ailleurs, c'est quoi ce train de là C'est clairement pas un Neurostore <laughs> sa ouais. grosse voix là, vraiment. Il est, est pas broliqué le train de la Ouais, ouais, ouais <laughs> <laughs> J'en veux plus. Merci à Gwena C'est quoi le son ah oui, Danny Flo attendez. Ouais, alors si vous mettez le train alors, je vous montre en exclusivité. Alors, le ouais, les gens percé dans les Amériques latines. Ouais, on a, on a une strate euh, latino-américaine avec Ouais, Danny voilà, on a regardé on les, veut bien les vous montrer, on regardé mais faut les passer stats le niveau. du fit de Drake. Ouais, on s'est dit "Oh putain, mais Drake en fait, quand il fit avec Bad Bunny là, il fait de l'argent, on va faire pareil en fait." Voilà, je vous montre le clip coup, immédiatement euh, voilà. dès qu'on passe ce niveau-là. parce qu'il est, il est temps de vous montrer ma, ma reconversion. Par contre, faut passer ce niveau du train de life. Niveau 3, c'est quoi ça, tout ça, là C'est quoi, ça Dany, cheveux blancs. Ça fait 10 ans que j'ai <t 'en> <t 'en> des cheveux blancs Julien avec des cheveux blancs Dany, t'as des cheveux blancs Putain, mais que vous, j ah, mais gros, vous découvrez chaque, chaque jour. jour Regardez, c'est blanc partout J'en ai de plus en plus Ça va s'empirer avec le temps Mais de toute façon, c'est soit la calvasse, soit les cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs, vous avez la calvitie N'ayez pas le oui. seum! Ah oui, vous avez le seum, vous avez même pas le cheveu en fait! C'est super! Regardez formidable. les gens, je vous présente mon nouveau morceau! Rascal v... oui, oui, Rascal v... oui! Dani! Dani! Dany Flow Elle est genre 19 millions de vues hein. vous vous 19 millions de vues, un truc avec un drapeau de trans, pas clair... Oh oui, il y a un drapeau de trans Incroyable C'est un mec trans, Dany Je pense que c'est un alors, mec Ou alors il y a des trans. trans dans le clip, je comprends rien. Bah, c'est un mec tout tout trans, est trans hein, je crois. Peut-être que tout le monde est trans dans le bordel, en tout cas c'est vraiment Dany Core, quoi. Genre, euh, voilà quoi. Mathilde Panot s'est fait manger, vous dites tout ça, alors on va voir. Oui, oui on va voir. Oui, oui, Vous dites ça, oui. oui. Tu crois, toi Après, bah, peut-être que ça a été difficile, hein. c'est possible. Hein. Moi, en fait, je suis intéressé justement d'analyser le débat pour voir ça. comment elle s'en sort. Et euh, au, pire, au, pire, au pire, justement, ça sera l'occasion de faire du média training à Mathilde Panot. On va lui donner des conseils à viser sur la famille. Quoi, quoi, tu vas donner des conseils à viser à Mathilde Panot, comme ça, toi là C'est toi. Training, le roi du, débat, toi. Bon, roi du débat, toi. C'est. roi du débat ce non. lieu du débat de fou. C'est vrai que tu veux débattre maintenant. Je suis heureux. Hier, il m'a fait des confessions qu'il avait envie de débattre enfin. Des confessions team Ah, j'ai trop hâte. <laughs> Après, est-ce qu'on pourra, c'est voilà, ça c'est une autre question. Oh, le, le liqueur, ah, le liqueur, c'est Ah, oh, le liqueur, oh, je ça, prends ouais. trop de plaisir. Oh. Ah, on oh, bah, bah, lig ah, a le dit là. que l'invité, il dit il a invité, là, ça y est. est allez, bon, allez, bon, allez, bon, allez bon, on, on dit ah, l'invité, j'ai ah, trop envie. Mais en fait, c'est oh, tout des horrible. delays On prépare un teaser, qu'on qu rechange C'est insupportable. Tout s'améliore de jour en jour, mais c'est une souffrance car rien n'est clair. Ah. Merci Will d'Olive. Ah. Merci Will d'Olive. de génie, d'ailleurs. <laughs> pas vraiment, mais ok. <laughs> si tu veux. Déstabilisé par du racisme. Oh non, bah après, ça, j'en doute pas. Ah, mais alors, attendez, c'est pas forcément ce ferment. Ah, je veux voir le résultat. On verra, c'est nous qui trancherons. Une chat dure avec nous Mathilde. Qui trancherons. Tu sens que l'invité va être claqué au sol, alors, il y a moyen. En fait, bah vous non mais, après... non mais attends, gros, ils sont là tous ça les jours. PNL, oui. Mélenchon, oui, Darkvador. Oui. oui, voilà. C est c est genre, sûr, effectivement, là... oh. ce n'est pas Pharrell Williams, effectivement. C'est pas Williams. A... En fait, c'est horrible parce que vous avez des attentes trop attentes genre doser il y a Une des attentes vie. non mais, réalistes. mais en fait c'est à chaque fois faut vous expliquer... oh vous prenez tous les stars c'est horrible c'est la première émission des stars mais c'est déjà c'est la première genre il y a tellement de choses qui pourraient mal se passer oui, on ne peut pas prendre doser. des gens gigantesques mais on a quand même essayé de vous faire plaisir c'est ça oui. qui est horrible en fait il faut qu'on arrête de teaser l'émission parce que oui parce qu'ils font en sont en trop d'attentes ils vont être trop déçus en gros. fait les gens alors que ça pour va, va c'est incroyable vrai... mais vous êtes là ah, ah, ah d'accord. F... Ah, OK. Ah ouais, ah c'est horrible. Tu vois C'est horrible. C'est Comme horrible. quand on avait annoncé euh, Squad Philo, il voulait tout de suite qu'on invite des gens de fou On était là, on oui, c'est déjà bien aveu, des c'est ça. Trop vous étiez là, ah ouais. C'est horrible. Mmh. Hein. C'est horrible. Hein. J'aurais préféré que vous invitiez Macron. Oui, c'est ça, c'est horrible. Non mais ça va pas être si ouf. Moi je pense faut commencer à rentrer dans cette méta. En vrai, c'est une première émission tranquille. Euh, voilà, euh, tranquille. doser un peu. On pas trop géré le début sur l'immigration, le reste, il est supérieur. Mais on verra! Pardon. Moi, je ne lis pas vos messages, je dirais dirai rien. On ne donnera aucun ah, avis bon. Bon de qui est là, de oui, oui. qui n'est pas là. Oui, oui c'est insupportable. Je ma Et puis après, on s'en fout de l'invité, L'important, c'est que l'émission soit sympa. On fait un premier essai. Oui, Parce que ça, ça se trouve, donne, ça va être on, raté. La on va dire Non, mais ça se trouve, il y aura des, il y aura des moments un peu plus réussis, d'autres un peu plus ratés. Ben voilà, il faudrait être avec nous quoi qu'il arrive. Ah, J'aime bien les calls des gens. Gens, je trouve ça marrant. Il y en a, ils pensent, ah oh, ça va, il, il, ça pourrait se faire, et d'autres pas du tout. Hein. Oui, il y a d'autres. Romano de Skyrock, oh vous faites l'idée de fou. Comment je serais trop <laughs> heureux Romano, moi je vous pleure. C'est mon idole, quand j'étais jeune. Supportable supportable. On appelle ça radio sex. <laughs> oui. Le gars qui a pas compris. Oh C'est vraiment original. Après on lance ça jamais une été fait. E lol <rire> <rire> Ça vous dit ou quoi On tente d'aller gagner non, les, les Worlds. E euh... Tu lances Hawaii e Sport Mais de quoi Hawaii e Sport, gros. Moi, pour moi, je veux juste les tarts. On fait une équipe de fait. Smash Bros. C'est juste juste, je veux juste les dans l'équipe en fait. Après, gros, tu sais que notre joke, j'ai regardé des vidéos sur Smash Bros, ça m'a un peu passionné. Hein. Donc, Mais euh, je veux à Smash important. Bros Non, moi j'aime bien les gens qui parlent de Smash Bros plus que je dis jouer. Mais moi j'ai envie d'y jouer avec bah, un... tu oh, sais que les que ou pas J'ai tweeté <laughs> oui, oui. à 2h du matin cette image. Sans aucune explication, elle a eu 246 likes. Je suis trop. C'est incroyable. Alors c'est Moufette oh, je... hein, qui a fait cette magnifique. image, tiens à le préciser. Elle est. Et il y a magnifique. vraiment toute la létard énergie. Dedans. Gros, gros pour moi, ça c'est notre Timmy e Sport. C'est lui. Il faut <laughs> cinq fois l'État. Mais ça, en fait, c'est tellement e c'est l'État quand il est en mode. Je suis. Il est virile, trop beau. Là, est moi, il est létard. trop stylé. Arrête, il est trop stylé. Et oui, justement. Après, je trouve il y a vraiment le, sa tête le, de. de le petit rentrer dans le pantalon sans ceinture avec ah, le oui, corps. En fait, c'est la mi-disaster class, mi-confiance extrême. Vous voyez ah, pour ce ceux vraiment. qui n'avaient jamais vu l'Étard, vous le voyez enfin. Vous avez ah. vu, il est trop Donc, stylé. Est notre, pour ceux qui ne savent pas, l'Étard, c'est notre euh, monteur. monteur. Ouais. L'un de, de nos deux monteurs. L'un de nos deux monteurs, on a, on a mon ami Joe aussi. C'est ça. Mais voilà, ça. Le, le monteur, euh, comme on pourrait dire, euh, depuis toujours. De, voilà, de, depuis qu'il nous suit. Forever, hein, bah oui, de fou, de fou. On dirait un keuk, mais c'est le roi. Arrêtez, c'est le, le plus grand. Les gens parlaient pas mal Justement, de l'État. Regardez le avec les loups et tout là. Vous voyez que c'est trop beau. Il est trop. L'État, c'est moi. L'État, je suis l'État. Je suis le plus malin. Mmh, J'ai mmh, compris l'algorithme YouTube. Oui. <laughs> Zawa PMP dans trois ans. <laughs> que des opinions catastrophistes. Oui, c'est moi l'État. <laughs> oui, je suis l'État. Oh, et attends, et j'ai reçu un message. Attends, il faut que je te montre. Parce qu'en fait, attends, regarde, attends, 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 c'est trop drôle. Attends, je vérifie bien qu'on voit rien de. Non, c'est bon, il n'y a pas d'informations privées. Donc, tu vois, regarde, il y a ça. Il y a Suzuka qui met oh, ce sticker. Donc, image en fait, incroyable. Ça, c'est un sticker de l'Etars qu'on utilise dès que l'Etars est insupportable. On utilise ça. Voilà, on lui envoie ça. Notre actualité à nous. Et, y a, et du coup, il y a quelqu'un qui m'envoie ça en photo par MP et qui me dit regarde. Je regardais ça et j'ai vu ça et qui m'écrit ce message qui m'a fait trop rire. Bonjour Dani. J'en profite pour saluer ton travail sur Twitch. Ce n'est pas censé être ma génération, mais j'apprécie l'équipe fragile entre mon sens politique et mon sens politique. Bref, j'ai bien bloqué sur la photo de votre monteur phare et la dame en dessous sur ma timeline post tonceau de la tribune. Longue vie à vous, c'est <laughs> oh, L'Hector. Et vraiment vous voyez, c'est grâce à l'état, on vit des choses exceptionnelles. quand même. <laughs> Non, mais c'est le meilleur, les gens. Vous avez vous avez interdiction de le critiquer, c'est le meilleur de fou. C'est le meilleur, il y a rien vie. à dire. Fred, mais ça, j'aime trop, mais les gens, c'est parce qu'en fait, on a une communauté qui commence un peu à vieillir et c'est trop bien. On a pas ah mal oui, de gens, plus vieillir. âgés. Les, Les com, souleurs, vous, vous êtes extrément. trop dégénéré, insupportable vous faites que vous, vous moquez de nous, vous voulez jamais nous dire qu'on est stylé en ah fait. Ouais, est Alors que qu il eux, est... ils hésitent pas, genre vraiment là, vous avez sur la vidéo de Bégodou, il y a des commentaires en mode Oh, je vous découvre et j'aime de plus en plus vos analyses. Bise. Oui voilà, c'est ça c'est ça. Bise. Josiane. Bise. C'est Josiane. Ah On bon bon est boire une suze de... à la maison à l'occasion. On est heureux quoi. Genre alors que vous vous êtes là. Euh, lol. Euh, Dani lol. Euh, Dani oh oui, c'est oiseau. Lol oh euh, euh, la coupe au bol. Oh oui, euh, lol euh, rase la drogue. Lol. Enfin voilà quoi. Euh, voilà. J'adore. Tu vois la communauté. Attends tu vois la communauté Dani rase euh, zoomer -y, dégénéré. Vas -y, vas -y, voilà -y, ce qu'à faire. C'est toute la journée. Regarde ce qu'à faire. De ce qu'elle fait, ah ouais, non, mais <laughs> voilà, et voilà, et voilà. Sinon, nous, c'est ça, voilà. On dirait vraiment Danny Caligula passé dans un futur giga de 1000 likes sur ouais, notre alors, dos. C'est un peu insultant, mais après, bon, c'est vrai qu'il a la mâchoire de chat, donc je, je m'incline. Oui. Non, mais en fait, ce qui me fait je me suis levé ce Vous matin, et alors, pas, alors tout le monde eh, Miss France, c'est Danny, Miss France, c'est Danny, Miss France, c'est Danny. Et après, du coup, je pense que Camille a reçu la même, puisqu'il a dû recevoir eh, Miss France, c'est Camille, Miss France, c'est Camille, alors c'est juste oui. une femme qui a les cheveux courts. Bon. Ouais, je veux noir. Et du coup, il a fait, fait ça. Là, où c'est un génie. C'est qu'il a fait ça. Et du coup, tout le monde était là. Eh, du coup, Dani, euh, Dani, euh, euh, Camille Gula, euh, Dani en rose, euh, Camille, c'est Dani en blanc. Euh, tu sais, genre, t'es là. Ah, oui, bon, ok, d'accord. » Et c'est que ça depuis des mois. Après, gros. <laughs> après, après génie. <laughs> oui, non, mais c'est vrai. Un peu de réel, après, Camille, c'est plus proche que Miss France. Miss France, vous êtes oui, défenseur. Oui, 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 non non mais il y a un vrai truc. Moi je pense qu'il y a des gens leur rêve c'est de vous pécho à deux. Et genre vraiment, de, <laughs> oh, je putain, pense c'est leur dream de tout. En ton... Ton bah, gros je pense qu'il y en a c'est vraiment genre c'est leur king très précis. Oui bah écoute hein. Bah oui bah écoute. Ouais, euh... Moi oui oui. Bonsoir moi. Mais, mais vous êtes Je suis prêt à en payer fait très cher. Mais en fait, attends, 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 c'est comme suis le prêt truc à payer attends, c'est comme le truc Antoine Léaumont, on a mis des TikTok gros en fait, les gens ils sont juste en mode, ils sont ultra ornis déjà sur le couple Antoine Léaumont et moi là. Mais en plus ils sont ornis, en fait après ils écoutent ils sont en mode bah oui, euh, juste deux gars basés qui parlent de gauche, moi ça me rend orni et c'est là que tu te dis mais il vous faut rien en fait. C'est même pas des compliments au final. Vous êtes juste en chien. Vous êtes en manque de gens qui ont des bonnes idées. Vous êtes en chien tout court. Du coup, au début, tu crois que c'est des compliments, mais en fait, c'est la pire communauté. Ils sont juste oh, je suis juste content qu'ils pensent un peu comme moi. Du coup, je peux les baiser. C'est à cause de ça que vous finissez mal, les gauchistes, que vous vous retrouvez dans des histoires bizarres. <laughs> c'est une catastrophe. Hein. Dani comprend ce que je les femmes. Ah non, mais moi, vrai, le imagine, bonne meuf de Orelsan, imagine, t'annonce hein. le fit euh, Antoine, Camille, Dani, Only Fan. Le trio. <laughs> imagine la tu imagine la moula. Ah, Mets-toi dedans avec nous, Bah moi je vous filme si vous voulez, y a pas de problème. Genre je fais des petites bah, blagues là, derrière la caméra. Pas avec nous non non toi, mais non mais ça va base. non alors non déjà non déjà bah de si. un non c'est bon faut arrêter grosser genre vraiment ça y est t'as fait deux partouzes dans ta vie tu deviens le partouzer c'est faut arrêter ah, je suis pas euh, un partouzer c'est toujours fond. deux de plus que... m'est arrivé. Oh, hein. oui bah d'accord mais ça m'est arrivé deux fois vite œuf deux mais, fois vite œuf t'es sûr oui voilà combien donc, de fois voilà. en vrai non, en vrai en vrai gros je te jure qu'en vrai c'est deux trois fois max je te jure vraiment, <laughs> déjà devenu vraiment trois mais non mais en vrai c'est trois quatre quoi non, 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 je te jure que non. Non, je te jure vraiment non. non, non Je te jure que non. Et la dernière, c'était le goût du pipi, ça m'a dégoûté. Vraie histoire. Après, il y en a eu combien en hein, Totoro, mais bon, es, tu passais... Non, quoi. non, là, j'avais participé, gros. Oui, t'étais spectateur. Quoi. Ah non, mais, non, mais ça, c'est quand j'étais jeune, gros. C'était il y a des années, gros. C'était Golemon, vraiment. Pas plus de 5, vous avez vu Il est bizarre un peu, hein. Mais non, mais c'est vrai, vraiment, plus genre... De 12. Déjà 2 ah, trois croyez... les gens vous gros ça me coup... fait une réputation alors que les gens j'ai juré mais que t'es un tout je... non je te jure mais que mais non, gros, je un trop mais pas, quand pas comme ça, ça, ça fait partouze. non mais genre est quand, quand t'es jeune des trucs ça non quand es jeune ça arrive tout seul tu sais genre tu sais j'ai jamais été dans la démarche partouzeur, parce que pour moi un partouzeur, c'est les gens qui ont un réseau de partouzeurs, qui se donnent rendez-vous dans des apparts dans le but de faire des partouzes, tu vois ce que je veux dire Genre pour moi ça c'est un partouzeur Moi j'ai jamais été ça tu vois Genre vraiment tu vois Pardon. Genre pour de vrai juste quand tu parles Je voulais juste mettre cette image de l'état Oh ah, il est je trop est beau gros Je suis trop heureux J'ai envie qu'elle soit tout le temps là l'image oh, On peut leak ou pas l'état en invité du Zawah Show Ah bah oui l'état bien <laughs> Notre sûr premier invité Oh j'aimerais trop il Faut qu'on fasse ça Juste on invite l'état et on l'interview pendant deux heures Ah oui Je serais trop heureux là. C'est malgré moi, mais oui, non mais. Je suis toujours puceau. Non mais, non mais vous faites exprès de pas comprendre. je suis sûr qu'il y a des gens qui voient très bien ce que je veux dire. Non. Et tu sais, c'est pas vraiment des partous comme dans les films. C'est plus que c'est des soirées où les gens font une partous. Comme dans les films, quoi, ouais. Non, mais comprenez Donc en fait, attends, est-ce que comme dans les chat tu te ramenais dans un manoir et il y avait des gens avec des. Non mais comprenez Comprenez de quoi je parle c'est pas le truc où t'as des maths dans un appart. Et qui machin, a fait, etc. je vais un sondage, qui a fait une partouze oh. Tu vas voir à quel point c'est rare, juste une. C'est une dinguerie. Et vraiment une vraie partouze, les gens. Des gens qui pas j'ai baisé avec deux potes, je suis deux sûr deux que les fois. gens qui comprennent, comprennent. Je suis sûr y a pas, des gens j'ai baisé, en mode oui, je vois très bien la diff. Pas j'ai baisé des de des gens gens qui... avec deux potes, hein. une partouze. Hein. Partout, ça à partir Moi. de combien déjà Et mentez pas les gens, parce qu'on a besoin de voir le Raz. Voilà. Pour moi, à partir de 4-5, ça commence à être une partout, je pense. Ah, bah, du coup, le body count, c'est au moins 4-5. Ton non, chiffre. Mais non, là. mais non, mais non, c'est 1, on a dit, on s'est mis d'accord là-dessus. Regarde, il y en a beaucoup, gros, il y a déjà 30 personnes. Vous voyez ce que je veux dire, les 30. Je pense qu'il y en a une quinzaine. Mais qui gros, c'est partout. Arrête, tu vois que c'est quand même un truc spécifique. Non, mais après, non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple. Tu sais, c'était pas des partous. Déjà, personne Où ici n'a baisé une personne. Alors une Non oh mais arrête. comprend <holog interf drink> ah, si personne fait ça, mais si, oh là là, <laughs> c'est. il y a quand même 48 partous. Est-ce que du je coup, vois très est, bien la attends. Diff... Non mais on merci. Attends, ceux attends, qui savent, savent. On peut organiser la partouze, la zawatouze. <rit> ah, non, <c> on <lance> Au on prend alors les 51 personnes qui ont tousé Je alors Roz, et vous avez Raz qui vous présente la soirée. Moi, moi, je serai pas là. Alors si vous voulez, je mixe. <electrode> Par contre, si vous voulez, ça me va moi. Je mix et vous vous niquez quoi. Et ils moi vont, je fais que la ouais, musique. Ils vont venir à côté de toi en remis, hein. Par contre je vous préviens, je mets que du RB. Hein. La race tous. Moi c'est ah la ouais, musique la des partout. Des... La race tous, gros, je vends la place ultra cher. Je mets du RB pendant 5 heures et on ouvre des bouteilles de poppers partout. Ah, voyageur, non, non un de dos, par contre. Ah voilà, c'est le plaisir. Non, mais après écoutez entre deux CD, petite branlette, écoutez, euh, voilà quoi. Je veux devenir le gars dans un coin de la pièce qui se branle en bavant, là. Oh c'est oh, mon devenir je crois oh, je crois que c'est mon devenir maintenant c'est ça ça dans les oui, partous ce il veut c'est la Zawa Night <laughs> un glory hall sur la table Un de concert de taïsi ouais bah il y est c'est ça en gros imagine en tu gros. fais un DJ set dans un glory hall et tu sais t'as des tubs comme ça qui passent à côté <laughs> après pour ça me fait un peu, un peu gros, moi, je... ouais. moi franchement ça me ferait rire, premier degré de mixer dans un club de partous ça me ferait vraiment marrer moi parce que je veux en fait, je... en fait pourquoi parce que je vois exactement quel genre de son je mettrais tu vois bah c'est genre oui, selon, bah oui, en vois, tant genre... qu'expert du sujet. Bah oui, on met tout ce que en tu tant dis, expert de la musique effectivement Dany Merci mais, de le reconnaître. Non mais tu tu mettrais pas les mêmes morceaux que euh, Ah bien sûr. Coin. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi je mets gros pour moi un bon DJ c'est que tu prévois un set, mais tu as quand même un set plus large pour pouvoir t'acclimater au mood de la soirée, ah tu vois. Voilà, attends, si des questions vois... intéressantes. Est-ce que Raz est en couple libre avec Casson Ah non, voilà. laissez-moi tranquille hein. jamais hein. Ah non ah, non. Rien de libre mmh, du tout. On toi. a oublié ce qu'a dit Cassandre chez Baxit. Qu'il a dit Quelque chose Je comprends pas. Je veux savoir moi aussi. Ah voilà, je suis trop heureux, j'ai enfin un truc. Pour ah bah vous avez la réponse, pas du tout. Hein. Voilà. Couple le plus exclusif au monde. Hein. Ah ouais, exactement. On a réinventé, on écrit une thèse sur l'exclusivité là. Au secours. Là, vraiment, genre c'est... Ouais, 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 ouais. Ah ouais, la source. Vous voyez non, bien moi. que c'est un peu le mood, quoi. C'est pas grave, vous pouvez assumer que vous aimez bien, vous ouvrir. Les gens, n'hésitez pas, les libertins, ah. à les contacter. Ah, non, mais... mais ah, contactez Dani Contactez ah Dani bah, pourquoi mais, euh, Parce moi, que je suis tu pas peux arranger un, un coup avec Camille, au pire. Bah euh, non, mais. Euh, je ne suis pas Camille, il va falloir que vous compreniez. <laughs> mais pas moi, en fait <laughs> voit, il est beaucoup plus beau que moi déjà, donc vous voyez bien que. <laughs> euh, Mais voilà vous sauf en soirée rase 12 J'en peux plus de vous fatigué Non non on a dit moi maintenant non non c'est Mais attends on est d'accord que si juste tu te branles Tu participes pas vraiment à la part C'est bon Vous êtes sapio moi je suis un sapio ras non Dani sapio de fou. C'est un Danny, sapio moi, je un sapio, Arrêtez c'est une dinguerie de moi. Ah, je suis vraiment sûr. un sapio, hein. c'est terrible comment je suis un sapio. Hein. Oui, t'es une merde. Non, c'est catastrophique, les gens souffrent. Hein. Oui, oui, c'est ça. Coupé livre avec Antoine hein. Léoma, ouais, oh, bah si seulement... Euh, euh, non, pas du tout. <laughs> je vais relancer, putain, mais après je me maudis tout seul en fait. <laughs> non, mais c'est bien, euh... écoutez. Après vous savez quoi la vérité c'est le cynisme de notre monteur Toby qui a dit Ah, ça c'est bien ça 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 va plaire au, au, au public TikTok ça ils vont pouvoir crush arrête, ils vont pouvoir ship gros t'en joues de fou arrête. Mais ouais mais il était content mais moi je suis content mais on connaît mais les intérêts fou, on connaît les intérêts de spécifiques de notre public c'est tout toi on toi sait aussi, quoi faire les intérêts spécifiques de préparer euh, le, le, le changement de direction on est les fans on est les fit Camille L'inverse de, de le Polska, temps. let's go. <laughs> je me se fait connaître par la politique, je finirais par ma bite, voilà. Bah, en vrai. Gros le nombre de gens qui paieraient gros. Bah attends, il y a vraiment tant de gens que ça. Est-ce que ça commence à donner envie <laughs> <laughs> je mets des stories de show de la muscu, tu oh, vois Ça va Alex sur JVC. Et je mets, ah, je mets, ouais. je mets une main devant la bite. C'est ah, bon, ça quoi. va Alex sur JVC, Ok, c'est ça qui me rend le plus, plus fait, avant Toi. Ouais, mais ah, je voulais que je voie, je peux refaire la scène, genre je prends un poster Zelda. Il <laughs> écrit oser le féminisme. Ah, ouais, là, ça, c'est le même des un des plus drôles au monde. <laughs> Fais gaffe à tes grains de beauté. Non, et moi, je suis tatoué, hein, c'est pire. Hein. Moi, l'enquête, elle serait rapide. Hein. Moi, l'enquête, elle serait pas longue. Hein. <laughs> ah, ouais. Il est équipé de fou. Ah, voilà, t'as vu, ça, c'est. Mais ça, c'est votre obsession. On devrait tout obsédé par ça. Hein. Parfois je, je suis un peu vieille, je ne comprends pas quand vous parlez. Mais tu sais, tu peux demander dans le chat quand il y a un mot que tu ne comprends pas, et les gens ils vont te le traduire. Pardon. Non mais là, Alexia, en plus c'est le début du live, on dit toujours des bêtises au début du live. Oui oui après ça a, va aller On va, parler, pas on va parler de Mathilde Panot, va, ça va être plus sérieux. Mais non mais en vrai, moi je dis, il faut pas hésiter à demander. Vraiment. Uncanny, uncanny. Ça attends, veut tu dire, attends, attends, j'ai pensé il y a quelques jours et là ce qu'on est en train de dire me en fait penser. Tu te rappelles à un moment, on avait dit qu'il faudrait faire un dictionnaire des termes de Dany Rase. Mais tout de suite, les gens ont ouvert un Google Doc et tout de suite, des gens ont trollé le Google Doc. Tu te rappelles Oui, c'est vrai. Mais du coup, moi, j'ai envie trucs. de dire est-ce qu'il y en a Si on crée un chat Discord, qu'on faisait une présélection de genre 5-10 personnes, tu vois, et qu'ils avaient la tâche, la vraie tâche sincère de créer le dictionnaire d'Annie comme ça, ça, on aurait affinant, un lien. On voit tous, ça. Hein. <laughs> bah écoute, ils baiseront ensemble s'ils ont envie. Ah non, mais on a rien à faire. Est-ce que vous serez chaud à... ou pas non. Et comme ça, on, 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 on se décide sur des définitions. Mais si arrête, gros, comme ça, les gens qui arrivent, ils tu ont le lexique. Tu veux faire un dani Razwiki un peu En bas, un truc comme ça, je sais pas, même un, juste un doc où t'expliques les mots bizarres, genre les basés, boss, tu vois L'état. Pour moi, c'est comme l'Académie française, c'est détruire ouais. les mots de faire ça. Mais non Alors que pour moi, c'est. Arrête, gros, il y a trop de monde qui nous regarde et il y a trop de gens qui demandent des questions. Arrête, moi je trouve c'est pas une si mauvaise idée. CSC, je l'ai. Ah bah voilà. CSC, BDG, CUC. Non mais arrêtez, c'est des Après là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que c'est des mots sur internet, gros. Mais y a non mais arrête, gros, c'est dur quand tu les as pas, moi je trouve. Ah, en plus, on ouais. en invente certains. Tu vois, il y en a et les gens ils forcent. Mais juste écrit c'est contre son camp et tu sais tout. C'est Golmont un peu. Moi je suis d'accord. Ça détruit les mots. Moi je suis d'accord. Pour moi c'est. Mais moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il y a vraiment moi, des gens qui une... arrivent pas à comprendre tout. C'est une... Une... une idée terminale. Idée... Ouais mais en fait voilà. Goldman. On voyait ces races, c'est votre élitisme. Avez... Ah moi j'ai compris donc ça doit rester pour moi. Oui. Terminali, le raselight. Tu vois gros raselight par exemple. Déjà faut savoir c'est quoi le gazlight. Mais en plus faut comprendre c'est quoi le raselight. Franchement c'est compliqué ce Gatekeeper, bah voilà par exemple. Là il y en a, ils se disent c'est quoi Gatekeeper Bah c'est facile, celui qui garde la porte. Non mais, mais ouais, c'est facile, je suis bilague. Trilague. <laughs> T'oublies que maintenant on a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas tous les mots, qui veulent se mettre à jour. Réel basé, banger. Vous voyez Copium. <laughs> Non, mais c'est pour ça, qu'est-ce que ça pourrait être un Moi, peu je ah. n'ai rien à voir avec ça. Voilà. Banmulch aurait pu avoir cette idée, je vais épingler <laughs> fait. Hop, paf. Voilà. Bah pourquoi pas Moi, je suis sûr non, que ça va moi, aider ai... moi, les, les je bad contre... manteaux, Moi, le je suis contre l'idée. Bah si vous êtes contre, vous y allez pas. Vous jouez, tu peux jouer en mode Dark Souls avec un guide comme. En fait, on dirait les fils de pute t as, t as, qui disent il ah, faut jouer à Dark Souls sans guide. C'est parce que t'as fait toi, donc ferme-la. Ah, mais moi, Dark Souls, je pour avoir un guide. Bah Dark voilà, Soul, bah pas, alors pas laisse, notre stream. laisse les gens être backcités Faites une barre de A5K pour le dictionnaire. Ah, oh oui là, c'est vraiment bad mulch. Après, ah, en vrai, 5000 balles Là, vous, l'idée, te, le te le fait lexique. bander, là, un peu. Là, elle me plaît un peu plus, j'avoue, que je suis obligé de reconnaître. J'ai mon copain qui me fait la trad. Mais en, en plus, oui, bon, ok. C'est un putain de libriste avec ses idées de merde, merci. Bad bitch. Non mais, mais, ça, mais après attends, vous n'êtes mais... pas obligé d'avoir l'idée si ça vous intéresse pas. Mais ça peut être bien d'avoir un dictionnaire. Privé Joe qui a privé dedans. Bah ouais. Moi ça... bon, en fait je trouve. Non ça mais après fier, il y aura genre, quand même des privés de jeu parce que t'expliques de... c'est quoi le gaslight. C'est vraiment notre faut que euh, quand on dira light ça sera plus drôle en fait. Je comprends. C'est tellement exceptionnel d'utiliser ces mots qu'on est obligé d'en faire un dictionnaire wow, pour quel la postérité. chat animé non, non, oh, oh les trucs chat GPT vous êtes pas. Drôle. On est tellement drôle qu'il faut absolument qu'on marque dans le marbre chacune de nos expressions. Bah, le pour être sûr que précis, tout le monde y La eu... te rappelle à l'époque, c'était une volonté. Oui, bah oui, bah, c'est bien ce que je dis, c'est Golemon. quoi. Bon, bah je le ferai pas, c'est la faute de Rass. De toute façon, on rappelle que Rass a la grande idée, c'est de mettre les vidéos en sub payant. Ouais, ah vrai c'est quand avez... on les passe en, en lit sub les Jamais. vidéos. Là. Par contre, je vous préviens les gens, le Zawasho, faudra être là, parce que la, pr la première semaine, il sera en, en, en sub only. Pour récompenser les fans de Sub Et pour qu'on mette la vidéo sur Youtube Un ou deux jours après qu'elle fasse des vues Donc les gens Michel VOD bah pour une fois il faudra faire un effort Et être là comme ça on aura un peu plus de spectateurs Et sinon bah faudra payer Ah bah oui voilà. non, mais au bout d'un moment Et c'est juste ce sera rien d'autre que zawajo Mais ça c'est comme Backseat comme Popcorn comme littéralement Toutes les prods qui valent des milliers d'euros On est obligé de faire ça C'est normal il faut que la vidéo apparaisse sur Youtube derrière Plus que nos vidéos habituelles et puis, comme ça, au oui. moins, vous êtes obligé d'être là le jour J pour profiter en direct. Voilà, je le dis pour les gens Michel VOD qui nous écoutent. Logique. Bah oui, mais après, elle sera gratuite une semaine après. En fait, c'est ça aussi. Si vous êtes des impatients de merde, bah vous payez. Sinon, vous attendez une semaine si c'est si facile d'avoir des convictions. Hum Bref. Hum de toute façon, il y aura plein de gens qui vous offriront des subs à ce moment-là, je pense, n'est-ce pas Il y aura du ruissellement. La vidéo sortira vite sur YouTube, cassez pas les couilles. Oui, oui, bah oui, justement, elle sera le lendemain sur YouTube, je pense. Donc, euh, ça va. Hein. Exactement. En vrai, vous aurez quelques heures à attendre, mais je suis sûr qu'il y en a qui ils vont craquer dans la nuit, quoi. C'est ça aussi le plaisir. Oui. C'est sur ça que je compte, d'ailleurs, d'un point de vue euh, oui. financier. Euh, de, de, de par. Euh, ah, oui, c'est oui, voilà. Bon, là, on se mate le vu, là, comme Pour ça, la... on fait le petit bail le, le vu, le vu, Et le après, vu, Après, on peut aller voir notre débat. Et après le vu, je vais pisser. Le. Vu, vu, le, le vu, vu. Vu. La planète qui n'a jamais eu aussi chaud en 2023 n'a jamais consommé autant de charbon. La demande mondiale a atteint plus de 8 milliards de ah. tonnes cette année, un record ah, historique un selon l'agence internationale. de euh, fait un truc gris dans la nature, ça donne un peu de variété quoi. Sinon c'est monocorde la nature. Ouais. Hein. Comme toutes les espèces. Euh, Dani un peu d'anicor ça. Ah bon Je sais pas je trouve. <laughs> En vrai, oh, on a, attends, un je, à droite, c'est moi, à gauche, c'est toi. Oh, en vrai, il y a un truc. Hein. C'est vrai qu'ils sont un peu Raz. Euh, Une crue annoncée à 6 mètres en Charente-Maritime. Plusieurs communes se ouais. préparent au pire. De nouvelles évacuations ont eu lieu. Dans les Alpes aussi, les sols sont gorgés d'eau. En Haute-Savoie, un habitant a même filmé un glissement de terrain. Des images mises en ligne par le conseil départemental. On y voit euh. le sol se dérober, la terre et les arbres glisser doucement jusqu'à la route. Ça, ça va, t'as le temps de c'est Pas dangereux. Dans le département où plusieurs routes sont coupées actuellement. C'est ultra Ça va chaud C'est une publicité qui <laughs> dénonce le réemploi. À va. gauche, le monde magique <laughs> des emballages jetables pour la restauration à emporter. À droite, l'enfer du réemploi qu'il faut laver et qui paraît bien cracra. Selon Mélisande, ce serait pour décrédibiliser le réemploi avec des données trompeuses. Il est écrit qu'il faudrait 4 milliards de litres d'eau supplémentaires pour tout laver, à droite. Et à l'inverse, à gauche, les emballages jetables, eux, diminueraient les Quoi émissions de gaz à effet de serre. Non, mais attendez, non mais qui croit un ça C'est une arnaque de fou. Qui, attends, qui, qui croit à ça par ça Les gens, ils pensent vraiment que c'est plus écolo les trucs à jeter en carton. Mais attendez, c'est du foutage de gueule. Attends, qui croit mais... à ça il y a vraiment des débiles en mode oh, c'est pas logique. J'aime trop. <laughs> ça pourrait vraiment être Zawashu, vrai ça. Ah ouais, Zawashu de cette étude, c'est quoi C'est. Le cabinet Kerny. Commandé par nos Silver Bullets. Et ça, c'est les lobbies de l'emballage qui sont cachés derrière nos Silver Bullets. Ah oui, d'accord. Donc, ce n'est pas du tout des études scientifiques Non, ce n'est pas du tout de l'étude scientifique. C'est un cabinet de conseil. Exactement. C'est absolument ah. scandaleux, en fait, euh, de voir ça. Et euh, c'est les lobbies euh, des fast foods des emballages, qui vont euh, mettre en avant des chiffres comme ça, qui commandent des publicités à destination des parlementaires. Waouh Mais en plus, ça paraît évident. Je... Je sais pas, ça me Les gens qui ont cru à ça sont vraiment teubés, voilà mon avis. En France, est-ce qu'on a du lobbying aussi Après, le truc qui m'avait marqué sur le McDo avec les leurs nouveaux verts, c'est quand j'ai vu un gamin le jeter dans la, dans la poubelle. Ah oui, non, mais là, les gens il a jeté le, 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 le verre en plastoc, il l'a jeté à la poubelle. Ouais, les gens sont ouais. cons quoi. Ça aussi la vérité quoi. C'est que les gens sont teubés quoi. <laughs> on est fini. C'est vrai que c'est un petit peu plus discret, mais on a aussi du lobbying. Donc je vais te montrer le cas de Marie-Ange Badin. Elle était déléguée générale de la maison des eaux minérales naturelles. C'est quoi ça C'est le lobby de la bouteille d'eau en plastique, tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle est devenue Marie-Ange Badin Eh bien elle est passée de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté Au ministère de la transition écologique. Wow. Donc elle est passée ah. du service des industriels. Au service de l'État. Exactement. Eh bah, ben, eh ben voilà. Étonnant. Putain, mais tous ces gens-là qui se font. Oh, c'est grave. Comme ça. Mais ces gens-là, là, ils me un des d'eau, c'est révolutionnaire. Hein. Voilà. Bah. C'est une idée comme ça, on pourrait s'inspirer. En du vrai, passé. Euh... ça vous dirait ou pas En vrai Du euh... procès révolutionnaire un jour. On leur dit ouais, bah, bah alors, ouais. tiens. On leur euh... met un baveux, mais un baveux pas ouf. Ouais. Tu vois L'État. Vraiment Oh! oh, ouais. oh ah ouais! L'État! Oh l'État! Ils étaient pris dans le système! Voilà. On ne peut pas leur en vouloir! Vous êtes anticarcéral! Mais est-ce que c'est pas de la cancel culture que de condamner ma cliente la cancel culture! Mmh. Des ok, elle a détruit la planète! Mais c'est un peu de la cancel culture! <laughs> Je le vois vraiment comme ça. <laughs> la losing queue, c'est ça, on les met <laughs> en losing queue avec l'État! <laughs> Je rattrape. Et puis dans l'actuel. Oh Waouh, t'aimes vraiment de la merde. Hein. Gros, j'aime trop les télécrochés avec de la musique de merde, ça me passionne gros, je suis fasciné. L'armée israélienne a annoncé ce vendredi que des soldats opérant dans la bande de Gaza avaient tué trois otages israéliens identifiés par. Par er erreur. Ou alors ils s'en battent les couilles un peu En vrai Et De toute façon, ils sont juste trop occupés à tuer les autres Non Erreur comme une menace. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déploré une insupportable tragédie qui plonge tout l'État d'Israël dans le deuil. Et puis, euh, toujours à l'étranger, ce coup dur pour l'Ukraine qui n'a pas obtenu l'aide de 50 milliards d'euros promis par l'Europe. La faute au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui s'y est opposé. Il demande, en échange de son feu vert, le déblocage des fonds pour son propre pays. Il ne fait pas de manière. Rustre et rustre. Je vous présente Marie. Bonjour, Bonjour euh, Marie. Elle est il est vous, Didier. Là, il est rose. Mais non, ah, mais je connais Didier, je connais ah. ses yeux. Oh. C'est oh. mon professeur de CM2. <laughs> eh oui Quoi oh, J'ai envie de pleurer. C est... C est... Envie oh, de pleurer. Mon... <laughs> mais non, mais c'était mon enseignant préféré. Avant, ah ben, enfin, wow, pour oh, voir la euh... télé, c'est incompréhensible. Assouvir son fantasme. Ah ouais, moi, tu me fais ça, genre, genre, genre je sais pas, tu vois, je peux mettre une mauvaise note c'est ça que tu baises ta prof ah non bah non justement lui mettre une mauvaise mais note attends, mais as ça me excite c'est le premier truc auquel t'as pensé Dani waouh les regarde attends attends regarde notre président hein. notre wow. président m'a donné ah, donc tu t'identifies à Macron donc waouh wow. Dani l'obsédé hein. non, non mais les mais gens hein. les gens vivent dans un pays où notre président est bizarre de prof bizarre Dani ok Dani Macron terrible c'est hein alors que moi j'étais mignon, j'aimerais bien lui mettre une mauvaise note, tu vois, j'étais dans l'innocence quoi. Non toi tu t'es mis Mais tout de bon. suite du côté du prof, moi de l'élève, on voit nos... on voit vers où va notre cœur. L'élève qui couche avec sa prof. Camus, ouais. hein, qui as dit, euh, on dit, voit euh, une partie de la on phrase. Voit ceux qui Camus pensent aux voleurs et ceux qui pensent aux voleurs. Camus aussi au foot, voulait quoi. baiser avec ses profs, ça m'étonne pas. Non. Ah <laughs> oh, vous c'est Camus pas du tout une réputation de baiser de prof. Non hein. il baisait, ouais, il voulait plus baiser les étudiants de théâtre quoi. Oui ouais, super. super Wow, super tes références, Dani. oublié bah oui, Camus. mais moi je, moi, je groume pas, ça, moi hein. je me fais groomer. <laughs> oh, super. Tu vois la bien. différence Dani a dit faites-vous groomer par vos profs. Okay. Ah non, mais. Bon, soit t'es dans les ah, plus ah. âgés, soit dans les plus jeunes. <laughs> moi j'ai fait, moi je choisi mon camp. Du coup, t'es pas du okay. sang Camus alors Tu oublies Camus Ah ouais, moi je l'oublie hein, sur cette question-là. <laughs> je pense que c'est mieux. Oula ouais. <laughs> Oh. C'est quoi cette émission de ouais, Golemon hein oh, Ardisson, il fait trop bad et. Ouais, mais oh. oh. les extraits d'Ardisson, de Matsnef et de... et de Big oh. BD ensemble là, qui font euh, des blagues sur les gamines, hein. ça ressort en ce moment. Et lui, toutes ces émissions sont. Elles vieillissent très mal, on va dire quoi. Vous embrassez, <laughs> venez faire un câlin. Oh là 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 la Voilà, donc ça, c'est ça que tu veux faire, toi. Bestine. Ah non. Des câlins à tes profs qui t'ont harcelé. Oh, ah, je, moi. Dis, je te pardonne. Charlie. Moi, je Naruto, te dis, je te pardonne. On est tous les deux, tous les... voilà. Alors ah oui, elle récupère plus les ballons. Allez Lena Granvo. Oh, oh, oh le Et goal là. volant. Mais n'y a même pas de. L'erreur oh, du goal volant. Bah oui, c'est le goal volant. C'est souvent, je ce pense, c'est une fin de match. Tu fais ça pour euh, être en supériorité numérique. Ouais, tu vois, c'est la fin de la seconde. De la seconde. <laughs> On leur a roulé dessus. Le cinéma c'est fini. Le cinéma ça j'aurais jamais un sou. D'ailleurs je vais vous dire même mieux. Vincent Bolloré j'étais associé dans une boîte de prod qui s'appelle Nolita et Vincent Bolloré a dit à mes associés vous n'aurez pas d'argent pour ce film sauf si vous virez à Ardisson. Donc j'ai vendu mais part de cette société pour, pour qu'ils puisse financer le film. Vous vous rendez compte où on en est et, et tout le monde est en PLS là-dessus En mode, waouh, ouais, cette info est plus choquante que tout le complément d'enquête réuni sur Anuna et tout. Je suis en mode, genre, vous êtes étonné que Bolloré fait des moves comme As, de mettre des coups de pression sur des gens qui Enfin. Genre oui, c'est une... Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve... Bah, que les même gens lui, il lui met un coup de pression en balançant ça à la télé parce que... Oui, enfin, je sais pas, je... Le quotidien, c'est les ennemis de Bolloré actuellement, mais c'est gens... un autre milliardaire. Après, ça... Après on... ça, ça va dans la suite de l'image de Bolloré. L'odeur de la boîte. Mais... C'est Nolita, c'est ça le nom de la boîte wow. Super. Mais je sais pas. Je trouve que les gens ont surcoté la, la, le riville quoi, genre bon. Bolloré me devient sympathique, non mais... Oui, bah, que vous êtes des en fait, il y a un quoi, final mais... boss, c'est Boloré, je suis d'accord, mais il y a des boss avant le final boss dans les jeux. Ouais, Pourquoi ça, vous voulez pas que... considérer qu'il y a des boss euh... oui. intermédiaires en fait, qui sont tout... ah, deux très deux méchants Bolloré, bon. Avant, avant il y a Genova. Donc, vous pouvez considérer qu'Ardisson c'est Genova et Sephiros, c'est Boloré, quoi. Ah, ça me fait du mal de dire ça parce que. Je les préfère. Pas. Ouais, pas. <laughs> Je préfère Genova Firos, et c'est Pauvre quand même. Il, est plus, il a plus de sex à pile, quoi. Trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Mais moi, au-delà d'Anouna, de, de, maintenant j'ai décidé de m'attaquer réellement à Bolloré. Parce qu'en fait, Hanouna ah. n'est possible que parce que Bolloré le soutient. Si, sans, sans Bolloré. Il euh, Y a pas là euh, bon. Ça déjà. Donc, moi je pense. Voilà que... la limite. Mais ça, t'as vu qu'il y a Libé aussi qui est sorti. Il se passe quoi là Ils se mettent tout ça. Ouais, moi j'ai l'impression gens... Moi je pense que les gens commencent à se dire que c'est un problème Bolloré quoi. Et notamment, je pense la concu euh, médiatique. Euh, je pense que ils, ils ont dû disent, voir les ouais, audiences. Impossible quoi. Ouais les audiences. Du complément euh, d'enquête. Et puis même tu vois, genre je pense que L'extrême droite... une... droitisation euh, de Bolloré. Je pense que même les médias un peu macronistes, ELV gentillés, tu vois, euh, genre, je pense que même à eux, ça leur casse les couilles, tu vois. Ça veut dire que là, ça devient trop forcé, tu vois. Mais typiquement, Gaspard Proust, tu vois, encore pour moi, un crime de Bolloré, parce que il y a eu une époque où, OK, ça a toujours été un mec un peu réac. Il y a des trucs où il était drôle et je trouve que c'est un glodon ce gars. quoi Ça devient... Un fonceur, ouais mais c'est précis qu'il y ait cette quoi. attaque, le comique utile de Bolloré. Et tu sens qu'il y a des ouais. attaques autour de Bolloré qui n'y a pas eu. Donc je me demande ce qui se passe. Ça se voit que la, la concu. Des autres milliardaires ou ouais. je sais pas quoi, ils, ont, ils commencent à mettre des coups de pression bizarres. Ils font des tirs groupés. Il y a un truc qui est en train de se passer qui est chelou. Après, ouais. est, après je trouve ça logique. Tu vois, à un moment donné, c'est trop. quoi tu vois Genre... Et puis ça veut dire que... Le fait que les autres grands médias euh, commencent à s'attaquer à lui, c'est que euh, ça leur plaît pas et qu'ils oh. font un contre-pouvoir à lui. Ils se disent, bon, faut qu'on commence à y réfléchir, on peut pas taper sur la Nupes toute oh. l'année, quoi. Je comprends pourquoi tu veux pas de, de dictionnaire. Regarde ce que les gens ils comprennent quand tu parles. Glowdome <laughs> <laughs> Glowdown Le Glowdown Le Glowdome down. Glow down. C'est genre, oh, c'est la, la, la baisse de qualité. Voilà, c'est ça. Exactement. Glowdown. Le Glowdown. <laughs> le Glodome. Bienvenue dans le, glow le glow down. C'est pas popularité le Glowdown, c'est baisse de qualité, vraiment. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, c'est comme t'as le Glow Up. Le voilà, tu... Glow Up, une... c'est du monde de qualité. j'ai un bg bah, C'est compliqué. Et je l'ai dit euh, ce matin sur Sud Radio, et je vous le répète. Que, il faut dire la vérité sur Bolloré, c'est une entreprise, si vous voulez, insupportable. Il y a Thierry Ardisson qui veut exister à travers nous. Ah, un vieil bonne animateur oh, oh, veut revenir. qui veut revenir malheureusement. Donc il s'est dit, tiens, je vais faire du buzz en parlant d'eux. Euh, oui. Votre commune de SECPA, obligé de voter Mélenchon pour avoir un truc dans la vie. Ah, attends, je vais voir tes autres messages. SECPA Je vois pas le rap, mais les SECPA, ils votent pas Mélenchon. C'est oh. bizarre. il fait des chapeaux chapeaux et tout Ah ouais degrés. ça a pris un ban pour le chapeau chapeau Ah ouais tout le reste à la limite bon Ah là là Allez. alors le chapeau chapeau pour Thierry j'espère qu'il nous regarde en train de manger sa soupe ce soir <laughs> Moi un... c'est ça qui est horrible on... moi j'aime bien chapeau chapeau et à cause de ces gens là on peut plus l'utiliser c'est terrible Oui ça a utilisé pour les degrés toi, Moi j'aime bien rencontré. chapeau chapeau moi je suis pro Wendo, chapeau chapeau bully, de base tu plus utilisé. Je sais ça mais moi je suis pro chapeau chapeau mais en fait c'est plus possible quoi Non mais c'est ton côté fan de métal Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'aime le black oh, metal, j'en le black metal. Chapeau, tu chapeau. es mature pour ton ouais. âge, chapeau, chapeau. C'était ça tes <laughs> conversations. Ouais, ouais, en gros, ouais. Bah. Avant les partout. Un jour, si vous voulez, j'avais par exemple interviewé quelqu'un du Qatar et on m'appelle, on me dit écoute, il faut que tu coupes l'interview du mec du Qatar. Et le mec disait qu'il avait eu des problèmes, un Français qui avait des problèmes au Qatar. Je dis pourquoi Parce que j'étais en train de signer avec Bean. Alors je dis bon, je vais couper. Bah, oui, t'as intérêt à couper, sinon il faudrait que tu fasses attention en traversant la rue. Wow. C'est quand même une réflexion parfaitement mafieuse. Les chocato. Wow. un oh, Ah oui, ils vont nous mettre à chaque fois les chocatos, Franchement, et vous le savez bien, parce que vous avez été victime, vous aussi, de, de Cyril Hanouna. Aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de paix armée. Mais. Oh là, là si mais ils se regardent les uns les autres on, va... oh là, on est en train de. C'est une dinguerie un peu, hein. On va rien mais dire, c'est son dos. C'est ce... un peu ça. De quel droit ce type se permet d'insulter tout le monde tous les soirs à la télévision Enfin, je veux dire, c'est c'est pas possible, quoi. C'est une racaille inculte. Dit pas hardisson le C.S.C. Bah oui, en fait, mais justement, ce il s'est fait voler son truc, un peu. C'est ça aussi. C'est là aussi où c'est un peu C.S.C. Mais en même temps, si ça ouvre la porte à un peu dire à va te faire foutre, euh, moi pourquoi pas, tu vois Ouais, mais bon, ne suis D'accord. Okay. Oh regarde à ça c'est tout le chat m'a ah, envoyé ça je après. en me disant que c'est fait absolument pour toi. Non ils ont dit c'était pour plutôt... toi. Désolé hein. Il n'y a Paf qui est content. Hein. Oh, ça c'est le rêve de dernier pas Paf hein, c'est votre soirée de rêve. Non. Après? Aller là-bas avec Paf me rendrait heureux, mais que avec lui. Que avec Paf, quoi. Ouais, que avec Paf, sinon je serais malheureux. Ok, c'était éclaté. Vas-y, je vous au shot Oui, oui, vas-y, vas-y. Bah écoutez, c'est quand même pas mal. Pourquoi vous êtes pas content Ça me rend vraiment heureux, premier degré. Ah, je suis bien. Et là, je suis parti pour une sieste, là. Là, vous ne trouvez pas j'ai une bonne position Je suis un peu fatigué, en vrai. C'est pas mal comme ça. 3 cassettes, viewer. Bah, hé hey, regardez. On regarde le truc Squeezie et après on regarde Mathilde Pan, non Paniquez pas. Ne partez pas, ça va bientôt commencer. Juste là, voilà, on fait une petite pause avant de s'y mettre. Respirez un coup. Allez, justement, là, c'est le moment. Allez pisser. Allez-vous chercher un truc à bouffer, à boire. Ouvrez une petite binouse ou une bouteille d'eau, un coca-zéro. Je ne sais quoi. De ce que vous buvez, un café, un thé. Installez-vous correctement. On est bien, quoi. Attention au Glodone, c'est vrai. Panneau pas lumineux. Ah ouais, le panneau, il, est, il était pas bien réglé, c'est ça Moi, j'ai vu plein de gens, en dit panneau, c'est pas ouf. J'ai mon coca chérie, c'est bon, je roule. Actuellement, c'est bien, vas-y, fini de rouler. Je termine mes pull j'arrive. Bien vu les mouchoirs, Squeezie. Ouais, vous allez voir, il les enlève en plus. Moi, je, Thaïs, je ne peux pas la voir, ça va être dur. Moi, ça faisait longtemps et là, c'est 10 minutes. Ça parles de body count. T'as vu ça, Dani Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est C'est pas intéressant, t'es ban, hein Ah oui, oui, j'ai vu ce genre de choses. Oui, d'accord, oui, oui. Ils ont fait ça avec David Guiraud, avec plein de gens. D'accord. Prends oh, un ban pour moi. Hein, 10 minutes. Ça va, ça reste un peu pertinent, mais c'est quand même un peu chiant. Moi, je fais du crochet parce que je suis vieux. Ah bah voilà Mais il y a des gens qui font du crochet. On l'a déjà vu, hein. En général, vous faites des chaussettes moches, bizarres, là. En fait, que les gens qui font du crochet, vous finissez par faire des trucs pour vos potes, mais on ne veut pas les porter, en fait. Enfin, je vous le dis au nom des. Ah, et du tricot, là. On est d'accord que vous avez tous un pote une fois qui a fait du tricot et qui vous a fait un truc et vous étiez en mode ah de ouf ça fait plaisir et vous avez mis ça dans un placard et vous l'avez jamais ressorti parce que c'était un truc coloré un peu moche et que vous n'avez pas voulu vexer votre pote quoi personne met ça trop bien les chaussettes en laine oui non mais ok mais j'ai pas envie d'avoir des chaussettes multicolores euh... un peu lame quoi c'était une Timo. T'as zéro goût. Wow, mais c'est vous qui acceptez ça Vous acceptez de porter des choses comme ça avez un problème. Super pour l'isolation des murs quand tu construis une barre. J'ai pas compris là, par contre. C'est fait avec amour. Ouais, bah super. ouais, mais mais moi dis moi En fait, si vous m'aimez, offrez-moi de l'argent. Ne m'offrez pas des chaussettes en laine, en fait. Genre, si vous, au lieu de nous envoyer des subs, vous nous envoyez des chaussettes en laine, je réponds serais pas en mode Ah, mon chat m'adore, je serais en mode Ils me veulent du mal, en fait. Je comprends pas. Je t'aurai chaud aux pieds, mais j'ai chaud aux pieds. Avec de l'argent, je peux mettre le chauffage. C'est encore mieux que des chaussettes en laine. Puis je peux m'acheter des chaussettes épaisses avec de l'argent mais des chaussettes épaisses de mon choix genre un peu noir, un peu stylé quoi je suis pas obligé d'avoir euh, des chaussettes bizarres, là, tricot, mohair après vous vous aimez le mohair, c'est ça votre truc vous êtes comme la femme de Dominique strauss là vous êtes tout le temps en mohair et vous fantasmez là sur les trucs de mohair, ça votre truc genre vous, vous voulez une combinaison intégrale en mohair avec juste la teub qui dépasse <laughs> comme ce qu'on a vu sur Doctissimo il y en a qui voient de quoi je parle vous savez qu'il y a des pages entières de gens qui fantasment sur du moher sur Internet. Hein. En moher, vous voyez pas Attendez, est-ce que... Attends, il faudrait que je trouve une image. Attendez, je vais chercher une image. Euh, parce que je, je, ta... je vais taper ça. Il doit y avoir des... Voilà, je vais essayer de trouver des images safe. Voilà, ça c'est très bien. Alors je regarde, il n'y a pas de bite, hein. Non, il n'y a pas de... Bite. Ah. Voilà, voilà, les gens. Je vais vous montrer le fantasme sexuel du chat. Hein. Ah, c'est très bien. bien ça là. Il y a des gens dans le chat qui sont là dessus là. Ouais, gros, ils veulent. Ils... En fait, ils commencent à me dire le tricot, c'est trop bien. Voilà. Le chat, ouah, voilà les fantasmes ouah, sexuels du chat. Ouah. Vous baiser habillés comme ça, vous, vous frottez non, dans à le moelleux quoi. tout. Ouah. Ouah, vous êtes, vous avez des problèmes, désolé. Hein. Et là, les gens, dites-vous, ça, c'est le summum du sexuel. hein les gens euh, dites-vous que c'est vraiment chats. un king hein, ce que vous voyez hein. c'est vraiment un king pour de vrai. Hein. Parce qu'ils font du tricot quoi. Trop bien chat qui fait du tricot. C'est trop grave, oh, c'est grave. Bon, on regarde la bande annonce du truc de Squeezie et après on regarde Mathilde, vous êtes tous là pour ça de toute façon, on va regarder Mathilde. Vas-y, ça part. Mais d'abord, je vois la bande annonce du docu Orelsan de Squeezie. <laughs> regarde, il y a rien, le premier plan ah, 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 il range ses bouchoirs Oh cet fait... ado Yo tout le monde, c'est Squeezie Salut tout le monde, c'est Squeezie Qui aurait pu croire que cet ado bourré Deviendrait le premier youtubeur du pays Petit frère, il est un peu différent de la norme Ça me fait un peu peur ah, J'espère va... Putain on a le même grand frère, il pense à la même de moi On va dire il est finito Bah youtubeur en fait va vraiment s'en sortir ah, dans, dans la, la, la life parce que c'était pas gagné d'avance Bah les premiers à y avoir cru Ah, perdu d'avance, ça c'était Orelsan euh, Et pas gagné d'avance, c'est Squeezie oui c'est ça. Et aujourd'hui il y a du monde. On est à Paris la défense arène avec plus de 1500 personnes Et Lui c'est la première star de YouTube, tu vois, Ré star. C'est un phénomène. Le gars il est là, ça déchaîne les fous. Je pense qu'il n'y a pas un jeune qui connaît pas pour dire les choses en France. C'est genre le James Cameron. Bah on, a, on apprend des choses avec ça pour l'instant <laughs> Ouais, oui ouais, C'est de l'inédit là le, De Youtube tu vois Je, je croyais pas que vous alliez vous débarrasser du bientôt oui, oui. Aujourd'hui vous ah, êtes oui. plus de 18 millions à le suivre sur Youtube Et moi, ça fait 10 ans que je réalise ces vidéos Regarde <laughs> notre gueule mec ah c'est comme le ouais c'est vraiment le même truc qu'Orelsan, c'est trop marrant donc il y a Théodore Bonnet c'est mon réalisateur préféré oui, Lucas mets ta main. Ah, c'est la première fois que je t'ai vu je me suis dit mais en fait Attends. par contre ça c'est ça qui m'intéresse parce que par le truc Aurelsan par exemple bon oui il a du succès lol mais oui, ce qui était intéressant c'était le processus créatif de le voir évoluer oui, et de du fou, coup s'il si y a Squeezie fou. qui a été suivi comme ça la série m'intéresse bon la bande annonce du coup euh, voilà elle est là juste pour résumer le principe mais le... Moi, la série documentaire. de documentaires, bah, je, je suis un peu chaud. On va vrai, se planter avec ces gars-là. <laughs> Pour moi, c'est une classe de lycée qui arrive. Est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs Lire, dormir, ah bah, tiens. baiser, ça marche non. Et même si ce qu'ils faisaient sur Internet n'était pas vraiment compris par tout le monde, ça nous a pas empêché de faire énormément de trucs. Action Et surtout, à force de tourner ensemble, on est devenus amis. Elle incroyable. <laughs> Pendant toutes ces années, je l'ai filmé okay. partout. Tout un cette caméra et tu viens avec toi. Allez, allez. Avec un seul but en tête, que vous le connaissiez comme moi je le connais. Vous avez tous refus, hein C'est <laughs> Bref, vous êtes plus de 18 millions à avoir croisé la route de Squeezie. De cette histoire, et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il n'a jamais osé vous montrer. Je suis le gars le plus normal man au monde, mais j'ai la vie la plus extraordinaire que je pouvais avoir. Il se trouve dormi, hein, Squeezie Ça ah. Ok, bon. D'accord. Ok, à voir, à voir, à voir. Je sais pas, j'espère qu'il y aura du. suis un peu des hype avec la bande annonce. Ouais, si la bande annonce m'a. Alors que je dirais de feu. Ouais, ouais, ouais. Je suis ouais, en mode, bon, oui, bon, ça bon, va juste dire bon, il a bon, du bon, succès, bon. ce qu'on sait déjà, ou est-ce qu'il va y, oui. y avoir l'aspect la, créatif Non, mais peut-être. Ouais. Après, c'est une, dé... une bande annonce. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Une bande annonce, voilà, c'est. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Bon, ok, ok faire un documentaire sur soi-même mais c'est pas lui non mais après la légende c'est Squeezie oh, bien sûr qu'il a le droit à un oh documentaire. Ah oui, ça va, c'est la, la plus, plus grosse star euh, de YouTube en des, France des, des... Oui. Euh, genre est plutôt euh... est-ce qu'il est bien quoi Et il en fait des trucs. Oui, il fait plus de trucs que vous. Oh là là, oh, le poulet. Vous êtes prêts pour le poulet ou pas Oh le poulet. Alors attends, oh, ça commence poulet. quand faut que tu me streams, faut que tu me streames, Ah oui, ah oui, le poulet. Est-ce que vous l'avez sur YouTube le débat en vrai les gens. Est-ce qu'il est sorti sur YouTube Vérifie, toi, vite fait. Parce un, que tout à l'heure, il n'y bon. était pas. Je vais regarder. Ouais, sur la chaîne de panneau, Envoyez lien. Ah, merci Frédéric. Ah, j'ai même Lardo. le, j'ai le BFM Et aussi. Si vous nous rejoignez. Il est. Ah super, parfait. Ben, bah, on va regarder sur Mathieu panneau. Voilà, C'est encore mieux. Parfait, parfait. C'est encore mieux. Donc, attendez. Nickel. Parce que le, le, le les players hein. Ah ouais, hein, euh... les players du Golmont, là, ça va. Hein. Ancien simp, nouveau player. Qu'est-ce qui justifie ce débat bah, Je sais pas, c'est un débat euh, entre deux partis politiques opposés. à la Non thème. mais là, attendez, il y a plusieurs choses. Contexte de pourquoi c'est intéressant de regarder ça. Bon, c'est un débat avec une grosse raciste, ça va nous saouler assez vite, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà de voir un peu bah, où est-ce qu'ils en sont, les arguments, Marion Maréchal, euh, machin. Comment Mathilde Panot va répondre, moi, surtout, parce qu'on a vu déjà Mélenchon-Zemmour euh, Mathilde Panot qu'on voit souvent à l'Assemblée et tout, et nous vous savez qu'on la trouve globalement je pas assez douée. déjà vu en débat politique. Mais là justement, politiques. surtout un débat face à Marion Maréchal, c'est pas rien. Donc ah, euh, de fou, de fou, de évidemment fou. que c'est BFM, évidemment que ça va parler d'immigration la moitié du temps. Je le colle d'avance, ça va être un peu relou mais en même temps c'est oui. quand même intéressant de regarder un peu comment elle s'en sort alors certains disent qu'elle s'en est mal sortie apparemment c'est la vie là dans le chat d'autres que c'est bien bon on va après, voir après je sens que vous allez être trop méchant ou alors trop suzerain et puis après moi je pense que aussi à un moment donné c'est important que Mathilde Panot elle en fasse parce que même si là il y a des moments où elle se plante ça veut dire que le prochaine fois elle pourra être meilleure quoi genre c'est ça aussi moi c'est ça que je trouve horrible c'est qu'imaginons elle se rate tout le monde va être horrible avec elle et elle va plus vouloir en refaire alors que justement faut autant rater un débat à ce moment-là que de rater un pendant un une échéance pendant, pendant 2027 oui oui bah oui oui voilà c'est ça tu vois genre on peut pas faire pire qu'usine non mais là vous comparez l'incomparable c'est marrant quel, quel rapport euh... on va regarder attends moi avant de regarder je suis désolé je suis envie de faire pipi autant être, bien, quoi, autant être bien quoi ça... du Hamel est inutile ouais bah en plus du Hamel euh, S'il avait besoin de modérer euh, Propano, évidemment qu'il le fera pas. Aussi, tu sais que quand tu arrives dans un dispositif BFM TV, t'es pas, es pas chez toi, quoi. Donc, euh, bien sûr que, voilà, quoi. Genre, ça va pas te dérouler le truc, faire des sujets qui t'arrangent. Ça va laisser parler les trois quarts du temps d'immigration et jamais aller sur la question sociale, quoi. Genre, c'est, c'est dommage, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Je vais prendre l'aponyme de malheur. Pourquoi Panon n'a pas raté. Trop de racistes durant la partie migration. Ouais, mais là, c'est pas de sa faute. C'est Marion Maréchal qui peut dire tout ce qu'elle veut avec BFM qui lui laisse dérouler, quoi. Genre, vous connaissez les bails, quoi. Tu joues à l'extérieur. Oui, oui, c'est ça, quand elle est bien sûr. Bien sûr. La fille est pas chez elle à la télé. Bah oui, c'est ça, c'est ça, mais ça, on le sait, tu vois. Clémence Guetté aurait fait mieux. Bah, peut-être pas. Et après, là, c'est Mathilde Pano. Oh, c'est toujours jamais assez, hein. Terrible, hein. terrible. Hein. Clémence Guettet, très forte en débat. Moi, je ne l'ai pas. Attends, mais Clémence vous en débat avec d'autres politiques, parce que les gens, euh, parler avec des journalistes, même qui sont en mode euh, contre vous, c'est pas débattre avec un, une autre personne politique. Hein. Guettet, bien meilleur. Mais vous avez déjà vu Guetté euh, peut-être qu'elle est meilleure. Hein. Presque 4KGG. Et oui, Assine Bellou, bien sûr. C'est parce que c'est le gauchisme aussi. Euh, voilà. Très forte en karting. bon Allez, allez, le poulet. Là. Mathilde Poulet. Okay, okay. Donc, donnez-leur à reconquête. D'où Marion, Rasselard. Mais, doute, euh... donnez-leur à le reconquête. Mais, moi, je. Ah non, quoi on est... leur... Attends, 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 attends. Vous êtes de... là-dedans, là. On est en 2012, là Genre, attendez, ils ne débat. pas débattre avec euh, ils, ils, ont ils ont plateformé des idées racistes. Il n'y a jamais à la télé d'idées racistes. Sur BFM, c'est Mathilde Panot. Eu. À BFM, c'est la première fois qu'on voit des racistes s'exprimer, et c'est à cause de Mathilde Panot. Ah oh non, hein. vous, vous ne faites pas ça. Hein. Ça va. Hein. Pas ce déballage J'ai la flemme de l'avoir en plus. Hein. Ah, mais après, les gens vont peut-être euh... se planter, mais là, en termes de contexte, ça a quand même du sens. En plus, il faut aussi qu'elle s'impose, Mathilde. Mais non, mais là, c'est. Non, mais après, les gens, ça a le trade plus book. Twitter s'en est jamais remis. Mais arrêtez de croire que parce que Twitter dit un truc, c'est important, que ça a du sens. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est bon, quoi. Ça va, quoi. Et 18h sur BFM TV. Et dans C'est Pas Tous les jours, dimanche, ce soir, un débat exceptionnel. À la veille du dénouement sur le projet de loi immigration, Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis et Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête et tête de liste aux Européennes. Ce soir, face à face, bonsoir mesdames, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Euh, à toutes les deux. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté ce, ce débat. Pour ceux qui nous regardent, je vais euh, expliquer la façon dont les choses vont se dérouler et euh, les règles du jeu, si j'ose dire. La première partie sera consacrée aux fractures françaises, les questions d'immigration, oh la sécurité. Là là. La seconde ouais partie bah, de ce ouais. débat, euh, oh, la vie mais... quotidienne des après oui, il y a Marion Maréchal Le Pen, t'as cru parler inflation, mais... frère. C'est là, la... non mais je suis d'accord avec toi, mais je le constatage. Ça veut dire que déjà, le débat au niveau du dispositif et des questions abordées, c'est faire un cadeau euh, à Marion Maréchal. Non mais Parce probablement, que après, que Mathilde plus... a négocié la partie sociale qui va arriver à la fin et donc être plus courte. Bon call. Oui c'est ça, voilà, exactement, exactement. Des Français, notamment les questions de, le temps, de pouvoir d'achat. On n'a plus vos... temps. Voilà, question de pouvoir d'achat, mais tu vois en deuxième partie. on va être mesdames, à la fin. Sont décomptés et qu'à la fin de ce débat, vous aurez chacune une carte blanche avec une thématique de votre choix. Marie-Maréchal, c'est vous qui avez remporté le, le tirage au sort, c'est donc vous qui dans quelques instants commencerez ce débat. Mais juste avant, j'ai une question, la même pour vous deux, mesdames. Vous faites partie de la même génération politique, vous êtes née la même année, en 1989. Qu'est-ce que vous pensez euh, l'une de l'autre, Mathilde Panot Qu'est-ce que vous pensez de Marion Maréchal Quel regard est-ce que vous avez sur votre adversaire du soir Alors peut-être qu'il faut commencer par dire que c'est Marion Maréchal Le Pen qui a demandé ce débat et que j'ai accepté euh, ce débat parce que je ne veux pas laisser Marion Maréchal Le Pen, M. Zemmour, Mme Le Pen et d'autres répandre leurs idées nauséabondes. Et donc je combats fermement ces idées et je crois que c'est ça la démocratie. Par exemple, vous, vous êtes. Sérieux. Allez, Alors, elle a est à à s'arrête ré... Allez, esquive sa question de merde de. Tu penses quoi de Marion Maréchal? Quoi, bah, euh, oui, bah. bah ça ah très bien. Alors sympa. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon, oui, une raciste voilà. quoi. Voilà, c'est une, bon, une raciste moi. Mais bon. Oui voilà. Bah elle est raciste. Pas Mathilde voilà. je peux le dire voilà. facilement. Ouais bah après c'est ce qu'elle a à dire, les idées nauséabondes. Oui oui mais elle peut pas arriver et dire grosse race larde plus ratio. Elle peut pas. Oui c'est ça. C'est très bien. En coulisse avec euh, Marie-Maréchal ou pas Non. Je crois que Madame Panot a demandé à ne ne se, se croise pas. Ça fait, je veux dire. Parce dis... que vous ne serez pas. Là. Oh, voyez, ah, oui. c est c est... pas la main des racistes. Bah oui, mais là. Voilà bon, Mathilde Voilà. 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 Oh la main. Euh... Au Rassemblement National Écoutez, je, je combats le les reconquête. idées de ceux qui sont des dangers pour la République et je considère que Reconquête, comme le Rassemblement National, sont des dangers pour notre République. Marie-Marie-Charles bon, Écoutez, moi déjà, je vous remercie d'avoir organisé ce débat. En effet, je, je l'ai réclamé parce que je pense que ce débat politique qui va nous euh, confronter ce soir est le grand débat politique des prochaines années. Euh, C'est un véritable enjeu de civilisation qui va se jouer. J'espère que nous serons à la hauteur euh, l'une comme l'autre. D'ailleurs, que ce sera un match. Euh, euh, je dirais peut-être pas courtois, mais en tout cas euh, loyal. Mais ma question sans, était. Non, pardon. Sans perfidie, parce que vous, vous avez rappelé un certain nombre de choses à l'instant. Euh, C'est vrai, vous avez raison. Nous sommes euh, un océan nous sépare. Moi, je suis contre euh, la disparition de la France sous le poids de l'immigration et de la civilisation. Vous vous en félicitez, vous l'encouragez, vous l'accélérez. Je suis contre euh, le, le, le phénomène de grand remplacement de la population et de la culture française. On va venir à Zéba, vous vous en réjouissez. La que avec posez, avec ouais, la, ouais. la créolisation. Mais déjà. Et dessus. Moi, je sais que votre. Non, attends, tu texte... as toute l'émission qui est tournée autour du thème de l'immigration. Ah, sa carte blanche ça, va être sur l'immigration. Son intro va... est sur l'immigration, mais, ah, mais gros, droppé, ça, va parler 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 ça va parler pouvoir d'achat. Ça va parler pouvoir d'achat. Maire Maréchal, elle va répondre d'immigration, gros. C'est leur c'est leur totem sur tous les sujets. Ça veut dire que si tu stops l'immigration, tout le monde va avoir de l'argent. Si tu stops oui. l'immigration, euh, tout le monde va aller au musée. Euh, ça va enfin, C'est tellement visible. C'est tellement genre, visible Qu'ils ne parle que de ça, georges C'est ah, oui. le complot facile. C'est de dire ils s'en foutent. C'est extrêmement ça. dangereux pour la France. Il va euh, entraîner plus de chaos, plus d'insécurité, plus de violence, plus d'attentats terroristes. Euh, j'ai deux petites filles et j'ai peur pour mes filles quand je vois euh, oh, que oh des parties telles oh. que oh. le vôtre existent et prospèrent. notre pays, c'est pour ça. Elle a tout à la accumulé. Attends, elle a peur. Attends, la peur morale sur les enfants à cause de la France ah. insoumise. Ah ouais, non mais grosse. Mais non, elle a peur pour ses petites oui, filles, à filles des... oui, qui non, subissent les arabes à cause de la France insoumise, qui qui d'ailleurs, la France insoumise est au pouvoir. On le sait très bien. Oui, puis je suis sûr euh, comme que la France filles... insoumise est au pouvoir, la politique migratoire est décidée par la fille parce que vraiment, c'est eux qui sont aux décisions dans le pays. Bon, bref, tu vois que c'est Ces de petites la merde, filles, c'est sûr, euh, c'est dur à l'école. À chaque fois qu'elle passe devant les 3000, c'est chaud, quoi. ah voilà. Ah ouais, non, mais oh, c'est ouais. trop drôle. Genre, je suis sûr que ces petites filles, elles, elles, ont, elles sont tout le temps oh, protégées dans, de fou, dans des trucs tomber. bourgeois. dans des, Enfin, bref. Euh... Genre, ça va. C'est pas ces petites filles à elles qui risqueraient quoi que ce soit de la délinquance, euh, tu vois. Que ah. je suis revenu en politique en 2022, c'est pour ça que je suis candidate aux européennes c'est pour ça en effet que j'ai demandé et accepté également ce débat ce soir. Je, je constate que vous ne répondez pas à ma question qui était pourtant euh, simple et vous aurez sans doute. On est sur le fond des euh, idées. L'occasion, oui, mais l'un n'empêche l'un oui, pas. Il lui a dit attends une seconde, Mareuse. <laughs> on y allait là. Euh, comment Après bon, bon la madame, vie l'un mais... sur l'autre, ça veut rien dire quoi. Celui qui le va le dire c'est un islamo-gauchiste ou une raciste, voilà bon ok. Immigration, la commission mixte paritaire siégera demain à 17h pour un éventuel accord entre la droite et le gouvernement. Vous êtes opposé à ce texte pour des raisons diamétralement opposées. Euh, ça veut dire que vous souhaitez l'échec de ces négociations entre la droite et le, et le gouvernement. Marie-Machel, le tirage au sort vous a désigné comme... Commençant ce, ce débat. Écoutez, moi je n'attends rien de ce texte et de cette commission paritaire parce que je considère que la parole doit revenir aux Français. Les Français, à de très nombreuses reprises, d'ailleurs Madame Panot, vous appelez régulièrement à écouter ce peuple, se prononce sans ambiguïté pour la fin de l'immigration. Encore un sondage récent cette semaine a révélé que 80% d'entre eux ne souhaitaient pas l'arrivée de nouveaux migrants dans notre pays. Or, malheureusement, ce projet de loi ne répond pas au défi de la submersion migratoire que nous subissons. Euh, le oh, gouvernement le crari, sous Emmanuel Macron oh, a naturalisé le de près de 660 000 personnes. C'est 1 million euh, en 10 ans. Et il n'y a rien dans ce texte qui va limiter l'accès à la Nationalité. Il n'y a pas suppression du droit du sol, il n'y a pas évidemment de durcissement des conditions d'accès à la nationalité. C'est un gouvernement ah, également qui a régularisé sous le Même sa manière Lacour... de parler vite, elle est raciste un peu. Tu vois ce que je veux dire Genre, déjà, ce qu'elle dit est raciste et son élocution est raciste. Terrible. Es j'aime bien parce que finalement, pourquoi analyser plus que ça Bah ouais, d'un moment, c'est quoi. Ah, Lèvre ouais. fine, hein Oui, bah, j'aime bien. Ah ouais, est fine, raciste, tout est raciste quoi. Plus de 310 000 euh, personnes, il n'y a rien dans ce texte qui va euh, euh, freiner euh, ce, ce phénomène, bien au contraire. Avec euh, l'article 4, euh, c'est euh, un texte qui ne touchera pas non plus à l'AME, qui coûte 1,2 milliard euh, par an aux Français, qui ne touchera pas à l'ASPA, cette retraite aujourd'hui touchée par euh, potentiellement des étrangers qui n'ont pas cotisé et qui coûte aussi 1,2 milliard. Oh. Ça ne. 100 fois ça Oui, j'ai accéléré de 20 Un 20, c'est les gens. Si j'accélère pas un peu, c'est chiant. Oh, mais les tu je ne pas. Coûte pas ah, mais oui, mais il ne parle que de ça depuis tout à l'heure. C'est ah. beaucoup trop rapide, mais on s'en branle. Elle dit quoi d'intéressant, là ah, Elle dit les étrangers partout qui nous coûtent de l'argent. La, qui coûte voilà ce qu'ils disent. 1, vénères, la question des mineurs isolés qui coûtent près de 2 milliards aux Français. Bref, c'est un trop texte bien. qui, pour moi, passe à côté de l'essentiel parce qu'il ne s'attaque pas à ce qui, aujourd'hui, incite à l'immigration légale et illégale non. dans notre pays. Comme ça, à savoir, notamment, deux. toutes les facilités euh, sociales qui peuvent exister. Et puis, une indice, fois de plus, la politique d'accès à la nationalité, particulièrement l'accès crise Indice, c'est bien. Indice, c'est bien. J'imagine que vous êtes en désaccord absolu avec tout ce qui vient d'être dit, même si vous vous retrouvez Ah bah, non, bah, bah bon non, je suis d'accord, imagine d'un coup, et peut être ce il y a... intéressant, en est vrai la raison. Il y a juste un truc qui est intéressant, c'est que oui, on le sait, euh, la France Insoumise, comme euh, le RN, ont voté contre la loi immigration, mais pas du tout pour les bonnes raisons. Vous avez vu la partie de claquette là C'est Ah non, il faudrait vraiment le Macron ne va pas assez lutter contre, hein, donc on est obligé de voter contre. Et évidemment, pour la fille, c'est pour d'autres raisons. Va, j'imagine, expliquer tout de suite de ne pas voir ce texte à aboutir. Alors, déjà, euh, je, je veux dire que nous nous sommes fiers d'avoir fait adopter une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a épargné les pires paroles racistes et xénophobes pendant deux semaines au pays. Par exemple, un sénateur reconquête avait dit au Sénat cette phrase absolument magnifique un veau né dans une écurie ne deviendra jamais un cheval. Je vous laisse apprécier le Stéphane type Ra de paroles. Stéphane Ravier. Oh wow. le niveau de. Racisme. Et gros, dis-toi que, dis -toi que euh, Antoine Léo et je sais plus qui, ils prennent 12 sanctions par semaine à l'Assemblée. La dernière sanction qu'il a prise, c'est pour avoir dit euh, que euh, le RN était dirigé, avait été créé par des néo-nazis. Tu vois, en mode, oui, ouais. euh, ce qui est vrai, tu vois, dans les, dans les premiers mecs, tu avais des gars qui étaient clairement des néo-nazis, tu vois. Euh, genre, et il s'est pris des sanctions pour ça. Et au Sénat, tu as des mecs qui disent les plus grosses dingueries. Et jamais ils sont sanctionnés. Genre c'est tu te rappelles même le gars qui avait dit retour dans l'Afrique. Une là. époque c'était la mort politique ça. Oui oui oui. Ah oui de Afrique. fou genre. Non mais après lui, il a dit appel... retour en Afrique. Il avait dit que les migrants retournent tranquillement. Oui, enfin, oui, rappelle, est comme ça il oui est retourne ça. Oui, très très ils tranquillement en paix. Actualiste c'était des vrais nazis bah oui. Ça Daniel Jocouan pour le moment ah, mais oui il a dû lui envoyer il a dû lui envoyer un petit message avec une photo avec un, un filtre pleurs. J'ai plus, à son, à son, plus de amoureux. temps pour qu'on se voit. Voilà. Toi, Toine. Une sanction. <laughs> toi, Toine. Oui, Dada. J'ai plus de ah, temps pour avait... toi, Dada. J'ai été sanctionné. J'espère que tout C'est grâce à la gauche ce soir, que dada. cette motion de rejet a été adoptée et que le texte a été rejeté puisque nous étions 141 voix de gauche contre 127 de voix à la fois de la DLR plus du rassemblement national. Donc c'est grâce à nous et je dois dire que en démocratie et oui. le chemin normal dans une démocratie lorsque l'Assemblée nationale la représentation nationale vote contre un texte, c'est de retirer le texte et de faire partir celui qui a engagé sa responsabilité sur cette question, c'est-à-dire monsieur Darmanin. Alors ah, mais vous pose dire je vais... quel est le... Parce qu'il y a des gens qui se sont énervés qu'il euh, y ait eu un vote de la fille euh, avec le RN, tu vois. Genre, tu des gens en mode Oh là là, regardez, c'est honteux. Euh, ce sont des voix euh, du RN, du LR et euh, de la NUPES euh, qui ont fait empêcher le texte de loi. Euh, c'est scandaleux. Ça veut dire qu'ils travaillent main dans la main avec le RN et tout, tu vois. Et c'est là que. C'est là que tu vois que les gens, ils montrent leur méconnaissance du travail parlementaire et tout. Genre, c'est une dinguerie. Et t'as vu là, moi je trouve que l'argument de Mathilde Panot, de dire nous, on était 147, eux, ils étaient que 120, genre, tu vois qu'ils ont besoin de dire, tu vois, tu sais, les pauvres, quoi, ils sont obligés de se justifier de ça. Oui, Delphine Bateau, elle a refusé, elle, par exemple. Genre, et c'est là que tu vois que les gens sont tellement cons qu'elle est obligée de trouver une justification. En vrai, on était plus nombreux, <laughs> tu vois, alors que bon, Ça euh... a été l'élément de langage des médias, c'est-à-dire qu'au lieu de dire.. Ah, échec du gouvernement, échec de Darmanin, ce qu'ils ont un peu dit, tu vois. Ils ont préféré boucler sur... Ah, la fille qui refusait de manifester avec le RN contre l'antisémitisme, oui. sont prêts à voter avec eux. L'extrême gauche et l'extrême droite défendent la ah. même chose. Ah, vraiment, c'est gros... son cloche en ah, permanence. Comparer, vraiment, je, genre, la comparé, petite musique là. Aller dans une manif avec le gouvernement. Et faire, empêcher de faire passer une loi avec euh, les outils parlementaires du vote, comparer les deux, c'est être... Oui, oui non, mais après, ils le ouais, font je... tout dans toute leur mauvaise foi, quoi le débat oh, qui ça. est en jeu dans le débat que nous avons euh, actuellement. Vous madame Maréchal Le Pen, vous êtes partisane de l'union réactionnaire. Moi je suis partisane de l'union populaire et je pense que au moment où vous cherchez à à diviser le peuple français, ce qui affaiblit la France, il faut au contraire l'unifier. Nous avons besoin d'unité face au plus grand défi de notre siècle, qui est le dérèglement climatique parce que plus nous sommes unis, plus nous nous entraînons, nous sommes résistants à ces changements. Nous devons l'unir par le partage des richesses pour mettre fin aux privilèges et aux inégalités qui ne cessent de se creuser. Nous devons l'unir par la laïcité contre la guerre des religions que vous voulez réinstaurer dans notre pays. Oh, moi, j'aime bien un son un angle pro france Moi, en plus, ça, hey, ça s'entend dans la voix qu'elle est un peu stressée, mais elle déroule. Hein. Moi, ça va. être ouais, déroule. Et moi, j'aime bien son angle. Son angle patriote, ça, Mathilde Panot. On unifie. Son bah. angle, l'union de la nation. En c'est le de classiques. la laïcité contre vos gardes. Ah, non, mais c'est les classiques de la fille, mais je trouve c'est très bien. Oui, 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 mais ça marche bien. Après, euh, c'est les Allez. classiques où il y a la fille. She speak vraiment, facts, pour l'instant. Oui, 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 t'as raison. notamment la Sixième République, la Constituante et le Référendum d'Initiative Citoyenne. Et si vous demandez en français pour répondre à votre dernière question quel serait le référendum qu'ils souhaiteraient faire s'ils avaient la possibilité de le faire Eh bien, dans les premières priorités des Français, ah, comme voilà. ce que vous dites régulièrement, il y a en premier sondage IFOP, 83%, la question de la santé. En et deuxième, oui. la question de la vie chère. Mais là, non, non, n'empêche pas l'autre, Madame Panot. Mais Oui, mais oui. Non, En non, de plus, de ça. dans ces trucs-là, justement, les questions d'immigration sont plus basses, justement. Bah oui, largement Genre, plus. dans ces trucs-là, c'est pareil. Alors, ça les revendications dire... gilet jaune et tout, non, ça ne veut pas dire que ça ne compte pas pour eux. Mais voilà, c'est ça. C'est clairement pas la priorité de la plupart. La, les gens, ils sont déjà là, ils veulent juste euh, manger en ce moment, en fait. Se loger, ça, manger, ça, euh, mettre le chauffage en hiver, c'est ça. Les priorités, elles sont très simples à comprendre, en fait. C'est pas, il y a pas, même pas besoin de, tu d'être un génie pour deviner quoi. Et puis même le pari, euh, un peu euh, France insoumise et le pari historique aussi de la gauche, c'est de comprendre que effectivement, as des Français et même un certain nombre euh, qui euh, sont, on va dire, qu'ont des positions. Euh, soit anti-immigration, soit qui ont des angoisses à propos de l'immigration et notamment euh, qui ont des angoisses intérieures économiques à propos de l'immigration, tu vois, qui se laissent un peu avoir par ce truc de ça nous coûte cher, le chômage, le machin, tu vois, que des trucs qui en réalité au niveau des chiffres tu peux les démeucler, mais qui sont des, des angoisses réelles chez les gens, tu vois, qui, qui sont créées par les médias, par plein de trucs, ok, d'accord. Et justement, le pari normalement d'un parti comme la France Insoumise ou quoi, c'est que si tu règles euh, une bonne partie des inégalités sociales et que tu soignes le pays socialement, c'est là aussi que euh, les gens vont se rendre compte et vont, les angoisses vont disparaître. Parce que si tu perds euh, ta terreur de la fin de mois, le fait que tu l'as l'essence, elle est trop chère, que tu peux à peine acheter à bouffer que tu n'es pas parti en vacances depuis six ans, que blablabla, bla bla et bla, bla, etc. Que dis, mais... Et que tu le résous sans, sans arrêter l'immigration, c'est pour truc... pouvoir... Tu vois, les gens, ça les non, rassure je même, quand même. Un autre quoi. truc, c'est qu'à la télé, on ne parle que d'immigration. On parle oui, rarement d'inflation... Euh, du scandale actuellement autour du logement, du fait que ça y est ça, tu vois, c'est des sujets dont on parle presque jamais, en tout cas et par rapport à l'immigration on pourrait même dire qu'on n'en parle jamais, tu vois. Bien sûr, bien et pour sûr, autant justement. malgré qu'ils font tout pour tout nous faire oublier, tu vois, en mettant l'immigration au sujet prioritaire. Et ben malgré c'est du coup ce qui est normal que l'immigration se retrouve dans les sondages des priorités des Français puisque de toute façon on leur on, met ça dans la tête. On bourre le crâne toute on la journée à travers les médias que c'est la Je dis pas que c'est pas un sujet, c'est un sujet, il faut en parler, hein, tu vois Mais comme on fait que ça, que ça, que ça, que ça et malgré ça, il finit pas top. 1. Tu vois, on dirait certains streamers ont toutes les homepages, <laughs> tous les articles et pourtant, c'est Dany Hira je Chaque, occasion, chaque <laughs> occasion, le mec, euh, non mais c'est un esprit malade. Moi, je suis trop heureux, mais t'as un esprit malade, obsessionnel avec ça. Mon analogie, elle est bonne ou pas <laughs> non, mais, non mais en plus, moi... Là, bah, où vous je voyez, suis mais comme toi, quoi mais moi, la propagande plaçais... médiatique fait pas tout. Moi, je plaçais mon truc, c'était après la propagande. C'était que justement, la réponse de gauche à l'immigration et à l'angoisse qu'il y a chez les gens sur l'immigration, même si c'est pas la première, c'est euh, de le pari euh, de D'arranger la vie des gens et de leur montrer que leurs angoisses économiques, notamment autour de l'immigration, euh, en fait, sont pas si valables que ça. Quoi, et qu'on pourrait très bien augmenter le SMIC, euh, prendre soin des hôpitaux, euh, avoir, etc. Et que c'est pas contradictoire et qu'il n'y a pas besoin pour ça de pourrir la vie euh, des gens, euh, des, des immigrés sûr. en France. quoi il n'empêche, vous l'admettrez, que les Français sont très majoritaires à vouloir réguler l'immigration. Vous êtes d'accord avec ça Vous l'avez Mais je ne crois pas comme que ni, ni vous, vous ni moi, comme moi. Ne choisissons nos Maintenant, conditions on, par rapport on, à, on, au sondage. Sinon, pas, vous n'auriez pas été pour vous, la retraite à 64 ans. Vous pourriez, pourriez l'entendre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot, en effet, alors on parle d'immigration, elle nous parle d'écologie, euh, très bien. Euh, ne ah. souhaite pas. Aujourd'hui, souhaite un soutien inconditionnel ah. et un accueil inconditionnel des migrants qui arrivent, y compris qu'on les sur mais notre territoire. Pas vrai. En plus, c'est des enfoirés parce que justement, genre, la fille, ils sont pas là-dessus, quoi. Genre, la, la, vie, la vie de Mélenchon. Tu regardes, tiens, par exemple, bon exemple, Mélenchon, quand il y avait eu l'arrivée de. C'était combien C'était 100 000 qu'ils annonçaient là, euh, le, le dernier moment il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés. Sa réponse, c'était Mais il y a combien de pays en Europe euh, Si on les partage tous, en fait, on en a assez peu à gérer. Ça veut dire que Mélenchon. Il est dans ce truc presque d'exercice du pouvoir. Euh... Non, c'était 10 cas. Oui, c'était 10 000, pardon, j'ai forcé. C'était 10 000. Et il est en mode, mais si on les partage équitablement entre les pays d'Europe, et lui, il était en mode, bah regardez, nous, on prend par exemple ceux qui sont francophones et machin, ça veut dire que il est pas en... Genre, ça reste un... Ça reste un sauce -dème, euh... Qui, qui, est, qui, est, qui, est dans les, qui est dans les modes de, de gestion de l'immigration un peu classique D'ailleurs, il y a même des gens qui pourraient lui reprocher à gauche, tu vois, de ne pas être dans un discours que tu peux avoir au NPA ou quoi, en mode euh, pas de frontières, on ouvre tout. C'est même pas ça leur discours, quoi. Donc, c'est bref. Il <laughs> a dit, Dika, c'est quoi C'est un stream <laughs> Pourquoi non, là, Après, je fais des est bizarres, non mais, mais c'est vrai que gros 10K ça veut dire la, la panique morale même par an, je sais plus combien c'est, je crois que c'est par an, c'est euh, une -ce, centaine de milliers, la vérité à l'échelle du pays, c'est peanut, c'est que dalle et oui, c'est toujours ça que de leur genre. Après, tu vois, et ça, un avec... million en dix ans, tu sais, c'est pour euh, voilà, essayer de stresser. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est R. À l'échelle du pays, c'est R. Et en plus, la vérité, c'est... on dirait que eux... c'est que des terroristes. Alors qu'il n'y a pas que ça. Déjà, tu as des gens qui viennent de partout puis, à plus, travers eux... le monde. Tu vois, il y a des gens qui sont des médecins. Il y en a d'autres qui viennent, qui sont en mode, je vais améliorer mes conditions, et qui finissent par travailler plus ou moins euh, dans des situations euh, euh, légales ou non, mais qui travaillent, qui participent à, au pays, tu vois et ça, tout ça, c'est camouflé derrière un, une sorte de discours de « Un million de personnes vont venir égorger nos enfants, mes deux enfants, euh, oh là là, je suis mère de deux enfants. » Tu vois, C'est ça aussi le raccourci immonde qui est fait. Est que, est comme ça, tu dis, ça, les chiffres, ça. en vrai, mais même au-delà de ça, tu vois. c'est -à, à la limite, c'est pas tant le, dé le débat sur les chiffres. Voilà, c'est juste. Voilà ce qui est sous-entendu. C'est que ces un million de personnes, elles vont faire du mal. Elles Et vont aussi, commettre des attentats. Ils savent très bien, en plus, que quand ils disent ça aussi chez les gens, c'est au final, c'est pas seulement l'immigration. Euh, Qu'il y a chaque année, c'est les Noirs et les Arabes en France. C'est aussi pour ça que les gens, ils ont l'impression que s'ils si élisent le RN ou euh, reconquête pour les plus radicaux d'entre eux, c'est pas juste les, la, les, même les 1 million en 10 ans qui vont être virés, c'est tous les Noirs et les Arabes du pays. Bah oui. Donc, du coup, c'est là qu'ils ont une impression de sauvetage du pays, d'ouverture du marché du travail, du, rend, du grand emplacement. C'est que eux ils, eux, ils entendent ça. Eux, ils entendent. À une France blanche empêchée de grand remplacement c'est pour ça. Alors que, à aucun moment, c'est jamais ce qu'ils feront. Enfin, tu vois, genre après, il y a entre 500 000 et 000 fasciste... record de la crise de 2013 par année, soit 0,1-0,2% de la population de l'Europe. Et voilà. Et ça, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle leur régularisation, je me trompe pas, hein, massive si je ne m'abuse, et eh bien vous voyez, moi je souhaite qu'on contrôle les personnes qui aujourd'hui arrivent dans le pays parce que je considère que s'il n'y a pas de contrôle et de régulation, il y a un risque pour les Français. Voyez-vous, je me suis penché. Sur les dix derniers jours euh, et, les, et les cas dramatiques d'insécurité, ne serait-ce que sur ces dix derniers jours. Hein. Je ne vais pas remonter très loin. Et je suis tombé sur ces trois, non pas faits divers, mais selon moi, phénomènes de société particulièrement abjects. Je suis tombé sur cette affaire des Yvelines, où une femme de 65 ans, vous l'avez peut-être vu, qui venait se faire opérer euh, d'un cancer des poumons, a été séquestrée et violée euh, par euh, un clandestin ivoirien sous OQTF depuis 2016. Vous voyez donc à, un, à quoi on oppose ça Un exemple, tu vois. Toujours la même strate que Darmanin. C'est là où aussi il ressemble, désolé. Tu vois? Le truc de ah, regarder, machin, X a, a commis telle horreur, bidule. Vois, toujours. Alors qu'elle lui ouais. a parlé d'écologie, de machin, tu vois? Je suis tombée sur cette affaire le 11 décembre à Avignon d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée également dans un squat par un clandestin juste après que celui-ci ait tenté de violer une jeune femme de 23 ans euh, précédemment. Je suis également tombée sur cette affaire à Nice également début décembre. Ouais, au fait, c'est le traite des Darmanin. là. De ce clandestin oui, oui, euh, qui a violé une prostituée. Alors je ne sais pas où vous êtes madame quand il s'agit de défendre là... la sécurité de. Tu vois, la réponse par exemple de Pablo. Pio Vivien, j'oublie tout le temps son nom, qui était en mode. Mais attendez, je peux vous faire la même liste avec des féminicides, euh, avec euh, que, euh, que euh, des gens, euh, des Charles, et des Michel. Enfin, tu vois, genre pareil. Mais si mais attends, tu fais moi, la simple, liste, tu veux voir un violeur Tu regardes la en Reconquête. Je crois que euh, le chef. Oui, je crois qu'il y en a quelques-uns. Zemmour, quoi. Il, ça, est... il est multi accusé. Ça c'est de la pure manipulation. Je crois quoi. que si non, tu parles des, 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 des enfants, euh, regarde le gamin de Zemmour, hein. Ah ouais. Il n'a pas, pas renversé quelqu'un en voiture il a... Donc, bon, la question ah ouais. de l'éducation, la question des machins, enfin, ouais, vas-y, ouais. C'est jamais eux, en tout cas. Hein. Toujours les autres. De ces femmes, vous, la grande féministe, qui manifestement préférez aujourd'hui exposer les Françaises et les Français au risque que représente cette immigration incontrôlée, plutôt eh bien, que de réguler cette immigration en amont. Je trouve que c'est criminel et je ne comprends pas que vous ne regardiez pas en face les conséquences aujourd'hui de cette immigration sur la sécurité des Français tous les chiffres l'attestent. J'imagine qu'on aura euh, l'occasion euh, d'y revenir. Je ne parle même... On va peut-être parler des chiffres de la Boétie, machin, qu'ils ont eu récemment, je pense. Même pas du risque terroriste, évidemment, qui prend. Sur lequel on va revenir, et, là. Et, et dont le vivier se trouve, évidemment, également euh, dans une immigration euh, récente, inassimilée, voire chez des personnes étrangères. Et donc, oui, nous avons un désaccord euh, bah de fond. Mais... Parce que je considère que pour des raisons sécuritaires, identitaires, culturelles, sociales, aujourd'hui, la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouvelles personnes et ne peut plus relever le défi de l'assimilation. Donc, la question, c'est celle du lien fait marie maréchal entre immigration et insécurité et celle, si je traduis euh, les exemples que vous prenez, de la capacité ou non d'expulser des personnes qui ne devraient pas être sur le territoire. Mathilde Panot, vous répondez à, à Alors, Mario je maréchal je vais commencer par répondre au premier point, parce que si vous ne voyez aucun lien entre écologie et euh, le phénomène de migration, vous êtes une hypocrite, Madame Maréchal Le Pen. Parce que je vais vous expliquer que vous qui ne cessez de stigmatiser euh, les migrants dans ce pays sommes celles qui, notamment, défendaient des politiques. De déni climatique avec vos amis dans le monde, qui portent des politiques de déni climatique, qui vont forcer des pas gens pas à partir de chez eux, qui vont forcer J à, les qu à, à, à leur réchauffement. J'ai jamais contesté qu'il y avait un réchauffement climatique, on n'a pas Oui, enfin vos, vos alliés, oui, mais vos parce alliés que, dans le, le, le monde. Le, oui. Les, les Tunisiens, les Marocains, c'est une autre climatique. Votre ami Bolloré, par exemple, qui vient d'être condamné, condamné par 145 madame. paysans madame. camerounais, les notamment pour avoir empoisonné des terres, empoisonné la ressource en eau, et aussi responsable de ces migrations qui vont à cause des politiques. Bien, faire un petit lien avec le colonialisme, tiens, Bah oui, hein. Écoutez-moi, okay, écoutez-moi, Écoutez on, on laisse terminer Mathilde panneau Qui vont faire changer d'échelle les migrations euh, à l'échelle assez, assez proche, en fait, d'ici à 2050, 2100. Donc la question est comment est-ce que nous accueillons les gens Comment nous organisons les gens Et d'ailleurs, vous êtes une hypocrite parce que votre allié la plus pas. proche. Après, là, l'horreur, je suis d'accord avec Mathilde, mais l'horreur, c'est quand justement, moi, je trouve, c'est quand le RN, ils vont commencer à prendre la question des migrants climatiques. Bah oui, pour le faire rentrer dans leur logiciel. Moi, je me rappellerai toujours des ça, discours de Sarkozy, là, ce qui date maintenant de plus de 10 ans, oh, qui ouais. jubilait en disant Hé, hey, la droite, on aura notre moment, c'est le moment où il y aura les migrants climatiques. Et qui dit ça est à tous les droits tard que des vieux, la droite d'art dégueulasse, botoxée, qui sont qui en de train de, de frissonner. Oui, ils jubilent. Ouais. de fait que un jour, à cause de, du fait qu'on est en train de détruire la planète, on va avoir plein de migrants climatiques. Et à ce moment-là. Tout le pays voudra une droite forte. Ouah, ce moment-là de est cette conférence de Sarkozy, moi je trouve ça c'est un des trucs les plus terrifiants que j'ai vu, tu vois. Et euh, pour l'instant, ils sont encore un peu trop bêtes pour l'exploiter. Pano n'est pas bonne, mais Mais, mais je... n'a pas peur. Bah, mais bah, elle fait rien là. Vous... Attendez, vous êtes dans une maladie mentale Les bah, bah, êtes... gens, elle bégaye, mais... aussi, est bégaye à mon schéma, Marion Maréchal. Elle vous attend. Vous êtes vous êtes dans vous avez une maladie là Madame Méloni non, non c'est un, un qualificatif. Madame Méloni vient d'annoncer qu'elle voulait accueillir un demi million de travailleurs migrants et d'ailleurs depuis qu'elle est au pouvoir, alors qu'elle avait promis zéro immigration, le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie a été multiplié par deux, avec d'ailleurs une hausse des morts en Méditerranée depuis des années, qui devrait faire honte à notre humanité commune. Attendez, y vraiment terminer, un vais... bégay, là, c'est vraiment... Euh, je... Euh, je, je ne vous comprends je pas. vraiment que là, elle est ouf Marion coupe beaucoup, ouais, mais bon, ça a son désavantage, même le présentateur bah, est obligé oui. de la rappeler. On dirait qu'elle est gênée par les arguments. Elle n'a pas peur à énerver. Non, mais moi, je pense qu'elle est un peu stressée. Elle a peur de dire des conneries. Elle, elle parle vite aussi. Elle essaie, il y a un temps de parole limité. Je pense qu'elle essaye d'enchaîner. je vous trouve je vous dur. dur. C'est vrai que Maréchal la coupe, mais en plus, elle se laisse pas couper. Justement, l'autre, elle parle, mais elle ne s'arrête pas. C'est ça, ça le bon truc à faire, c'est de pas s'arrêter. Si elle s'arrêtait pour, pour dur, lui laisser. ça Je. Puis Marion n'est je... pas je... ouf aussi, je vous trouve. Euh... Non, Mais en fait, c'est vous êtes fan de Mar Maréchal Le Pen, bah, faites votre commentaire. Oui, gros. En oui, fait. je pense que c'est ça, gros. Vous êtes en ah, je la préfère. Ouais, Parle fou, de fou, c'est réel, c'est réel. Ils sont en train, ils ont la main dans le calbar, gros. Ah oh, waouh. Oh, c'est bizarre. Hein. continuer. Les migrations ont une cause. Et donc, la si on continue, si on continue, ça non, que on parler, ça. Notamment des îles qui vont être submergées. Vous devriez vous intéresser à ce qui s'est passé. La démographie, ah ouais, elle est grave douée, Marine Maréchal. Hein. Oh, elle est trop la démographie. forte. Là. Ouais, elle l'a mouchée. Ah ouais, Mathieu Panot vraiment... essaie d'argumenter. Elle est là. démographie, démographie. Bah, C'est lors de la COP28, par exemple. Lors de ce bah, qui se passe. Pas parce que l'Afrique est, la est submergée par les eaux que les Africains viennent en Europe. Alors, je vais vous dire ensuite. Vous êtes ensuite l'image, effectivement, de la France rabougrie, celle qui n'accueille plus personne. Là, vous êtes trop forte trop Fortement maréchal, il a dit Eux, c'est pas juste parce que l'Afrique euh, coule cool, euh, que les Africains ils viennent et vous êtes là. Ah ouais, Mathilde Panot, elle a perdu le débat, non, mais surtout que mais... tu sais, non, mais je comprends. Attends, attends, moi je comprends leur angle mort en fait. C'est que vu qu'ils sont gazlight par les racistes euh, de Twitter ou euh, les racistes qui réagissent ou à ça, les gauchistes anti-débat, sont... moi je pense, voilà, à ça aussi. Ils ont voilà, des avis ou, de ou les gauchistes anti-débat, anti -débat, c'est les deux trucs. Vu qu'ils sont matrixés par ça, tout tout est une raison de dire que en fait, quand Marion Maréchal euh, dit des trucs racistes, tout le monde va être instantanément d'accord avec elle. Et elle va convaincre tout le monde. Là où quand Mathilde Panot dit un truc, c'est impossible que qui que ce soit puisse l'écouter en fait. Genre c'est en fait c'est vraiment le non, double mais en avis. Fait... C'est la vie où il, il sur Légitime, oui, surcote sur sur le discours d'extrême de, droite et sa puissance qu'il y a chez une partie de la population, c'est réel. Et il euh, sous souscote et décrédibilise en permanence toute possibilité que un discours de gauche puisse exister. Et en fait, pour eux, la seule solution, c'est de se coucher et de rien faire. C'est vraiment ça. C'est que pour eux, il faudrait un débat entre Marion Maréchal Le Pen et euh, une macroniste. Et là, ils seraient très heureux. Et là, ils trouveraient ça bien. Je, je je sais pas, je vous trouve trop bizarre. Mais je pense qu'en fait vous avez oublié que vous là vous êtes dans la suranalyse pour moi de ce qui se passe en mode méta, est-ce qu'il faut débattre ou non, est-ce qu'elle a été parfaite ou non, est-ce qu'elle a réussi à machin. Mais ça c'est parce que vous pensez trop comme des militants parce que vous, vous oubliez là, c'est qu'il y a des gens devant BFM qui vont mode, ah oh enfin quelqu'un qui répond à la raciste et ils vont bien l'aimer. <laughs> Vous rappelle hein C'était ça Mélenchon Zemmour. Eh, rappelez-vous Mélenchon Zemmour hein Allez Mélenchon n'a pas été. Attends, 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 attends. Mélenchon Zemmour rappelle que Mélenchon Zemmour, Mélenchon n'a pas été très bon ce soir-là. Il y a toute une partie où il a été excellent, il y avait toute une partie où il n'était pas ouf. Nous on avait fait le React. La deuxième moitié, il n'était pas ouf. Comment maintenant vous pensez ce débat Vous savez, vu que vous savez il que c'est un des trucs qu'a a lancé, qu'il a fait péter dans les sondages et tout, et le soir même vous étiez en mode il n'a pas été bon, comme quoi fallait pas débattre. Je me souviens le encore fou, de vos avis. Oh. Et après Alors, maintenant pour vous, c'est oh, le début de la campagne. De... C'est le moment où le il a brillé. Parce que vous avez de... entendu après une mission parole d'honneur où ça a dit Ah, le moment où il a juste dit c'est un beau prénom, en fait, ça a touché la des gens et du coup ils se sont mis à voter pour lui. En fait, c'est pour ça aussi, ah, vous yeah, êtes trop yeah, dans le, yeah, vous faites yeah, gaslight yeah, yeah, par les militants RN qui tweetent partout que Mathilde Panot n'a pas y, été bah, bonne gros, alors que gros... je suis désolé mais à la limite, les, à la limite les... dites que les deux sont aussi mauvaises l'une que l'autre à la limite c'est c'est comme les elle gens comme ils étaient persuadés que Zemmour allait être élu. Tu te rappelles gros les gauchistes qui étaient en mode Mélenchon a perdu, on va oui. faire 6 Zemmour va en faire 18. On a déjà perdu. C'est fini. Regardez, ce soir, il y a écrit Zoz, il y a Zoz en tété. Comme il y a Zose En tété, on a déjà perdu. On va faire 5%. Zemmour va, être, Zemmour va être troisième des élections et Marine Le Pen au second tour. Il y a même des gens de gauche qui disaient ça va être Zemmour-Marine Le Pen le second tour. Genre enfin c'est désolé mais moi je suis pas pour dire que Mathilde Panot est en train de rouler sur le débat et que non, le racisme pas... n'existe plus en France mais vous vous dites l'inverse. Je trouve ça un débat pour l'instant. En fait, il y a rien qui me choque de ouah oui, Mathilde Panot est en train de gagner ce débat comme il y a rien qui me choque de ouais c'est vraiment dominé là. Je trouve que c'est juste bah... après c'est un débat de merde BFM où ça parle d'immigration et Où ça se répond des trucs en hurlant quoi. Ça, ça, on est d'accord que c'est pas ouf. Mais je pense que la différence entre l'extrême droite et la gauche, non, sur Twitter là, c'est que l'extrême droite ils sont tous derrière moi en maréchal et que vous vous êtes là à dire "Ultra euh, playbook", faut pas voilà. débattre avec avec et du voilà. coup vous passez pour des merdes. Voilà, voilà c'est ça, de pas gros. avoir de ligne. Ça, c'est la gauche qui gros. préfère se tirer dessus et paraître plus pur euh, les uns que les autres et qui du coup, comme d'hab, manque de soutien, une camaraderie et de faire gros. bloc. Voilà, bah du coup, bah bravo, l'extrême droite ils sont plus forts que vous sur ça. As mmh. tout dit gros. Vous avez fait vos tweets pour dire euh, pas ouf Mathilde Panot, je suis un peu déçu parce que vous avez été gaslight pour des tweets ah, de droite tard. Et ça se trouve, demain, il va y avoir un sondage en mode oh Mathilde Panot, elle a pris 3% parce qu'il y a trop de gens qui sont dit ah c'est bien, elle a répondu une raciste, vous avez changé d'avis. Hein. Ou alors, ou alors le, le débat va se dérouler. Elle est pas très bonne. Elle va un peu se planter. On va voir. Ça, final... qu'on va changer David dans non, 20 attends, minutes. Hein. Voilà, ça se trouve le, le débat et ça a un peu chier dessus. Elle était pas très bonne. Et du coup, ça va être. Eh ben voilà. Il ne faut jamais, jamais combattre l'extrême droite. Il faut jamais aller à la télé. Il faut pas se montrer. Il faut qu'on se cache chez nous. Il faut qu'on aille à la bourse du travail pleurer. Je vous en supplie. Oh, ça m'a dit avance. Je vais reculer un peu. Tiens. Ah ouais. Ah ah, je suis loin ouais, de pouvoir bon. faire play là. J'ai pas la. Ah ouais, c'est bon. Attendez, j'essaye de me rapprocher là pour euh, mettre play ben sur bien la bien. vidéo. Ah, mais après, bienvenue sur rêve de Dani Rez. On va vous engueuler hein, quand on n'est pas d'accord avec vous. Alors ah regarde oui, le message que, que j'ai épinglé. Ça me fait trop rire. Il y en a, ils débarquent. Du coup, ils ne peuvent pas comprendre. <laughs> bienvenue, c'est le bonheur. C'est la tête. Attends, attends. C'est le seul chat de France où oui. vous pouvez être contre les streamers et nous critiquer. Par contre, les streamers vous répondent. Voilà. C'est le contrat ici, les temps, gens. et il faut faire la commande. le non C'est-à-dire que quand le chat ah oui, dit de la merde, c'est le chat tout entier. C'est-à-dire que je... on sait toujours qu'il y a des avis divergents dans ce chat, mais à partir du moment où il dit de la merde, c'est 100% du chat qui pense comme une personne qui a dit de la merde. C'est comme ça. C'est le contrat social, <rire> exactement. <rire> Rappel. Seule celle qui n'accepte même pas non, son la discours. France, qui veut éviter que ces ah, jeunes filles soient violées sur son propre sol. Excusez-moi. Alors moi j'ai deux petites filles. Le sort là que vous voulez réserver oh. à cette femme dans les Yvelines, à cette jeune fille de 14 ans. Elle est trop forte puisqu'à dès que Mathilde part elle est obligée de lui couper la parole et de citer ces deux gamines parce qu'elle a aucun argument. Mais trop forte Marion Maréchal. Je suis le chat de Dani Raz. Ah, ouais. Et à cette prostituée à Nice, voyez-vous, c'est pas ce que j'ai envie de pour mes filles. Regardez à souris tellement elle en mode. Oui allez ok d'accord allez boucle boucle. C'est ça mon premier moteur en réalité. Vous, vous Mais êtes... manifestement, vous en avez rien à faire. Non, ça, est non, c'est vous qui ne vous intéresse pas. Non, non, c'est vous ça, qui les situations dont je viens de vous parler, madame, ça vous intéresse Vous voulez les expulser ces gens-là Mais ou pas je vais vous, dire, vous, je vais vous dire quelque chose. Depuis vous... que vous et moi nous sommes Pourquoi nés. Vous ne répondez vous pas. Je l'avais dit, nous sommes ces nés. pas personnes-là. En 1984. 1900... Vous avez vu Elle est pas bien. Coupe la parole tout le temps. Ou pas Je peux parler, Madame Maréchal Le Pen Vous ne parlez pas. Depuis que nous sommes nés, en 1989. Le nombre d'homicides dans notre pays a été divisé par deux. C'est fou. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas d'ensauvagement euh, de la société. Mais vous vivez et, sur quelle planète, Mathilde Et je vais vous dire, la France, c'est toujours. Elle débat avec Bad Muth en fait, Mathilde Pannot, là, je crois. Ah oui, de fou Cinq minutes, c'est une tragédie. Elle est toujours construite avec des migrations. Elle s'est construite grâce à l'immigration polonaise, grâce à l'immigration italienne, grâce ah, à l'immigration portugaise. C'est pas l'immigration italienne qui pose écoutez, un problème. Écoutez, lorsque il y avait un mec composé à l'époque. Ah oui, mais. Et madame Pen, eh madame... vous vivez sur quelle planète vous Madame vous, Maréchal, Maréchal Le Pen, il y a 120 Savez-vous que 1717 100... Mohamed sont morts lors de la première guerre Fran... mondiale par jour dans ce pays C'est faux, ces chiffres datent de 2015. Il y a plus de 90% d'homicides et tentatives homicides en 10 ans. Ah là, là, par contre, bah, Maréchal la reprend, là, tu vois, dans le sens où elle n'a pas le temps de finir son argumentaire, qu'elle répond à son nouvel argument, tu vois. Là, elle se fait baiser. Ouais. Là, on peut en parler, le chat vous avez été trop moi, rapide. En fait, en fait, moi je sais pas. En fait, le truc, c'est que IMO, euh, ça c'est débattre avec l'extrême droite. Ça veut dire qu'eux, ils vont agiter ces trucs là, qui sont ce qui radicalise euh, les gens euh, dans ces angoisses là, et que en fait la seule réponse à avoir en face euh, que tu peux faire, c'est celle là. C'est de répondre ces trucs là. Moi je pense que c'est pas sur le fond des arguments. C'est plus sur le truc de euh, comment délivrer comment les opposer, tu vois. Comment recouper la parole, comment garder la parole, comment parler par-dessus, etc. Tu vois, c'est ça la, 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 la vraie question. Bah surtout avec euh, dans le un gars débat qui, comme ça, tu vois. A, à part une fois, à dire euh, peut-être laisse-la finir, tu vois. Genre, normalement, oui. dans là un là débat, c'est là quand même aussi, censé avoir quelqu'un qui redistribue ça, la parole, ça. là. Ça peut pas finir. C'est ça, et du coup, ça veut dire que quand Marion Maréchal. En fait, pour moi, quand tu as une ambiance comme ça, euh, tu es obligé euh, d'accepter que tu vas te faire parler par-dessus et essayer euh, de, de répondre. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est dès que Locke parle, il faut faire, parle, faut faire pareil. C'est-à-dire que là, faut, là la, la bonne solution, c'est euh, de direct tout le temps la couper. Tout le temps, 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 tout le temps. Mais je pense qu'elle se dit aussi, peut-être que ça va prouver que dès que je dis un truc. Elle me coupe et que je peux ça pas en dire des ça, ça marche sur des gens ça marche sur des gens, gens mais c'est vrai que ça peut paraître et notamment sur notre chat j'ai l'impression un peu tout ou rien ça oui, peut non, mais paraître mais après, que t'es faible du chat, coup non mais oui non mais bah, par notre chat 100% les actes de violence ont doublé en mesdames, dans mesdames, quel pays vous vivez excusez-moi là à un moment donné aussi là là le problème qu'on a aussi c'est que elle famoso fact checker quoi parce que de fait les crimes ont baissé, et c'est la petite délinquance qui a monté, je sais plus, mais, mais genre de fait, euh, oui, il y a moins d'assassinats en France qu'il y en avait une époque, c'est réel, genre... genre ah mais c'est leur dingue, truc de toute hein. façon, le francocide, le machin. Laisser la personne ouais. couper la parole et le faire remarquer te fait gagner 100 000 points de, de respectabilité, ça dépend. Ça dépend dans quel cadre. En fait, ça dépend comment tu le fais. Bah non, regarde ça. Faut, faut être malin. <laughs> Non, en plus, c'est pas vrai ça, les gens. C'est pas vrai ça. ça. Tu peux donner l'impression que tu t'es fait dominer en fait. C'est ça qui est compliqué. Bah oui, en fait, l'horreur, c'est que si tu réponds, quelqu'un qui te coupe tout le temps la parole, tu lui coupes tout le temps la parole, si vous n'avez pas su débattre, vous êtes insupportables tous les deux. Et si tu réponds pas, ça, tu te fais dominer. Donc, c'est l'horreur d'un adversaire non, après, pareil. C'est pour ça que je joue aux échecs façon, avec un pigeon, blablabla, vous connaissez. Et puis, de toute façon, euh, notre chat, leur but dans la vie, c'est de montrer qu'on ne gagnera jamais rien. <laughs> et qu'il ne faut jamais faire quoi que ce soit pour essayer de gagner un débat, pour essayer d'aller à la télé, et que de toute façon c'est une mauvaise solution d'essayer de prendre le pouvoir et, qui, et que là, le, la seule chose à faire, c'est de regarder les racistes prendre le pays en pleurant, et que ça c'est vraiment éthique. Donc de toute façon, la discussion, c'est pas avec eux qu'il faut l'avoir, c'est des débiles. Ils ont déjà perdu dans leur tête. Donc euh... On mettre Clémence Gaété. Oui, d'accord. OK. Ah, Guettet, attendez, d'habitude quand on vous, vous dit il y a qui pour remplacer le vieux, vous êtes là. Mais il y a Mathilde Panot toutes les deux minutes. Oui, Et là d'un coup, c'est devenu la pire, non Le mais... gros ça aurait été Clémence Gaété, il y aurait eu un truc. Dis, ah, vous avez es il est trop bon Panneau. élève Clémence Gaété. Oui, oui, c'est euh, ça. un grand trop Et ils ont spamé. Envoyé... Oh là là, si ça avait été Mathilde Panot, Mathilde Panot, elle au moins elle a dû répondre. Mathilde Panot aurait eu plus de répondants, elle est un peu plus énervée. ça me fait rire. Parce que au eh ben, le quotidien, il les médecins, je vais fait, vous dire, il ah, la je... maîtrise du plateau, lui, là. Ah pousse ouais, puis lui, et il y a ça aussi, le pousse. problème de la modération. Et aussi, soyez sûr que si c'était Mathilde Panot qui avait cette attitude-là, sa modération serait d'autant plus vénère. C'est aussi ça, tu vois. C'est aussi ça, le, le, la, la dissymétrie avec laquelle tu es obligé de faire, quoi. Je vais Sont vous donner, un... pour leurs vais vous donner euh, un, une étude qui vient d'être faite, qui est rattachée directement à Matignon et la Première non, ministre. Ça Ce n'est pas que tous les chiffres que je la donne, France Insoumise. Il y... il vient du ministère ça vient du centre, lui... mais écoutez-moi, sinon je ne peux pas parler, c'est quand même incroyable, vous avez vraiment du mal avec la vérité. Centre d'études, prospectives et informations internationales, voilà, de chercheurs bien. qui ont démontré qu'il n'existait absolument aucun lien entre immigration et délinquance. Ah. Je vais vous dire un scoop, Mme Mara... Marion Maréchal-Le Pen. Premier scoop, tous les exilés, loin de là, ne sont pas des délinquants dangereux. Par contre, tous les lebens sont dangereux pour la République. De même, il y a des personnes qui, effectivement, commettent des délits et des crimes, qui sont des personnes arrivées sur notre territoire. Et là, la République punit ces délits et ces crimes. Et là-dessus, pardonnez-moi de. Même pas de. Moi, j'ai pas un scoop, j'ai des chiffres. mais juste une seconde. Pardonnez-moi d'intervenir. Donc, c'est faux. Oser dire qu'il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité aujourd'hui dans notre pays, je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vais pas je peux intervenir dans ce débat C'est quand même essentiel. Mais il est nul à chier non, lui. lui, non, mais lui c'est le plus gros bolos euh, de Splato, lui, bon bon euh, ah, ce c'est lui en fait. C'est lui qui est, est nul débat chier. Euh... Notre chat fait que insulter Mathilde Pano alors qu'il y a ce mec. Trop bizarre. Même, d'un mot. Oh. Essentiel. La moitié de la délinquance Marie -Marie à Paris Charles. et à Marseille. <rire> <rire> ah, mais après toi fais quelque chose, je t'en supplie, <laughs> c'est pas une merde comme ça, c'est une nagrie, je suis triste pour lui tellement c'est une merde, c'est un truc de et ouf. il y a de la délinquance étrangère. 63% des mis en cause pour violence sexuelle dans les transports en Île-de-France sont étrangers. 66% des vols avec violence dans les transports en Île-de-France sont commis par des étrangers. Excusez-moi, pardon, mais les quelques chiffres que nous avons sont absents. Dans les transports D'accord. Je vois pareil, c'est tu ouais, 66 vois, 66 des strata, vols dans les transports. Bah OK, d'accord. Tu es obligé de resingulariser le truc et de mélanger, tu vois, ça a parlé de ses filles, ça a donné deux trois cas de viol et ça finit sur les pickpockets, carrage des téléphones dans les transports sont à 66. Genre tu vois, c'est genre c'est là que il y a un gloubi Alors qu'elle a quoi. sorti une étude, pas, mais euh, oui, ah bah, oui, bah, oui bah, c'est bah, bah, ça, là, tu oui. vois, genre c'est c'est ça qui est difficile. Mais de toute façon, euh, c'est pour ça que euh, le, thème, euh, le thème de l'immigration est un thème gaulmon, et un thème en plus où euh, les, les gens les gens les plus radicalisés sur l'immigration, t'aurais même un fact-checker pour dire « Mathilde Panot, elle a raison, il y a eu une baisse euh, des crimes en France, euh, et des trucs comme ça, etc. » Les gens seraient en mode « Ah bah ben non, parce que moi, vraiment, euh, quand je vois un noir, j'ai peur, quoi. » Donc, en fait, tu es sur une réponse sur des affects, sur des trucs. C'est bah oui. là aussi en plus, où le, du coup, le, les la fascision est étrangers, C'est pas les Noirs et les Arabes de nationalité française. C'est ça, voilà. Bah oui. Non, mais, mais, oui. Non, ça, mais ça, vous sauf voyez. Que eux, le... ils entendent ça. Mais oui. En plus, eux, ils entendent ça. Eux, ils entendent, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi. Pff... Et que le pari de Mathilde Panot, là où vous, vous êtes complètement délu, c'est que vous avez l'impression que Mathilde Panot, elle est sur le plateau pour convaincre euh, Jean Reconquête. Euh, terrorisé par tous les Noirs et les Arabes qui qu croisent, persuadé que l'immigration, c'est la mort du pays et que c'est lui qui doit convaincre. Alors que non, son travail, il n'est pas là. Son travail, il est à rattraper peut-être des gens qui sont entre les deux et encore. Et surtout, c'est à mettre en évidence tous les gens qui ne sont pas d'accord avec les idées de Marion Maréchal, que euh, l'une des possibilités pour s'opposer à elle avec des idées avec laquelle tu es déjà pas d'accord, c'est par exemple la France insoumise. Bah oui. Et donc en fait, il faut pas se tromper de cible. Si vous vous faites des débats pour convaincre euh, les fachos, bah vous allez devenir François Ruffin, quoi. Genre et là, vous allez être un Golmon. Et ça va pas marcher, parce qu'en plus, si on dira ah, François Ruffin, je l'aime bien, il a dit quand même que l'immigration, c'est un problème, hop, je vais aller voter RN. Ah, j'aime bien euh, Fabien Roussel, euh, il a dit la viande, et puis il n'aime pas les Arabes, hop, je vais quand même voter Le Pen, parce que bon, eux, ils sont mais bien, je lentis, bien. Euh, Et du coup, après, il y a bien. un sondage de bien. Figaro, c'est qui vote voilà, bouchiste préféré ça. Les voilà, et droitard, et ils bien, Roussel et Ruffin, super. Voilà, c'est ça, ça va devenir euh, eux, Roussel et Ruffin, et sauf qu'ils ne votent pas pour eux. Donc en fait, la stratégie euh, de se mettre à la remorque euh, de, de récupérer les fachos radicalisés du RN c'est une connerie euh, faut pas, le, par, le premier parti en France c'est l'abstention il faut pas l'oublier les amis le oui. premier parti c'est Eh les gens on n'est pas en 2027 c'est pas le débat le plus important donc, oui, je non, pense parce que l'intérêt aussi pour analyser. Mathilde c'est d'y aller c'est de s'entraîner, c'est d'apprendre à avoir la pression des plateaux, pour le coup Mme Maréchal elle est invitée tous les jours, elle a fait je sais pas combien de débats donc euh, faut aussi qu'elle apprenne ces choses là quoi Absolument démonstratif du lien aujourd'hui incontestable entre les deux. Donc, je suis désolée, Madame Panot, vous allez chercher je ne sais quel rapport, mais allez tout simplement voir les chiffres officiels dans votre propre pays du ministère de l'Intérieur. Allez voir sur Eurostat, allez voir sur l'Insee. Tout est clair et transparent dès qu'il y a des Là, tu vois, elle a tout dit, elle a donné un chiffre précis du ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est l'Insee, c'est Eurostat, alors que Mathilde lui a donné une étude sur la nationalité. Réponse de Mathilde Panot. Et j'aimerais ensuite qu'on reste sur la question de la possibilité ou non d'expulser. Euh, les étrangers en situation irrégulière qui menacent l'ordre public, mais Mathieu vous pouvez répondre à ce que vient de dire Mme Macron sur le lien entre immigration et insécurité. D'abord, je viens de citer une étude qui, je le rappelle, dépend directement de Matignon. Il n'est pas vrai, contrairement au fantasme que vous faites, qu'il y a un ensauvagement de mais la. Les CP. chiffres sont faux du coup. Les chiffres que, que vous donnez, moi je, donner, je peux fond. vous donner d'autres chiffres. Vous voulez qu'on fasse une bataille de chiffres bah, si vous, vous voulez, voulez que je vous montre que par exemple, une femme exilée si dans ce pays si a 18 fois plus de risques de se faire je, violer je, je, Quelque chose me dit quand même que les Français qui nous écoutent auront quelques doutes à penser qu'il y, y a ben moins d'immigration dans et les Français, et de, et insécurité. Les Français qui nous vrai, écoutent, vrai. parce que moi, contrairement à vous, je crois à l'intelligence des gens. Je n'agite pas des peurs comme celle-ci. Les Français qui nous écoutent ont envie de vivre en commun. Savent que la France aujourd'hui, mais c'est un fait, ce n'est pas un projet politique, est créolisée. Notamment en 1958, il y avait français sur dix qui avait un grand-parent étranger et qu'aujourd'hui, c'est un français Madame... sur quatre qui a Madame un grand-parent parent étranger. Moi aussi, Les gens veulent vivre civile. en commun. Madame Pano, Ils ne veulent pas... Elle ne l'écoute pas, je suis désolé. Marion Maréchal ne fait que ça, la couper. Par exemple, moi, je pense que vous sous-estimez l'énervement des gens face à l'attitude de Marion Maréchal. Et que presque, moi, je trouve que là où elle pourrait avoir euh, un truc à gratter sur le débat, il euh, y a des gens que euh, ça va énerver et comme dit Cassandre rappelle c'est une meuf Cassandre a dit ce n'est pas moi comptez sur la misogynie du pays pour trouver Marie Marichal oui, c'est Cassandre qui l'a dit hein, voilà. c'est euh... Cassandre qui l'a dit hein. c'est le roi des trans dire, euh, il est féministe il a tout fait voilà donc euh, c'est lui qui l'a dit <laughs> voilà c'est ça genre il a fait tout le cursus hein. il a tout lu genre, euh, il, connaît, vous il, vous connaît, il peut citer toutes les femmes Cassandre vous <laughs> demandez cite moi toutes les femmes il cite toutes les femmes ça. Donc, euh, non mais en plus attends, il hein, y a deux choses, c'est que moi en vrai les gens je suis un peu d'accord avec vous que il y a des gens ils vont voir la séquence et ils vont se dire Ah c'est fait bouffer, c'est sûr, ça fait partie mais en fait ce que vous sous-estimez c'est le nombre de gens qui vont se dire Elle ne lui laisse pas en placer une, elle ne veut que euh, tu vois Et je pense que d'ailleurs les gens qui vont se dire Ah c'est fait bouffer Bah c'est ceux qui sont déjà d'accord avec Marion Maréchal en vrai de vrai. Mais mais sûr, ce que je trouve faux, c'est que vous, vous, êtes quand même d'accord avec ce que rappelle rappel rappel, Mathieu Panot et vous n'arrivez pas à être solidaire. C'est ça que je trouve précis. Et surtout, moi, j'ai vu des débats, euh, les, de, genre quand c'est le RN et tout, genre pourquoi le RN est plus haut Parce qu'ils sont plus efficaces dans leur manière euh, d'utiliser ces arguments-là. C'est aussi pour ça que Zemmour, il a perdu. Parce que même les racistes du pays trouvent que c'est des forceurs. Vous oubliez ça. Et pareil, il y a des gens dans une chat qui sont, quand on parle d'abstention et de l'objectif d'abstention, ils sont en mode, euh, oui, le RN a le premier vote chez les ouvriers. Mais l'endroit les, les, où il y a le plus d'abstentionnistes, c'est aussi chez les ouvriers. Genre, 30, je crois que c'est 30-35% des abstentionnistes, c'est les ouvriers, et c'est ceux qui sont le plus nombreux à la palette de voter. Donc, tu vois, pareil, fin, encore une fois, genre, c'est le, le débat de dire que le RN a, a tous les ouvriers de France, euh, et que euh, tout est Enfin, vraiment, genre, c'est des mauvaises analyses, quoi. En fait, moi, je trouve que c'est bien de regarder en face la puissance de l'extrême droite en France parce qu'elle a une puissance. Mais en fait, c'est se tirer une balle dans le pied de ne voir que sa puissance et de ne pas voir là où il y a des étiquettes à dérouler. Genre, en fait, il y a toujours les deux choses. Ça veut dire qu'il y a l'ennemi a toujours des puissances, des pouvoirs, des angles d'action qui sont réels et qu'il faut jamais négliger. Mais il y a toujours une solution, il y a toujours un contre-pouvoir, il y a toujours une réponse à apporter, il y a toujours un endroit où il y a quelque chose à aller chercher, à gagner, ou qu'on a déjà, etc. Genre, en fait, le problème, c'est que faire l'autruche d'un côté en mode où personne n'est raciste, ou faire le truc de, bah, de toute façon, tous les ouvriers votent Le Pen, toute la France est d'accord avec Mario Maréchal Le Pen parce qu'elle l'a coupé. En fait, c des pour moi, c'est de la pensée, c'est de la c est, c est du self harm presque, quoi, tu vois, c'est de, de la pensée magique d'apitoiement, quoi. Ce qui est la pire chose, quoi. Ce qui est la pire chose. Ouais, après, après le... être trop angélique en fait, je est trouve la pire ouf, chose aussi. Moi, je suis d'accord pour être critique. Je trouve ouf et est que... que Mathilde Panot, elle peut être meilleure sur des trucs, quoi. Non, mais oui, bien sûr. Mais en fait, c'est que vu les conditions du débat, rien que là, moi, je trouve, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Je bah dis oui. pas que c'est la meilleure au monde, c'est le meilleur débat que j'ai vu. Ou elle est en train de souffler, elle est en train de la souffler, ou je sais pas quoi. Mais je dis, franchement, elle s'en sort bien. Par rapport au piège tendu, par rapport au Je trouve pas. À le vous lire, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Qu'elle tremble, qu'elle ne sait pas quoi faire. Euh... Tu vois ah, S'il vous plaît, pas tout parce que en, en train de le Madame faire. Panou. Ce que vous ne comprenez pas, et vous me faites un faux procès. Moi, je ne souhaite pas la guerre civile dans mon pays. Je veux la paix civile. Je vous l'ai dit, j'ai des enfants, donc je sais que les premières la psychatiser à tout va. Et donc, pour oh, éviter évidemment la guerre oh, civile, oh, il faut, faut s'attaquer aux causes. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, cette paix civile, elle est menacée précisément par une immigration incontrôlée et précisément par les faits divers que je viens de vous citer et qui sont en lien euh, avec l'immigration et que derrière aujourd'hui ah, cette ah, montée de l'insécurité, ah. il y a, oui, que ça vous plaise ou non, une guerre de civilisation qui est en train de s'installer dans notre info. pays. Et je le regrette et je le déplore et je ne le souhaite pas. Et tout l'objet de mon combat, c'est justement de l'éviter parce que je trouve que la guerre civile la guerre la plus atroce qui soit. Et ça, Donc ne me faites pas mes dire. Lol. Et ça, vraiment, ça ne gagne pas d'élection. Va... Enfin, moi, je pense que justement, faut... pourquoi Marine Le Pen euh, a été aussi gagnante, c'est qu'elle ne va pas aussi loin dans ses discours. C'est là aussi où il faut comprendre la, la, la manière euh, dont électoralement les idées racistes et fascistes sont les plus efficaces. Il y a évidemment une partie du pays qui va être sensible à la façon dont le Mar maréchal a d'en parler. Et qui vont euh, se radicaliser là-dedans. Il y a même des gens qui vont être radicalisés par ça, mais qui vont aller chez Le Pen parce que c'est un peu plus respectable et tout. Donc ça a forcément un effet. Mais euh, c'est je pense que c'est pas exactement ce qui matrix les gens non plus. Bah oui. Faut, euh, au niveau de la. mais là c'est sa matrix moderne malin quoi. Voilà, euh, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça, les races-là en mode il y a des coups de couteau à chaque rue de France. Voilà, c'est ça. Sauf que pour ça... beaucoup de gens, elle est trop extrême là. C'est ça. Dire ce que et je dis pas. ça n'empêche pas que ça, ça, crée, euh, ça, crée, ça crée ça ça ramène quand même le débat vers l'extrême droite bien sûr et c'est quand même un problème. Ah oui hein. mais là après de toute façon c'est BFM C'est truc. Ces morceaux ils banalisent les idées de Le Pen exactement. Donc ça a quand même cet effet là qui est délétère. Qu'il y a aujourd'hui dans notre pays et vous avez regardé certainement euh, ces sondages avec beaucoup d'interviews. Donc patate il va trouver un extrait de Mathilde Panot girl boss à un moment il va mettre le truc ça va faire un million de vues sur TikTok et vous dire Mathilde Panot trop forte. <laughs> C'est ça qui va se passer aussi. Et qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, et vous avez regardé certainement euh, ces sondages avec beaucoup d'intérêt euh, ces dernières semaines, il y a indéniablement aujourd'hui une part de plus en plus importante de Français de confession musulmane dans notre pays qui veulent imposer une civilisation islamique sur notre sol qui est incompatible à certains égards, je suis désolé de vous le dire, avec la République euh, et avec la France. Moi j'aime bien l'attitude où elle répond un peu sur des trucs en disant non, c'est faux et qu'après, juste ça se tape une barre en mode qu'est-ce que tu racontes qui Veulent remettre en cause la loi commune pour obtenir des dérogations au nom de la religion. On l'a vu dans ce sondage de façon très majoritaire sur le port du voile euh, et de la baïa à l'école. On l'a vu sur les menus confessionnels également à l'école. On l'a vu sur le, 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 la volonté d'accorder de, des dispenses aux jeunes Alors, filles, fini aux jeunes filles pour... <laughs> non, dans les piscines scolaires. Euh, on l'a vu sur le fait qu'aujourd'hui, dans les lycéens, près de 30% des jeunes musulmans ne condamnent pas totalement l'assassinat de Dominique Bernard. Mais ça, c'est pas un conflit de civilisation. Vous pensez qu'il y a une cohabitation possible avec des jeunes gens qui aujourd'hui trouvent des excuses au fait qu'on assassine un professeur qui s'interpose euh, entre des élèves et un islamiste. Ça pète un vous voyez plomb. Pas, hein pardon, ah, là, là, mais vous voyez bien non. que ça, ça fait fuir des gens, les plomb. gens là. Mélange tout. Ça pète un plomb. Vraiment, elle pète un plomb. Les islamistes non, qui ouais. attaquent les professeurs, machin. On est passé. Non, 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 mais parce, parce que. Parce non, que mais vous, vous allez répondre. Vous pouvez pas à chaque fois la laisser dérouler. Pas, du, que tout. Je pas, pas du tout. Sur les... Ah voilà, voilà. Même ils se font engueuler par Mathilde. Bah oui. Et pas du tout, Mathilde Panot. J'essayais juste de préciser pour ceux qui nous regardaient qu'on était parti précisément de la question de l'immigration à euh, la question d'une entre guillemets guerre de civilisation et que vous mettiez en avant euh, la place de, de, de l'islam dans la République et bien évidemment je vous laisse répondre Mathilde Panot. C'était juste pour que ceux qui nous regardent essayent de suivre sur le le, le fil conducteur de ce débat. Donc, Donc vous pouvez effectivement. Répondre. Monsieur Zemmour, comme Madame Maréchal Le Pen ne cesse de dire qu'il faut choisir pour nos 6 millions de concitoyens de confession musulmane entre l'islam et la République, ce qui est complètement la oui, à l'opposé de ce que la France a toujours été. La France ne sera jamais une nation ethnique, la Madame France. Maréchal Le Pen. Elle sera toujours pas une ça, nation madame. politique autour d'un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Écoutez, je vous interromps pas, vous ai deux minutes, donc laissez-moi parler en fait. oh. Des hommes. Mais... Ah oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. De s'adapter à la France et la France Non, non, à non. La, les musulmans dit. sont des gens comme, comme les, les autres. Et je vais vous dire, être mais français, français. ce n'est pas une langue, puisque nous la partageons avec 28 pays. Ce n'est pas une religion réelle ou supposée. Être français, c'est adhérer au contrat, liberté, français, égalité, fraternité. Être français, le dernier Assiste. arrivé peut avoir pour la nous, nationalité. Donc, euh, non, ça non, non nous, pour... nous ne parlons pas comme vous de français de papier, qui, je rappelle, étaient les, mo les mots de Maurras, les mots de Pétain et les mots de Brumont envers les juifs. Et Mohamed Mera, vous reprenez. Non, mais vous la trouvez bonne vous trouvez que là elle est. Et, vous et Mohamed Girl Mera bon. Là vous la vous trouvez, elle est forte. On dirait, en fait, c'est comme si vous me disiez les gens qui vont sous les tweets de Wissam, ils sont trop forts en débat. Ah Parce ouais Parce que c'est vraiment ça. Wissam tweet j'ai joué à Cyberpunk. Et ça. Et Mohamed Mera et Samuel Paty, Wissam je sais pas, vous, vrai, Et vous, vous êtes 15, là, waouh Vraiment, l'extrême droite, on est fini <laughs> Vraiment, je vous comprends oh pas des fois. <rire> des... <rire> Sérieusement <laughs> Un français vous, méritant reprenez vous, naturalisé français, vous reprenez Vous reprenez de... qu 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 Quel est le rapport, Mme non, non, quel est le rapport est Les français de papier, ça n'existe pas Mohamed Mera, c'est pas un français non, mais de papier Youssouf Fofana, on... qui est le chef des gangs des barres Français de papier, non mais putain, mais vous voyez Je pense qu'il y a des gens, ils entendent ça et ça les choque Pour le coup, Marine Le Pen, elle ferme bien sa gueule à la raison c'est bah pas oui. un français de papier, lui Voilà, voilà. et donc après ça, vous, lorsque vous pointez, par exemple, nos Redouane, concitoyens... Redouane Lagdim, qui est dénaturalisée, qui est l'assassin d'Arnaud Beltrame, c'est pas un français de papier Lui, il méritait sa nationalité française Vous trouvez mais attendez, mais là mais vous êtes vrai? en train de tout confondre. Là. Ah non, je confonds pas du tout. aussi parce que ce que vous des êtes en train de faire. Les gens sont venus sur le territoire d'origine étrangère. Ce que vous êtes en train de faire stigmatise des millions de dons. est la nationalité française, madame Mais écoutez, ce la nationalité pas des de papier. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites ça J'ai dit n'importe quoi. Mais oui, vous dites n'importe quoi. Les gens qui quoi. assassinent quoi. des enfants Alors... dans des écoles ah, juives. Vous voulez, vous voulez. Un l'autre là, mais c'est une dinguerie, genre. Et le présentateur. Boucle. Il prend le le problème aussi. Là, vous voyez, c'est les médias, gros. C'est le présentateur aussi, gros. Non, mais il regarde après exprès. Il l'a déroulé. Le problème aussi, là, enfin Marion Maréchal, c'est une forceuse, gros. Genre, enfin les gens, tu sais, face à la télé, même quand tu es pas d'accord avec quelqu'un et que tu as cette attitude là, les gens ils en peuvent plus, quoi. Et en fait, elle rend la discussion insupportable, tu vois. Là, on en dehors du fond de ses arguments. Où moi, je pense même euh, que ce qu'elle dit. Il euh, y a des gens qui peuvent être un peu convaincus par ça, tu vois. Mais en fait, ça va la rendre insupportable. Bah, les électeurs de Zemmour, je pense que là, ils sont vraiment mon héroïne. Et en héroïne. Fait, elle a fait exactement ce qu que j'attendais d'elle, tu vois. C'est ça. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'elle euh, joue aussi sur un truc, une légende qui a un peu été créée autour de Mathilde Panot et de la France Insoumise, des énervés permanents, des, des hurleurs, etc. Tu vois. Et ouais, qui les bloquent, qui les, qu les piègent un peu. C'est ça, à propos de Mélenchon, où. Euh, la, une strate anti... Ouais, la poissonnière, c'est ça. Beaucoup d'harcèlement autour de ça, sur Mathilde Panot, et autour de Mélenchon aussi, sur le truc de euh, les gens, ils aiment pas Mélenchon, ils aiment pas la fille parce que c'est des énervés. Parce que Mélenchon, il s'énerve parce que Mélenchon il crie. Et en fait, je pense qu'elle a un pari, et elle se dit que si elle lui fait péter un câble, elle a gagné, tu vois. Genre, comme faire péter un câble à Mélenchon euh, contre des journalistes, c'était un peu le décrédibiliser, tu vois. Donc là, elle est sur un pari comme ça, et en fait, Panot... Euh, elle a plus à perdre à péter un câble et à monter dans les tours comme elle qu'à encaisser et à essayer de dérouler le plus possible. Donc ça veut dire que c'est un peu face à un truc comme ça, tu es un peu face à deux mauvaises solutions. Et c'est là, chose, là où, ironiquement, ça donne raison sur le truc de ouah, débat de merde, quoi. C'est vraiment un ah bah débat, oui, de débat de merde. De merde quoi. Quoi. Débat, débat BFM de merde, sur l'immigration. Débat, débat de C'est là que tu vois vraiment comment c'est un piège à la con. Bien sûr. Bien insupportable. Mais moi, Au moi, final, t'apprends rien que, et que c'est juste du spectacle. Moi, je pense qu'il faut que Panot et continue sur le truc de euh, Zemmour, la haine de la France. Zemmour, la haine de la République. Tu vois, c'est vraiment ça la vérité. Eux, c'est des haineux de la France. Et C'est ça, le, la, je trouve la vraie. Ah, oui, oui. Sur eux, c'est ça. C'est là qu'on bah, qu va, va fait voir comment elle embraye sur tout ce qu'est la France. Il faut voir comment elle embraye sur ça. Mais je pense qu'elle est aussi en mode mais... Bien sûr. Je peux rien dire et. Vous voulez euh, quand parle... massacrent des gens parce qu'ils sont juifs Là, je dis n'importe quoi. Et alors C'est des Français méritants. – Madame euh, Maréchon, ma, Marion Maréchal-Le Pen, écoutez, là vous êtes en train d'aller dans tous les sens. Vous avez euh, vous affirmez non, plus, tout et n'importe quoi. C'est plutôt moi qui vous sens mal à l'aise. Non, non non, je vais vous, je vais vous répondre. Parce, Parce que, que en termes de délinquance, vous vous y connaissez. Euh... Ça c'est le résultat de ce que vous voulez ça. la nationalité à n'importe qui, au dernier arrivé. la nationalité à n'importe qui. On donne la nationalité à n'importe qui. Ah oui, la preuve. Bah, je viens vous en donner trois exemples. Oui, je peux vous donner plein d'autres exemples, y compris de gens qui ont été sauvés un enfant d'un incendie. Enfin, je veux dire, on peut parler de tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. La nation française, c'est toujours construit avec l'immigration et l'intégration de dire « nous faisons France de tout bois ». En 1793, la première constitution de la France était non seulement le premier État qui inscrivait dans sa constitution le droit d'asile, mais était aussi le premier État au monde à donner la citoyenneté pleine et entière à nos concitoyens de confession là, juive. De si... En fait, ce qui a l'air compliqué, c'est que là où Marion Maréchal a dans la tête de, pa de panneau, c'est de vraiment, elle, elle essaye de la faire craquer, j'ai l'impression, tu vois, de la pousser à bout, euh, qu'elle fasse euh. des erreurs comme là, où elle est, elle est choquée des conneries qu'elle entend, et où du coup elle perd son argument parce qu'elle écoute trop son adversaire, tu vois. Euh, et là, après, euh, elle, euh. Elle, 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 elle prend un petit coup et elle revient, tu vois. Elle revient euh, dans le euh, truc, elle euh, revient euh. sur ce qu'elle a dit, mais elle se laisse trop déconcentrer. Ça, c'est réel. Ça, c'est un effet réel oh, qu'il ouais, y a dans ce elle débat. Se fait déconcentrer. où elle se fait un peu avoir. Mais c'est ouf, parce que du coup... C'est quand même l'autre qui est une forceuse quoi qui mélange vraiment tout les torchons et les serviettes, c'est Mais si parce que je vous parle, je vous parle de ça parle de parce que c'est de ça que vous êtes en train de rabaisser les choses. En je vais vous dire avait pas une immigration de masse d'Afrique et de confession Madame, musulmane qui mettait à l'épreuve nos valeurs. Madame Maréchal Le Pen, vous voulez que je vous parle par exemple du professeur que vous avez embauché dans l'école privée dont vous êtes directrice Monsieur Oleg Sokorov, qui est euh, un professeur russe, Mais qui monsieur... a été condamné oh à 12 ans de prison ah oui, pour avoir ah, vous avez décapité vous avez et démembré sa dire, campagne, qu avait... et qui été l'objet d'une plainte d'une étudiante. Qu'il a attaché la chaise, là frappé. Je comprends mais... que vous soyez extrêmement mal à l'aise. Cet homme qui avait été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac d'ailleurs accessoirement, donc vous voyez comme quoi. Et donc, Et donc Jacques Chirac, c'est un, un extrémiste de droite qui est complice de lex okolov Excusez-moi. Honnêtement, pardon, je suis désolée. Ah, Et là pareil. Et là, c'est fait, 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 ah, fait avoir, par son propre truc. Tu vois C'est ça la hauteur de vos arguments. Allez sur le fond. Je... Elle lui dit allez sur le fond. La hauteur de vos arguments, c'est un fait divers. Non, non mais... mais là, c'est là que Mathilde doit ah, en mode. Attendez. Mais non, on peut accumuler des faits divers des deux côtés. Voilà, c'est tout. Répondez-moi bon, sur ouais. le fond. Dites-moi quelle est aujourd'hui la politique d'accès à la nationalité que vous voulez donner. Dis-moi comment vous justifiez aujourd'hui de vouloir accueillir sans aucune limite les clandestins qui arrivent sur le sol, sans aucun contrôle. Et pourquoi en vous fait, voulez... Pano, elle l'écoute trop presque. Tu vois ouais, ce que je le veux problème, dire est Non, mais que... oui, oui, elle est trop, elle est trop dans est... un vrai débat. Alors que on n'a rien à ouais. foutre. Elle ouais. balance juste ses ces, 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 horreurs. Et puis voilà quoi. Moi et je pense que t'as pas ce de la dépit, plus. De ce que ça représente.

Pardon, non, non, ils n'ont pas rien à voir. Hein. Pardon, mais, attendez, mais vous allez me donner des leçons. Vous vous dont les députés vont défiler avec les islamistes du CCI. Non mais c'est ça. ça attendez. Ça vous, un vous, les islamistes du CCI. <laughs> oh là 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 là. Vous du forçage. Vous dont les, les députés allaient à Sainte-Soline euh, manifestation ultra violente qui finit avec 28 vous gendarmes blessés. Vous, mélanger, vous, vous qui défendez le lycée véroès proche des frères musulmans mais c'est vous qui allez me donner des leçons aujourd'hui. Excusez-moi mais vous croyez que vous allez me donner des leçons Regardez les prises de position. Le lycée à BOS, proche des frères musulmans. Non oh, mais là c'est toutes les C'est Allez, tout s'enchaîne. On dirait euh... en fait elle lit les articles de F de souche à la suite là. Oui, bah, ça, bah, ça. Elle lit le ça, titre des articles, au hasard, et ça marche, c'est son argumentation. Politique aujourd'hui de vos élus, les compromissions avec les islamistes, les compromissions avec les émeutiers, vous, madame Panot, qui avez refusé d'appeler au calme au moment des émeutes en et juin, alors que ça a bloqué. Pardon, pardon 50 je 000 pense... infractions. Vous avez parlé de soif de la jeunesse et de justice. 250 commissariats attaqués, 250 écoles attaquées, euh... et vous êtes d'accord avec ça Ça, c'est la soif de justice. Mais excusez-moi, pardon, mais je, 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 je pense seconde... pas, à madame Panot, honnêtement. Elle que... a 12 minutes seconde s'il vous plaît. Parce que, sincèrement, ah, si, si. j'ai quelque chose sur vous en termes de comportement et de prise de position politique qui me semble on ne peut plus grave pour les manœuvres de direction que C'est vous qui avez été condamné, votre grand-père. Ah, moi, je n'ai jamais été condamné, madame Non, pas. non, non. Alors, votre grand-père, cinq fois. Ah, pour le grand-père ah, ah, Oui, le, le grand candidat que oh, vous soutenez oui. à l'élection présidentielle, monsieur Zemmour. Trois fois, donc, les leçons, je m'en passerai. Je vais vous expliquer. Oh. Oui, alors, juste, Sur la question. Je, je, bah, je, pense, je, je, je pense à ceux qui nous regardent, parce que là, euh, ça part un petit peu dans tous les sens, si vous permettez l'expression. Euh, vous posiez la question de l'obtention de la nationalité. Marion Maréchal, vous appartenez à une famille politique qui dit on supprime le droit, le du, droit du, du sol. Oui. Vous. Qu'est-ce que vous répondez à cette, à cette conception-là de l'obtention de la, de la nationalité, puisque, puisque c'est ce dont il est question dans le débat euh, sur la question de l'immigration Alors, nous, nous sommes extrêmement favorables à garder le droit du sol, qui, je le rappelle, existe dans notre pays depuis 1515. Et supprimer le droit du sol était, par exemple, une proposition de la France de Vichy, que nous ne partageons absolument oh là pas là parce que. Oui, mais c'est la mais réalité. Madame mais mais qui veut faire de la France une voilà, mes... voilà, te laisse pas. Déroule, Mathilde. Je te jure, déroule. Arrête d'écouter, on s'en fout. Ce qu'il faudrait, c'est comme le débat avec euh, Paul Bélec, là. Juste elle a baissé. Oui, oui, oui. Aurait baissé le ouais, micro de Marion. Arrêtez de la regarder, ouais, de fou, de fou, Et de ne pas la regarder. Si de a Donc, une vous nation vous ethnique vous et non pas une nation politique. Je vais vous dire, au lieu d'agiter des peurs, comme est en train de le faire Madame... C'est très désagréable de, mais, de mais débattre vous vous entre vous, vous euh, lorsque euh, vous la ne la laissez pas une seule room en permanence. S'il vous plaît, ah. quand Mathilde Panot parle... Euh, oui de... Voilà Ta gueule T'en supplie <laughs> Je pense ça fait 3-4 minutes où c'est devenu contre son camp de la part de Marion Maréchal, quoi bah des fois elle la déstabilise est... un peu ça marche une ouais, fois mais... ou deux mais Sauf souvent que elle passe juste elle pour une tarée est trop... ouais mais elle, fait... elle... elle passe pour une forceuse gros c'est l'effet Françoise Desguin média ouais, ouais. Est en mode, mais en mais tais-toi avec Paul Bellec justement genre hein, genre c'est trop insupportable Et elle n'arrive en fait elle saurait faire ça Marion Maréchal à des moments très précis mais vu qu'elle ne fait que parler en boucle T'arrives même plus à l'écouter, elle est trop casse-couille. C'est Ban Mulch la méthode rhétorique. Ah ouais, c'est la même équipe. quoi. Ah oui, oui, de fou, de fou, de fou. de fou. C'est parler pour que... qu on de parler pour que ce sujet, vous des... deux secondes et demie. Non, mais attendez, c'est un bah, débat. Est le Mathilde Panot est libre de, rappeler, est libre euh, de ce qu'elle dit Donc, et vous pouvez répondre. Donc on essaye de ne pas se parler euh, l'une sur l'autre. Mathilde Panot, vous Nous sommes celles et ceux qui voulons faire France de tout bois. Voilà ce que nous voulons. Et nous voulons. Faire en sorte qu'on accueille dignement les gens. Parce beau. que la question, c'est d'abord de faire en sorte ah, d'agir le sur les causes des migrations. Parce que les gens, lorsqu'ils se retrouvent eux aussi attachés à leur terre, attachés aux leurs, n'ont pas envie de partir de chez eux. Pourquoi sont-ils forcés de partir de chez eux Soit parce qu'il y a des guerres, soit parce qu'il y a euh, des famines, notamment grâce aux accords de libre-échange qui sont signés à tout va, soit parce que, etc., etc., tout être humain cherchera toujours une vie meilleure. Donc nous avons montré, notamment lorsque la France a accueilli 100 000 personnes ukrainiennes, que nous savions accueillir dignement ah. lorsque nous mettions les moyens de le faire. Et je veux alerter tout le monde. Ce qui se passe sur les personnes étrangères dans ce pays est un laboratoire du pire. Je vais prendre l'exemple de l'AME pour expliquer à quel point vous êtes dangereuse. L'aide médicale d'État qu'ils euh, sont en train de dire sur lequel ce serait une dépense extraordinaire, qui représente hein. 0,4% des dépenses de santé. 0,4% des voilà, dépenses de santé. Pas pas On a regardé la fraude qui représentait 500 000 euros, soit 0,06% de 0,4%. À quoi sert l'aide médicale d'État Eh bien, c'est une politique de santé publique. Et d'ailleurs, l'Espagne, dont vous parliez à l'instant, l'a supprimée un instant et l'a réinstaurée. Pourquoi Elle l'a réinstaurée parce que ça posait des problèmes, notamment sur la propagation d'épidémies et que ça créait une surmortalité. Dans la population exilée. Donc, supprimer l'AME est un non-sens sur lequel l'ensemble des soignants sont en train de s'accorder et appellent à garder cette aide médicale d'urgence dont nous avons impérativement besoin. Voilà, du réel, voilà la déroulée. Et alors, vous euh, êtes euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. Après, c'est Mathilde Pado, euh... quoi. Elle est en mode euh, bam, quoi. Elle y va, elle y va elle euh, déroule, euh, comme on l'entend quand fou, elle est porte-parole en général. Non, mais de toute façon, moi, je... la, la, la vérité aussi, c'est que euh, faut, faut l'attendre sur son faut attendre sur le sur le sujet de le social tu vois bah oui, aussi là et, et en fait l'autre elle, bien... hein. elle a déjà gâché 10 minutes et l'autre elle a déjà gâché 10 minutes elle a 10 minutes aussi mais en fait ce qui est la question ce qui est bien aussi c'est que si ça finit sur le social c'est cool parce que les gens se rappellent du début et de la fin d'un débat quoi et là on est un peu au milieu où en plus Marion Maréchal je trouve qu'elle a accumulé 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 et as genre tu tu retiens pas quoi Genre, c'est... Tu vois, c'est un peu... Et Je précise effectivement que, euh, pour remettre des faits là-dedans, l'aide médicale d'État, c'est à peu près 1 milliard d'euros, et euh, le rapport rendu Merci, par Fano. Patrick Stéphanie Patrick et Claude montre effectivement que c'est une dépense sociale parmi les plus contrôlées, et ce rapport-là, même, dit qu'il n'y a pas de phénomène d'appel d'air, c'est-à-dire que l'AME n'est pas un facteur d'attractivité, c'est du moins ce que dit le rapport qui a été Exactement. rendu je, à Matino, je, je, Mario Maréchal, je, 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 vous pouvez je, je, répondre je à Voilà, lui au moins une fois, il a apporté un peu de factuel, il a fait son travail. Il a réussi à faire taire l'autre et apporter du factuel. Non, mais est -ce serait dur, journaliste hein pendant une minute, là S'il existe dur. un dispositif qui prend en charge à 100% les personnes entrées illégalement sur le territoire pour des soins, alors même que la plupart des Français, vous devrez être au fait de cela, Madame oh, Panot, se privent de soins aujourd'hui pour des raisons. Oh là 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 mais oh c'est là quoi là ce mensonge Financière Attends, 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 mais là, oh, genre, je suis les Français se prive de soins pour raisons financières sur des trucs qui seraient couverts grand... par l'AME. Genre, non mais genre, non mais attends, les trucs qui sont couverts par l'AME, euh, c'est dans la sécu, faut arrêter. Genre, euh, c'est mytho. C'est mytho de dire, enfin genre, tu sais, bah vraiment, gros, genre, moi, les gens filles. qui vont pas chez le dentiste, deux parce filles que ça coûte trop cher, ça n'a rien à voir avec l'AME, quoi. Genre, c'est vraiment... Les deux filles, euh, genre, elles ne peuvent plus soigner à cause des, importe des arabes Ah, N'importe quoi. Et moi, même mes ah Hein Hein et Samuel Paty, est le frotteur du métro. <laughs> Alors rase, hein Alors même qu'ils sont déjà surtaxés, surimposés dans un pays surendetté, la moindre des légitimités me semble-t-il, c'est que d'abord on s'assure que l'intégralité des Français puisse accéder aux soins dans leur pays, plutôt que, en effet, inciter des personnes arrivées clandestinement à travers ces dispositifs, parce quau delà de la question de l'aide médicale d'État, c'est évidemment euh, l'accès euh, au logement, euh, euh, à l'accompagnement euh, juridique et, et à tout ce qui permet aujourd'hui qu'on arrive en France de façon euh, privilégiée. Et c'est d'ailleurs ça, pour ça que la France est une destination euh, privilégiée par rapport à d'autres destinations européennes pour les personnes euh, clandestines, quand bien même ce ne serait pas la destination la plus proche. Maintenant, je vous ai entendu tout à l'heure dire nous sommes là pour faire euh, France de, de tout bois, et je, 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 mm -hmm. je trouve ça euh, très beau, euh, Madame Panot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur notre sol, il y a toute une partie de la population, euh, qui sont d'ailleurs vos électeurs euh, privilégiés, qui ne souhaitent pas, contrairement à ce que vous pensez, faire France de tout bois. Et on l'a ah vu bah, d'ailleurs de manière particulièrement douloureuse au moment du drame de, de Crépole, euh, où on a vu l'archétype aujourd'hui de ce oh, qui euh, traumatise et, et sanglante la France, c'est-à-dire des bandes de racailles, le plus souvent multi voilà. euh, qui euh, n'ont plus aucunement peur de la justice. et l'histoire de Crépol, Qui détestent la France. Hein. J'ai vu euh, les déclarations d'ailleurs des amis et de l'entourage hein, de ces agresseurs sur les réseaux sociaux qui expliquent euh, que les seules raisons pour lesquelles ils aiment la France, c'est pour la carte vitale, et puis de toute façon, le jeune Thomas avait bien mérité ce qui lui est qu arrivé. Je rappelle que l'enquête est en cours. Arrive, là, oui, non, les vidéos, de... elles, les vidéos elles sont disponibles mais, très sur Facebook. là, Internet, vous parlez donc, de, de euh... vidéos de euh, jeunes qui se disent proches de ceux qui ont été euh, arrêtés. Et, et, je et en tout cas, pour, euh, je, je ne pense pas, je, je, je ne pense pas euh, trahir la vérité en rappelant quand même qu'il y a neuf témoins à cette occasion qui ont expliqué avoir entendu, on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc. Donc il y a manifestement... Il des témoins qui ont entendu aussi l'inverse. On est là pour euh, taper oui, est du B-word. Hein. donc bon il a euh... l'air d'avoir eu un peu des, 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 des insultes racistes ah, mais c est, c est la plus, motivation la... de la baston pour l'instant le fait que ce soit raciste c'est pas démontré du tout hein. au contraire et même, même l'enquête a l'air de, de dire golemont. que bah c'est des jeunes qui sont cherchés la merde et malheureusement ça en est venu à ce qu'il y a un mort ce qui est déplorable ah ouais. mais ce n'est pas ouais. la guerre de civilisation que nous Marion Maréchal et ah pas oui, hein, que là beaucoup de gens nous ont vendus. Des, des, des là, on commence à campagne. avoir assez le, le, de recul sur ça. Des Par contre, il ouais, y a de eu des insultes bandeurs racistes, des passements qui sortent des couteaux comme des fils de pute, quoi, genre, Non, mais il y a eu des insultes racistes des deux côtés, mais en même temps, les gars, oui, ils se oui, sont mis ça, des coups de oui. couteau et des pains dans la gueule. Donc bon, euh, on est, oui, est on ça, est presque est plus à ça après. Il n'y personne à rattraper dans le bordel. C'est pas la haine raciale qui a motivé une espèce de ratonnade des blancs là, comme certains ont pu dire, tu vois. Le, de fou, de fou. En effet, une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas envie de faire France de tout bois, qui déteste la France, déteste son histoire, déteste son identité, déteste même les Français pour ce qu'ils sont, euh, se complaisent dans une forme de racisme anti-blanc que j'imagine vous contestez. Bon, D'ailleurs, ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du racisme anti-blanc, Madame Padot Vous considérez qu'il existe du racisme anti-blanc ou C'est -ce parler... une invention. Bah, je vous pose une question. Je vous Alors, moi, déjà, je noterai, et tout le monde, j'espère, le notera, que donc vous pensez que les microbes, des maladies, des épidémies font attention de savoir ah, si question, une personne mais... a des papiers ou n'a pas de papiers. Ça, c'est sur l'aide médicale d'État. Ce qui est une idée. Avant, avant Malade et qui est une avant 2000, il n'y avait pas d'État il n'y avait pas d'épidémie. Excusez-moi. Et les autres pays font mmh. comment Ils sont Il y avait pas d'épidémie avant 2000, à Avant 2000. Il n'y a jamais eu d'épidémie en France. Personne n'était malade avant 2000. Ah bon Putain, mais c'est pour ça la peste. Je me disais aussi, c'est bizarre. ce truc. Attends quoi Attends, mais c'est la vie le plus le plus que j'ai jamais ah, entendu Ah mais de attends, ma la grippe espagnole, c'est pas français ça de façon. C'était l'immigration du coup. Mais qui a été espagnole euh, la grippe. Avant 2000, il n'y avait pas d'épidémie. Le sida, non, mais le sida, c'est les pd aussi. Ça, je suis... <laughs> le sida, c'est que les pd je crois, non Elle a <laughs> dit ça sans problème. Pff, elle en a plus rien à foutre, gros. C'est dit... incroyable. Elle balance juste... En fait, je crois, elle lit juste ah, sa note. Incroyable. Elle dit des trucs au pif, là. Elle lit vraiment chaque headline de F de souche. Et ça va pas plus loin. C'est incroyable. Tout eh, bien, bien, eh bien, en tout cas, l'ensemble le, ah, des soignants explique qu'il faut garder sa tête médicale ah, d'État. Ah. Et d'ailleurs, je le redis, mais les médecins font un serment qui s'appelle le serment d'Hippocrate de pouvoir ah. soigner tout le monde qui va justement à l'inverse de ce que vous expliquez avec vos obsessions qui sont euh, évidemment donc, euh, euh, en dehors si de si toute raison. Existe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose. Vous, Madame Maréchal Le Pen, vous êtes en train de, en quelque sorte, construire des cycles de violence. Vous dites, vous êtes contre la guerre. Or, vous avez encouragé. Ah, voilà. L'expédition punitive raciste qui a eu lieu non, non, après pas. le meurtre Attends, tragique euh, de Thomas, euh, vous, vous, vous n'avez pas, vous pas condamné. Attendez, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Sur... Je vais vous répondre. Allez -y, allez -y. Vous avez encouragé un cycle de violence avec 80 personnes qui criaient dans les rues. J'ai encouragé hors de Vous Moi, je n'avais pas condamné. Oui, oui. Vous soutenez des groupuscules comme Génération Identitaire qui font des actions violentes. Oui, oui, vous soutenez. Non, non. Je vais vous Avec avec des habitants de la Monnaie à Romans-sur-Isère, dont je veux ici saluer le sang-froid parce que cette expédition punitive raciste aurait pu terminer avec un un drame terrible. Et moi, je vous invite à lire, Madame Maréchal Le Pen, je vais vous la donner. La lettre que les habitants des quartiers populaires de La Monnaie ont oh. écrite pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils aimaient la France, pourquoi est-ce qu'ils étaient la France et qu'ils refusaient qu'on oui. divise le peuple français. Moi, je vais vous faire lire l'interview de la maman de Thomas la de la Désunion, qui oui, a demandé à ce que le mobile raciste soit retenu. Et bien, et bien justement, vous justement. Vous voulez même pas en parler, parce que sur vos réseaux sociaux, Madame Panou, vous n'avez pas eu un mot pour Thomas. Pas un mot. Et bien, je l'ai dit dans les médias. Donc, zéro, vous Et voilà, vous êtes en train Parce que la France est Thomas, elle ne vous intéresse pas, en fait. C'est ça la Wow, Désolée, elle est gaze. Hein. Elle là, est, est gaze là. Là, c'est. Là, c'est gaze. Là, elle est gaze de fou. Là. Eh bien, moi, je ne sépare pas la France en la France des Thomas, la France des Chaïdes, comme l'a fait, fait monsieur Zemmour ou autre. Je vais Allez, dire. hop. Non, là, ah. elle, est, elle, 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 elle est bien là. Jeune homme ouais, est mort. là elle est il bien. avait 16 ans, il aurait eu 17 ans récemment. Un jeune homme est mort, ouais, dont la famille de a demandé à ce qu'on n'instrumentalise pas son meurtre. Et à demander à ce que eh ben, le mobile du racisme anti-blanc soit à aller à à un Panneau. peu de décence. Est-ce que le racisme anti-blanc relève aussi du Est-ce que ce qui s'est passé à Crépol relève aussi du racisme anti-blanc Je vais vous expliquer quelle est la différence entre le racisme ou ce qu'on pourrait appeler la xénophobie. Oui, il moi. peut y avoir des actes xénophobes envers des personnes blanches qui sont tout à fait condamnables. C'est pas bien. du racisme. C'est bien ça. Vous tuer du blanc Je vais vous expliquer ce qu'est le racisme. Là, Ben je vais dire ah, c'est pas bien, on aurait dit racisme. Le racisme a un côté vous structurel. Vous pouvez pas me dire oui ou non. Comment Vous ne pouvez pas me dire oui ou non. Le racisme anti-blanc existe ou n'existe pas Vous êtes obligé de me Et faire ben une thèse. Non, je vais vous expliquer, je vais vous répondre très clairement. Est le le très racisme long. est, euh, est un, un racisme qui est structurel, qu On appelle systémique, avec un ensemble de discriminations qui s'appliquent à des personnes, soit selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, leur orientation... Bon, voilà. Eh bien... Donc ça n'existe pas. Le racisme... Marie-Marie, s'il vous plaît, je... mais oui. essaie, donc, on a ah, du temps pour discuter. Euh... Donc... Mais je sais quelle va être la conclusion mais allez. y mais... Laisse. Ouais, oh, la elle a eu la vie des gauchistes en mode euh, je suis aspie, je sais déjà ce que vous allez dire, c'est normal que ah je Oui. Elle a fait un TikTok, j'ai TDAH, je comprends ce que vous allez dire ouais, avant de Je sais déjà vous y ce y que tu vas dire donc euh, laissez-moi vous couper en fait. C'est ah, de vous la vous part comme Marion, de celle ceux qui disent ça. Tu as un truc à dire qui est j'en ai marre des arabes quoi. C'est bien mais moi je pense qu'il faut qu'elle dise Mathilde le truc de bah oui, des xénophobes envers les blancs, d'accord On ne dit pas c'est pas ça la question quoi. Oui, ben la eh bien, exactement. Ah, bah. Je vous dis, il y a discrimination. des discriminations, il y a des appels à la haine qui peuvent exister et qui sont tout à fait condamnables. Mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc, oui. en Moselle, Édouard euh, Philippe aussi, avait, dans les, les oui, dimanche. dimanche dans au monsieur départ, monsieur le a euh, donc, quand en Moselle, le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de neuf coups de couteau au cri de sale blanc » et de gouaire, ce c'est pas du racisme anti-blanc. Alors, je peux vous redonner des chiffres Vous aimez les chiffres Je vous donner. J'aime beaucoup les chiffres. Je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais ça m'intéresse. Alors, non, ça non, non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc. Sale blanc, du gouère avec neuf coups de couteau. Ça s'appelle des appels à la haine, tout des le actes monde, de haine. Ça s'appelle de, de monde, la xénophobie. Alors, je vais vous donner les chiffres du des le services de renseignement. Il y a 53 faits des actes un, un, en 2021 qui concernaient euh, des actes xénophobes contre les personnes blanches. 56 faits en 2022. Si on regarde les personnes qui ont la couleur Donc noire, qui ont la peau de couleur noire... Attends, là, elle sort des Madame Panot. Moi, et encore plus vous dire pour les personnes qui sont perçues pas, comme je... arabes dans notre société. Madame Panot, vous savez tous les racismes sont condamnables. Ah moi, non, Moi ce que je veux vous amener c'est que le racisme anti-blanc n'est pas moins grave et n'est pas moins condamnable que les autres racismes. C'est ça que je veux vous faire dire et que vous refusez de dire et ça je trouve ça incroyable. Et ben moi je je, vous je dire, vous vous moi, ce que même pendant l'expédition anti-raciste à Romain sur Est-ce que vous la condamnez Mais Madame Panot, vous essayez de créer une ambiguïté là où il n'y a pas. Je condamne Ah là là, vous le truc là. Toutes les violences y compris les violences en politique et je l'ai toujours Et donc la raconade vous la condamnez Madame pano sans aucun problème, je condamne et ah, j'ai condamné les violences politiques, d'où qu'elles viennent. Ah, c'est dommage, elle n'a pas déroulé les chiffres là. Mais Alors... si c'est bon, elle non, en a, a dit mime. assez. Ouais, mais elle, bah elle a, elle dit, a juste y a eu... dit il y a 56. Elle aurait dû dire il y en a combien en plus, tu vois mmh. Mais bon, c'est sûr qu'après c'est. Mais ça en aussi, on s'est baisé sur ça. C'est aussi parce que euh, c'est tout le truc de euh, avoir des chiffres euh, sur, euh, sur ces trucs-là, c'est compliqué. Et en plus, tu le vois. Euh, sur les attaques racistes, euh, genre tu regardes le gars qui s'est pris un coup de cutter en mode salby word c'est même pas compté comme une agression raciste. Donc, elle a dit euh, c'est 7 fois plus. Bah bon, en fait, du ouais. coup, j'ai pas entendu avec Claude qui hurle par-dessus, hein, comme quoi. Ouais, euh, elle a dit 7 fois plus, mais euh, faut qu'elle leur dise, je suis d'accord. Après, en fait, le problème c'est que ça, Dani. Elle, elle l'a dit. Elle, elle peut pas se rendre compte si tu l'as entendu à la télé ou pas. Tu vois au niveau du niveau des micros, etc. Donc, voilà. c est, c est Puis là, le problème, c'est que vu qu'elle a mal, peut-être elle va le faire juste après. Mais vu qu'elle a mal expliqué qu'est-ce qu'elle entend par racisme, le fait qu'elle dise oui, c'est de la xénophobie. Tu vois, ça fait que je pense que c'est pas clair pour la plupart des gens. Après, je pense que là, de toute façon, dans ce débat. Il ne va pas y avoir oui, masse de gens qui l'auraient oui. trouvé honnête, même si elle avait eu une explication, oui, ça <laughs> Tu vois ce que je veux dire Genre parfaitement détaillée. Tu vois Et à la limite, ouais. elle aurait fallu dire oui, ok, il peut y avoir des actes racistes, interdividuels envers les blancs. Tu sais, moi, je pense que tu peux le dire, ça. Tu peux dire oui, ok, il y a des, euh, euh, y a des euh, gens, euh. ils sont racistes, ils n'aiment pas les blancs. D'accord, mais c'est des actes interdividuels. Après, et le moi, racisme, que... c'est une question de pouvoir. Tu vois Non, mais c'est que tu peux oui, quand même le dire assez facilement mais oui, là je pense qu'elle est aussi déstabilisée mais après, sur la par la le truc mais sur la position de xénophobie c'est bien moi je trouve oui c'est pas mal elle, de elle dire a oui bien niqué, franchement. oui mais tu vois je comprends aussi par quel axe après à un moment un donné peu. si tu fais ouais, ça si tu bah fais si... ça bah surtout oui, bah oui bah moi sinon je suis pas d'accord tu concèdes à chaque chose Ouais non mais je suis d'accord avec toi tu concèdes surtout et t'as un golmon quoi Genre tu le vois, tu le vois, les gens dans le chat euh, qui sont fans de Maron Maréchal, ils sont d'accord. Oui, c'est vrai, Dani. Elle est nulle à chier, Mathilde pas T'as Raison, dis-le. C'est vraiment une merde, donc on comprend rien, tu vois. Genre c'est, tu vois, c'est. Ça reste assez... Non 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 non. Après, non, non, si, si, non, si, non. Non non si 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 si. C'est y a un racisme anti-blanc à gauche, je vais la terminer aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'elle réponde. Oui, y a un racisme anti-blanc à Maron Maréchal Le Pen. Tu peux pas changer okay. la définition des mots quand ça t'arrange Ok, au niveau inter-individuel, wow. peut y avoir des gens qui disent des conneries racistes qui concernent toutes les couleurs de peau, mais le racisme est d'abord un, un une question de pouvoir. Et les blancs ne sont pas ceux qui subissent, et là tu, tu déroules, le logement, le contrôle aux faciès, le machin, etc. Quoi. Elle veut mais pas avoir tout le monde raciste hein. envers les blancs. Si, c'est important sur, non, si, 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 si. sur cette expédition. Ah, a, Par a... contre, le fait de dire moi, vous ça avez inventé le terme et bien. tout, tout ça, c'est très bien. Le moi, fait qu'elle trouve, qu qu je les trouve que sa réponse ça... est bien, c'est que tu vois euh, les gens dans le chat de eh oui. genre En fait, le truc, c'est que le problème, c'est que si elle dit oui, il y a du racisme anti-blanc, comme euh, les deux bas de mulch et les racistes du chat, c'est dire et voilà, même la France insoumise le dit, donc il y a du racisme anti-blanc, etc. Alors que la bonne réponse, c'est dire non. Mais il y a des agressions envers des blancs. Une cinquantaine en France, quoi. Est-ce qui somme toutes et regrettable, très triste, mais c'est remettre les choses en perspective, quoi. Parce que sinon, si tu commences à rentrer là-dedans, en fait, tu donnes raison à tout. Moi, c'est là que je trouve oui, que je suis d'accord avec toi, mais en fait, je trouve qu'elle a, a, bon qu a eu le bon début. Je trouve qu'elle a eu le bon début de comment elle a amené le truc, mais qu'elle n'a pas eu vraiment le temps. Alors, elle est aussi sous pression, mais qu'elle n'a pas pu finir le raisonnement. Donc, ça, c'est quand même moins clair. Tu vois ce que je veux dire Et sur cette question-là. C'est un peu le petit truc tricky à la con sur laquelle très souvent. Les questions de racisme, vous êtes trop droite. nuls. Quoi Là, je lis le chat, les questions de racisme, vous êtes trop nuls. Pourquoi Tu oh. peux pas nier l'évidence. Alors bah Parce qu'ils sont en mode les blancs se font assassiner dans ce pays, gros. Pour ça, pourquoi Genre, c'est tout. Genre, ouais, tu vois, c'est ça, ça le C'est un Golemon, oui, mais on s'en de ce Golemon. Ah, gros, pas un Golemon non, mais là après là, je, moi je parle je parle de euh, la performance de Panou de toute façon je m'en fous de Par contre le 56 k il y en a sept fois plus ramener dire c'est un rapport aussi voilà c'est l'État par exemple sur qui cette violence s'exerce. tu parles du contrôle aux faciès tu parles des logements t'expliques que désolé mais les blancs ne subissent pas ça de la même façon tu vois en France tu peux montrer tu peux dérouler dire qu'il y a du racisme systémique que elle, elle essaye de faire un discours de guerre des civilisations. En plus sur Crépole, tu peux dire, attendez, on sait, cette Rix, elle n'est pas jugée, on ne sait pas encore si elle a vraiment une haine raciale. Il y a eu des, Tu peux dire, il y a eu des insultes racistes, puisque ça, ça a dit euh, le b word ça s'est traité de sale blanc, ça s'est traité de chiquita, il y a eu des... Tu vois, tu pourrais même dire, il y a eu des insultes sexistes dans l'eau, des, des insultes homophobes, tu vois, en vrai. Donc, euh, oui, ok, mais en attendant, c'est pas la guerre de civilisation que M. Zemmour présente, tu vois il y a moyen mmh, d'être clair et de le dire moi je trouve que là sur le racisme après probablement parce que l'autre a fait que parler que c'est insupportable et que elle est en mode ah putain il faut que j'explique ce truc très complexe et là où je suis d'accord aussi avec euh, une partie du chat c'est d'autant plus blanc, dur attends que tu attends. dis blanc quand tu dis b oh non 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 je parle du euh, ah, 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 vous savez quoi quoi pour parler mal des arabes sur les arabes ouais. oui voilà vous savez de quel terme je parle et euh... attends du coup je sais plus ce que je disais oui et là où par contre je suis un peu d'accord avec la gauche c'est que le problème aussi à cause de vous, les gauchistes, c'est que c'est vrai que si elle arrive et qu'elle dit oui, oui, d'accord, ok, ils ont insulté les blancs, c'était un peu raciste, il va y avoir 250 traites de prouveurs en mode Ah, Mathilde bah, Panot a dit que le racisme anti-blanc existait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça malin qu'elle dise xénophobe. Là, je suis d'accord avec rage je trouve ça malin qu'elle dise non, le racisme anti-blanc, c'est une invention de l'extrême droite, il est cautionné par aucun chercheur. Mais le problème de ça, et c'est ce que disait Wissam quand il répondait à Badmudge, le problème de ça, c'est que tu peux pas juste dire ça. Sinon tu fais juste acte moi j'ai compris et pas vous tu es obligé d'expliquer ce que toi t'entends par racisme pour le définir derrière ce qui est très dur ce qui est très tricky face à quelqu'un qui dit ah bah vous dites que le racisme anti-blanc n'existe pas c'est pour ça c'est très difficile bien d'avoir c'est pour ça que c'est bien d'avoir mille doigts elle-même sur les agressions de parce que t'es blanc c'est en fait le truc c'est qu'elle justement c'est pour ça que c'est bien d'avoir appuyé sur le chiffre de Oui, ça existe il y en a eu tant euh, des agressions des gens à partir de leur couleur, sur des blancs à partir on de leur 56. couleur. De peau. Il y a eu des agressions, elles existent, il y a un tel nombre. Et justement, pour moi, c'est. Il y en a, a sept fois plus pour les noirs, parfaite, y en a... encore plus pour les arabes. Non, mais c'est bien, ça je suis d'accord, tu vois. Mais avec Claude qui empêche de parler. Mais après, là aussi, il faut qu'on dise oui, qu'est-ce qui peut être améliorable et comment on peut s'en sortir dans des débats comme ça, même vous dans la vie, je veux dire, moi avec vos amis. Moi, je trouve que ça aurait été de redire il y a des agressions sur les blancs, mais il y en a sept fois plus sur les autres. C'est ça qu'il fallait redire plusieurs fois. Plusieurs ouais, fois, tu ouais, vois, plus ouais, que Et insister oui, là-dessus, je viens de vous le dire, je viens ça, de vous ça, répondre. Et alors, vous en battez les couilles de cela. Moi, c'est ça aussi, ce que je vois en effet qu'elle a de avec l'extrême droite, c'est que ils sont tout ça. le temps. En fait, c'est facile pour quelqu'un de gauche, on le sait parce qu'on le fait à chaque fois, que ce soit le meurtre de Thomas, que ce soit le meurtre de Lola, etc. Là, les espèces de. Tu vois, les exemples sur lesquels surjoue l'extrême droite, d'ailleurs parfois au détriment de leur propre famille, c'est qu'on en a tous un cœur, on est tous en mode, mais bien sûr que c'est horrible. Il y a un gamin qui est mort, ah ouais, l'autre fois c'est une gamine qui meurt. Je pense qu'à gauche, n'importe quel être humain de toute façon, même au-delà des couleurs politiques, est choqué par ce qui se passe, tu vois. Donc ça, tu peux le dire... Ouais. Alors que eux, ça leur arrache le cul de parler, par exemple, de la mort de Naël. Tu ça, vois, ça, Et ça. donc en fait, c'est ça, tu peux retourner, ça. mais moi j'en ai quelque chose à foutre. Mais du coup, est-ce que vous, vous en avez quelque chose à foutre de... Du fait qu'il y a cette fois plus de gens qui subissent du racisme quand on est noir, on peut se faire cette fois plus euh, subir un crime raciste. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de Naël Et là, tu peux renvoyer leur inhumanité, tu vois. Mais c'est très Moi, complexe, hein. ça. Je je pense pense là, c'est facile que à commenter, en réagit. C'est quand ça te parle dessus, <laughs> de ton argument massu, leur dire deux, trois fois, être sûr qu'il ait été compris, quoi. Moi, j'ai un argument massu, c'est qu'il y a un train de live, là. C'est pour te couper. Là. Incroyable. Est-ce que les gens n'hésitez pas à nous soutenir pendant le train de live, ça fait plaisir, on le dit, on va continuer le débat. Mais voilà. Vous pouvez le faire en, si vous pouvez le faire sans qu'on en parle pendant deux heures et qu'on interrompt tout. Merci, j'ai plaisir. oh Nég. Ouais ah bah voilà, Gouave bah, Nég là. On... <laughs> allez, oh, <laughs> allez, c'est Gouave Nég. Sans sans ça, qui débarque comme ça. Sans ça, sub allez, hop. les racistes, ouais. Oh, les, les racistes en brochette. Let's Gros, 4, go. 4,200 virgule sur 4500 ouais Ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais. Merci ouais, Bleuchoix. Ouais. Non, les gens, ça fait trop plaisir. Ouais. Profite encore une fois, 26 janvier. Soyez là. Zawashow, show. 26 janvier, 20h. Voilà, je sais, c'est dans plus d'un mois. Mais ça arrive vite là. On vous fera un teaser début janvier. En tout cas, moi, je pense que euh, dans le débat, euh, pour Merci, ma petite panneau, moi, je pense que quand elle se reverra, le premier angle qu'elle va avoir, c'est de redire des arguments sur des moments comme ça. Parce que je pense qu'il y a deux trucs qui jouent. Il y a le fait que elle veut pas rentrer dans l'énervement. Euh, parce qu'ils euh, savent que c'est ce qu'ils cherchent contre elle, mais que euh, des fois tu te rends pas compte, tu vois, genre sur le truc de il y a sept fois plus de Noirs et d'Arabes qui se sont fait agresser, l'argument elle l'a dit et c'était vraiment la bonne strate, mais elle se rend pas compte qu'à la télé on l'a pas forcément entendu, tu vois. Bah donc, oui. du coup, dans des moments comme ça où ça s'énerve, de juste dire non, non, bien sûr, il y en a qui se sont fait agresser, j'ai dit les chiffres, mais c'est sept fois plus à côté, donc faut tout regretter, genre il n'y a pas de problème, tu vois, et juste elle leur dit deux trois fois. Pour être sûr de avoir bien été entendu, en fait, ça crée une bonne situation, tu vois. Donc, comme angle d'amé####ration je pense qu'il y a ça, le truc de, de un peu marteler à des moments clés, tu vois. Et Merci ça veut dire Vincent, pas le faire vous. tout le temps, à tout répéter en boucle, mais des moments clés, le, le juste bien se faire comprendre et le dire plusieurs fois. Je pense que ça serait un bon et, truc. Et, et dérouler sans se laisser perturber. Alors, c'est très dur. Ouais, ouais ça c'est. Mais dérouler sans se laisser perturber. Après les trucs ça, là où ça, elle a été ça. bien c'est que a, moi je trouve la voix elle était bien c'est qu'à chaque fois elle disait mais vous me laissez pas parler elle l'a dit plusieurs fois ouais, ouais, aussi c'est parce qu'en fait sinon vous vous faites écraser dans la tête des gens ça. par contre si vous répétez plusieurs fois mais je puis... me laisse pas parler arrête tu me laisses pas parler arrête tu me laisses si pas parler je me par... laisse parler vous... non, une taille, ça je parle pas ah, à non, toi tu disais... ah, oui. mais tu, tu rends blague, ça visible voilà vous ouais. rendez ça visible <laughs> et en fait vous montrez que c'est pas que vous vous laissez pas faire c'est juste que votre adversaire il est injuste avec vous c'est intéressant ça aussi mais et aussi la strat du vieux de se moquer de la personne, tu vois, d'être là, en, de, de répéter moi quand ils arrêtaient pas de parler de dire mais je vous fais si peur que ça que vous avez besoin de parler en permanence par dessus moi, vous êtes tellement angoissé par tout ce que j'ai à dire, vous êtes tellement prise à défaut dans votre racisme et dans vos idées bancales que vous êtes obligé de me parler par dessus en permanence, tu vois, c'est tu sais, ça, c'est très le vieux, tu vois Genre, euh, genre, tu sais, quand ouais. il se moquait de Zemmour je sais plus ce qu'il lui avait dit. Mais là, mode... elle le fait un peu, je trouve. Elle, elle a avec des têtes, Elle a un peu des têtes en mode des petits sourires, des. Oui. Il y a. Ça, ça commence ça à venir, tu vois. Aussi. Et je me rappelle que le vieux, il avait été de fou là-dessus euh, contre Zemmour Je sais plus comment il l'avait dit, mais c'était un truc dans le style. C'est pas ce que vous parlez par-dessus moi que ça vous donnait raison. Euh, ça se voit que vous êtes prêt à défaut parce que vous, vous êtes, vous êtes perdu. Vous, êtes... enfin, tu vois, des, ouais. des trucs comme ça un peu, tu vois. Je suis sourd de l'essence, Vous détestez les handicapés. Oh, ça, ah oui, oui ça c'était très très bon verts. ça. Vous aimez, vous êtes toujours contre les handicapés. Vous, Ou euh, il vous en reste une bonne moitié qu'il avait dit à, oui, 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 à Le vous Pen. Me traitez de, vous, vous me traitez de semi-démente. Oui, ça vous laisse une bonne moitié. Voilà, oh. ah, ça, ça, ça c'est de la répartie. Bon après voilà, tout le monde n'est pas après, vieux. Après, elle faut elle pas être le vieux, mais je pense que, et même tu vois ça pour moi. Mais après, je sais pas quelles sont les conditions de média training de la France insoumise nous on a des services à pas cher à leur proposer s'ils veulent il y a pas de problème ils nous appellent euh, ouais, euh, mais il y a aussi un truc consulting de consulting ah oui consulting média training pour un peu ridiculiser des gens euh, nous on n'est pas cher vraiment euh, moins cher ouais, que surras qui est expert en débat et on a fait des centaines ah oh bah oui j'ai sur ma vie à internet j'ai passé <laughs> ma vie à débattre non mais non mais blague à part le truc de euh, des situations comme ça de prévoir euh, Merci, des réponses Antifa. Et, et c'est à ça que servent aussi les éléments de langage, parce qu'en fait, la France insoumise, ils ont beaucoup d'éléments de langage de fond. Tu vois, le truc faire France de tout bois, euh, la France, son histoire, c'est oh, un pays d'immigration. En fait, il y a des éléments de langage de fond à la France insoumise très présents, mais il manque d'éléments de langage euh, de pure rhétorique et de réponse à des situations, tu vois d'éléments de langage dans le cas de quelqu'un qui fait que de parler par-dessus euh, d'éléments de langage pour terminer quelqu'un tu vois des trucs tu vois des trucs préparés par exemple il y en a un, le truc euh, du mec euh, qui est pote avec eux qui a décapité quelqu'un ce genre de truc là tu vois faut les accumuler tu vois et réussir à prévoir regarder des débats réussir à prévoir, et trouver lister et je pense qu'ils le font un minimum tu vois mais pour moi il en faut plus de pour ridiculiser la en fait je trouve qu'il faut qu'il soit un peu plus cynique ça veut dire que c'est aussi un défaut de la gauche c'est qu'on aborde les débats avec de la on vraie honnêteté intellectuelle aussi, hein. on, ouais. déjà on débat pas assez et on, oui, on, on débat il ça va y a suffire qu'on va avoir et, et les l'honnêteté de côté ce qui est vrai Il mais... faut, faut 90% d'honnêteté intellectuelle euh, comme comme euh, comme elle a et rajouter dedans des, des outils rhétoriques pour contrer euh, les trucs qu'utilisent tout bah, le temps les de registre tu vois. Et merci Jean pour son live, ça fait trop plaisir niveau 10, vous régaler. C'est euh, ça, c'est ça, ça, les gens. Mais oh, il faut changer de registre. En fait, aussi, il faut s'adapter à son adversaire. C'est-à-dire que si vous débattez, quelqu'un de bonne foi, soit de bonne foi. Moi, à chaque fois que j'ai débattu dans ma vie avec des gens de bonne foi, j'ai été de bonne foi. J'écoute les gens, je les laisse parler, puis après, ils me laissent parler, on, on débat et c'est sympa. Mais quand vous êtes avec quelqu'un de mauvaise foi, vous pouvez passer dans des registres du coup de la mauvaise foi aussi. Vous avez le droit de jouer avec ses règles et de l'attaquer avec de la moquerie, avec du machin. Alors après, du coup, ça demande d'autres compétences. Il faut de la répartie, il euh, faut justement trouver comment pas paraître lourd tout en se défendant. C'est pour ça que la ligne n'est pas évidente. Voilà, c'est très complexe. Hein. Et puis le débat, quand vous faites hurler dessus les gens, ça vous déstabilise et pour puis, de vrai. Hein. Et aussi, il faut vraiment voir qu'on ne se rend pas compte de l'effet à la télé et que je pense que c'est important de se voir. Tu vois, genre là, là, ça se voit que sur la situation. Elle avait la bonne réponse et que juste ce qui manquait, c'est qu'elle s'est fait couvrir la voix quand elle a dit c'est sept fois plus. Bien sûr ah qu'il y, ouais. y a des. Tu vois, tu sens que juste euh, avec, tu vois, le, de, de savoir que ça n'a pas été entendu, ça lui aurait permis de se orienter. Et ça, c'est une question d'expérience, tu vois, de sentir les moments où il faut en rajouter un peu et tout. Et ça, c'est avec la pratique que ça vient, quoi. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai refusé à ce moment-là de participer à la manœuvre de Vous diversion. avez refusé de Oui, à la manœuvre de diversion qui consiste qu aujourd'hui expliquer et venant de Madame Panot, de la LFI, que dix jours après le meurtre de Thomas, le seul sujet qui existait en France, c'était pas les racailles qui avaient sévi et qui avaient tué un jeune homme de 17 ans, c'était la menace soi-disant de l'ultra-droite. Et donc oui, je maintiens aujourd'hui bah... la menace de l'ultra-droite dans notre pays, elle est dérisoire. Les Français, quand ils sortent dans la rue, Madame Panot, n'ont pas peur de se faire violer, agresser, ou tuer, ou euh, égorger euh, par lultra dire, ah, il y a eu il suffit de voir Lyon. De un exemple caricatural Lyon et pas seulement. Hein. Il suffit de voir justement euh, ce qui s'est passé. Quoi. Bien sûr qu'il euh, y, y a des violences ailleurs, mais il y a aussi des violences des ministres d'extrême droite qui font flipper pas mal de gens. Et, euh... et notamment, et c'est là qu'il faut qu'ils disent oui, Mélenchon, il, a, il y a juste des gens qui ont été condamnés à la prison pour Mélenchon. J'espère qu'elle va dire ça. Non, même les là, stades d'attentat, c'est connu là les trucs de ah la oui, DGSI. Les a... mais oui, les, les, le les, fait que l'extrême droite a préparé énormément d'attentats en France, on en a des joueurs paquet. Là, j'espère qu'elle va répondre ça. Là, Mathilde Panot, c'est le premier truc qu'elle va dire. Donc la menace, elle est là et elle n'est que là. Maintenant, la violence politique, elle est inacceptable. Ah, la fois, Et je suis content de vous l'entendre dire, Madame Panot, parce que je vous le rappelle tout à l'heure, quand il s'agit d'aller vous avec vos élus à Sainte-Soline dans des manifestations ultra-violentes, ultra-violentes qui finissent avec 28 gendarmes blessés, là, ça vous dérange pas la violence politique. d'ailleurs vous n'avez jamais un mot quand l'ensemble des militants d'extrême gauche dans ce pays intimide. Euh, euh, ou attaque des manifestations euh, euh, ou des rassemblements politiques. Donc moi j'ai pas d'ambiguïté là-dessus. De toute façon, la violence politique est insupportable et toutes les violences sont insupportables. Alors, Mme Alors, madame bon, Maréchal, oui, je vous le dis voilà. et, je, et je le ah, redis, je le vous redis, madame Panot. Parce que je sais que c'est votre obsession. Ah, de -droite. Je, voilà, elle a dit. je maintiens encore ce soir <laughs> que, évidemment, ça n'est pas la menace prioritaire <laughs> en France, très loin de là, et que cette menace, elle est dérisoire. Voilà, c'est ça, la réalité. Mariam dit menace de, de droite, droite dérisoire. Qu'est-ce que vous répondez à cela Le vieux. De... Oui, alors là, en plus, la ah, Si là, Elle y va, c'est bon, elle y va Français, ouais, Elle y La menace, la deuxième menace dans notre pays, qui est en train d'augmenter fortement, et notamment la violence qui vient de l'extrême droite. On l'a vu notamment à Saint-Brévin, avec un maire qui a vu des gens se faire incendier. On l'a vu à Grabel. On connaît avec pas on, on l'origine de cet incendie-mère. Attaqué en. Avec... Ah ah, la tente d'un coup. Ah ah ah, 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 ah elle baisse ah, ah, les, ah, ah, les yeux. Ah, ah. d'un coup. Euh, amis des arabes dans les mots euh, des deux agresseurs qui les faisaient, mais vous avez dit des choses intéressantes. Vous avez dit non, a eu fait, jamais dit aucun, aucun attentat d'extrême droite. Alors je vous rappellerai... Non mais si elle a raison de sortir des chiffres, elle y va. Mélenchon. Il va dit ça de deux exemples en, 12... oui, exemple en 30 ans... Non, mais je vous la... Deux exemples en 30 ans, non mais c'est là où tu vois aussi... Non mais c'est là où tu vois l'extrême droite que ça parle de terrorisme, de violence et tout, mais vas-y, il y a une violence qu'ils ne veulent pas voir. Genre, ah c'est là où tu vois qu'ils en ont rien à foutre. 12 projets d'attentats euh, d'extrême oui, droite qui ont Panne. été déjoués. Qu'il y avait euh, quelqu'un qui s'appelle Logan Nizan qui s'est fait condamner Madame à 9 Panneau. ans de prison Madame ferme Panneau. pour avoir fait vous une allez... tentative d'attentat si contre Jean-Luc. Ah voilà, voilà, ah, là, voilà, voilà. Allez, vous voyez voilà, ce voilà, visage voilà, là voilà, voilà, voilà. Elle est nulle, vraiment. Oh, Mélenchon a plusieurs mosquées qui étaient d'ailleurs formées à la. Mélenchon l'a dit T'es trop content Mosquée, Mélenchon, il est mosquée. Comme par hasard Tiens, let's go ...action française où vous aviez, euh, à plusieurs reprises, fait Madame des colloques euh, avec cette même action française, qu'il y a eu des morts, je pense évidemment à Clément Méric, je pense aussi au Mal argentin Frédérico Aramburu, il y a eu des attaques au vous couteau, peut-être le connaissez-vous euh, euh, Non, Adrien Rabeau, ah, si, si, peut-être le ouais, connaissez-vous Elle n'est pas bien, il a, mais, si ouais, là, elle n'est pas bien. Vous avez vu là, elle est en mode, non mais Ah là, elle n'est pas bien là, aïe 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 on, de... On parle d'attentats devenant de groupes politiques pour des motifs oui, politiques français. Excusez-moi de vous dire que vous allez la même comme il pas parce du petit vous, que vous, allez, vous allez tirer... Oui. Les amis de votre grand vous allez tirer de sur 50... Allez, allez, voilà, voilà. Euh, non, mais c'est des trucs pour des raisons politiques. Ah, en plus, t'as euh... ton grand-père dans ah, le... bon, est elle est finale, là, là Sur ce moment-là, elle est finito. dans quatre exemples. Moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'une menace systémique qui maintenant tous les mois dans notre pays aboutit à des morts et à des agressions encore en septembre dernier avec Dominique Bernard et un dentat sous la Tour Eiffel. On est dans un pays, excusez-moi quand même de vous le dire, où euh, vos collègues, confrères de l'AFP l'ont rappelé le 30 novembre dernier. Il y a aujourd'hui, pour ne vous citer que cet exemple, six hommes dont la plupart sont fichés S parce que ça aussi c'est un vrai sujet et ça m'intéresserait de vous entendre euh, là-dessus sur vos solutions concernant les fichés s islamistes dans notre pays avaient prévu et ont été fort heureusement euh, arrêtés à temps avaient prévu euh, de, de s'attaquer à un village rural en une nuit et de massacrer l'intégralité des habitants. Heureusement, ils ont été attrapés à travers les écoutes. Oui, coup, bah comme. Ça, oui, menace. tant mieux qu'ils étaient attrapés, comme les gars d'extrême droite qui sont régulièrement attrapés avec des guns et des projets d'attentats. Je... Oui. oui. Non, oui, mais il y a que les fichesses euh... islamistes, les fichiers oui, bah, extrême droite. Ça, les autres, c'est la. On les laisse tranquilles. Je... C'est ça que j'entends moi. Du coup, je suis en je mode. C'est ces gens-là qui veulent me bah protéger oui. du terrorisme. En fait, c'est ça aussi. C'est genre, si tu es sincèrement angoissé du terrorisme, la solution c'est clairement pas reconquête. C'est clairement ah bon, des malades clair. mentaux qui disent il y a des terroristes oui, qui, sont, euh, qui sont qui cool quoi. Oui et rappelle que l'extrême droite vend des armes aux islamistes en plus hein. Terroristes non, islamistes dire... c'est l'extrême droite qui leur vend leurs gun hein donc bon. Je vais pas dire que je vous entends avec une certaine saveur parce que honnêtement je trouve ça incroyable vous qui Madame Panot avez refusé refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste cette organisation qui a ciblé volontairement des civils et des enfants qui a violé des femmes qui a craché sur des cadavres. Et voilà le nouveau changement de sujet tu vois. Ah là, vraiment... ça, là, elle a senti que la séquence n'était pas pour elle, du coup, elle part ouais, sur ouais, le raccourci là. là. Elle s'est dit, oula, Caron oula, en... je, vais quand même, je vais pas oh, commencer elle a à, à la pris un coup. champignon dans ma carte là. Des enfants dont <laughs> le fondateur depuis le Qatar a appelé au djihad qui s'est conclu en France. Le djihad, Le Rabas. Bernard qui a été assassiné par un islamiste. Cette même organisation dont quatre membres présumés en Allemagne et aux Pays-Bas cette semaine ont été atterrés, at arrêtés pardon, parce qu'ils euh, fomentaient un attentat contre des institutions juives en Europe. Et ça pour vous, ce n'est pas du terrorisme. Et après, vous allez me parler de... Ouais, gens... tout mélanger. Connais... Hein. Vous avez vu comment on mélange tout Un euh... morceau de Hamas, un morceau d'un prof assassiné, un morceau d'un attentat déjoué. Tout est euh, le même paquet. Il n'y a fou. plus de contexte. Par exemple, le Hamas, c'est un autre contexte politique et là qu celui que celui de la vois France que... déjà. Là, ça, pourquoi c'est efficace Parce qu'il euh, y a eu une propagande médiatique très large sur le sujet et pas que contre euh, la France insoumise, tu vois. Par contre, tout le monde. Et c'est là aussi la vraie responsabilité médiatique de légitimation euh, de ce genre de, de truc que l'extrême droite va te ressortir. Bah, c'est là que tu vois leurs effets. Bah oui. C'est que le, le discours est permis par toute cette propagande qu'on a eue depuis deux mois quoi. mais ça crée un ennemi commun facile c'est tu dis regardez les arabes ça, partout ça, dans ça, le ça, monde ils font n'importe quoi mais en fait c'est comme si je disais regardez les blancs aux États-Unis ils ont violé des gosses ils ont balancé des missiles en Europe il euh, y a Polanski il y a Matnef. en match c'est c'est comme si je faisais ça quoi genre un espèce oui, de lien de fou, et puis alors et puis en Suède, tu il y prends, y a des machins qui a tué tant de gens tu sais au fait au bout moment, qui tu peux oui, prendre voilà. les les mecs de l'extrême droite États et écoute, je suis là bah voilà les blancs en fait, Hitler est était ça, blanc oui, en est plus ça, de ça c'est ça c'est ça ça <laughs> tu oui, voilà, ouais, euh, ça. sais ça, ça marche pas tout le monde sera en mode oui euh, non arrête tu vois genre c'est pas que ça mais sauf qu'en fait eux ils c'est ce qu'ils font avec les arabes quoi l'islam islamiste hop le hamas un coup de truc un coup de machin un coup de ce qui s'est passé là et hop et comme ça, ça crée l'espèce de parano Quelle quoi. Quelle connerie de débattre avec l'extrême droite. <laughs> et même pas. Donc jamais entendu parler ça. Avant que Mathilde Panot et... débatte avec Marion Maréchal là, il, y avait il y avait pas o... d'extrême droite à toi. la télé. Exemple, ah, ah, c'est vrai que c'est la première fois qu'on en voit à la télé là, depuis euh, genre une dizaine d'années. Les seules fois où j'ai vu l'extrême droite s'exprimer, c'est parce que la France Insoumise allait débattre avec eux. Sinon, tout le reste du temps, on les laisse pas parler. quoi. Vraiment, euh, c'est terrible. Excusez-moi, Madame Panot, mais vraiment, vous êtes mal placée, me semble-t-il, aujourd'hui, pour faire des leçons de ce point de vue-là. Euh, Réponse que... sur donc. On est passé dit, de la question. Oui, avait... ah oui, lui, il est en mode. Ouais, bon, alors attends, on a encore changé de sujet. On est passé de, on est est passé de... Toujours de la pas question. pas une organisation terroriste, le Hamas. Je parle la langue des droits internationaux, Madame, et j'en suis fière. Je parle la langue de l'ONU. J'ai choisi, je maîtrise 72 langages. Et j'ai choisi de parler, de parler les faits. faits. Je parle <laughs> la langue de l'ONU. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça Je parle <laughs> la langue du droit international. Par la langue d'Amnesty International. Vous appelez des embusies juridiques C'est par intéressant parce madame. que vous <laughs> qui soutenez inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélien de M. Netanyahou. Je jamais dit que je soutenais inconditionnellement oui. le moindre gouvernement. Oui. Pas plus israélien alors, M. Netanyahou, que vous soutenez dans euh, ce ah qui est en train de devenir un cimetière ah à Gaza avec déjà plus de 18 000 vous êtes personnes. Tellement mal et je voudrais avoir vous êtes une tellement maladie. À... Ouah, dis ça alors qu'elle a baissé les yeux. Aïe, 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 on prête ses missions aux autres. En oui, vous là, allez en fait. me rendre responsable peut-être de ce qui se passe en Israël aussi tant qu'à faire. Non, pas, mais, oui. je... mais c'est ce que ah tu vois c'est ce qu'elle faisait à l'instant de ah, la rendre ah, responsable ah, de ce qui se passait avec le Hamas. Les hein. autres, ah, ah. Ouais. Vous vous responsable de vos euh, de vos mais positions pas, bon, internationales. C'est du terrorisme comme vos le du Hamas. Non, ça la mort de Dominique Bernal, Bernal en droit international des crimes ah, de guerre. D'accord, mais... ok. S'il si je je vous plaît, Mario Maréchal. Et, et, et par ailleurs, avant qu'on qu parte sur les questions de vie quotidienne des Français, on était le sujet. Ah oui. Inter... Voilà, merci. Bah, ils ont déjà passé deux minutes en plus sur le racisme. en hein. Bref. Oui, bah bien sûr. Hein, enfin, deux minutes, minutes quatre, c est c est du coup, vu que international oui, oui. est très intéressant. Le fait est qu'on a dû faire des choix et qu'il n'est pas abordé. La question était sur le terrorisme islamiste. On est passé de l'ultra droite au terrorisme. Trop bien. On a dû faire des choix. Il y a tellement de sujets autour de l'islam. Le sujet, n'était pas... L'islam parlait que monde, de racisme. Mais, mais on pas mis d'accord... Le terrorisme islamiste en France, uniquement, s'il vous plaît. Oh, C'est la télé, gros. La télé... Vraiment, à chaque fois que je regarde ah ouais, la télé, j'ai envie de m'arracher un oeil, tu vois. Marion Maréchal, fichesses? par exemple, propose une rétention préventive des fiches les plus dangereux. Là-dessus, Mathilde Panot, quel est votre regard Et on passera dans un instant aux questions d'inflation de pouvoir d'achat et d'école. Laisse-traîner le chrono. Oui, oui, à chaque fois, il y a une seconde en plus. C'est marrant. Il, il gratte un peu comme ça. Je vais vous dire euh, ce que cherchent les terroristes dans ce pays. Que cherchent-ils ceux qui commettent des actes terroristes cherchent à détruire notre démocratie et à détruire notre état de droit. Et moi, je ne suis pas d'accord, madame Maréchal Le Pen, pour que vous aussi, vous continuez à détruire l'état de droit. Dans oui, l'état de droit oui, et nous dans nous la République, nous avons la possibilité de frapper fort celles et ceux, non seulement qui essayent de faire des attentats, comme vos amis d'extrême droite, mais ah aussi euh, les, 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 les djihadistes. Je rappelle que dans le monde, 80% des victimes des djihadistes sont des musulmans, contrairement à vos ah fantasmes sur, je, sur cette question. Et que nous... Qu on fait, hein. Nous, puisque euh, cette question revient pas bien, là. régulièrement, euh, nous, nous sommes pas du côté de et ceux euh... qui luttent concrètement contre les djihadistes. Notamment, mon premier voyage était au Rojava, aux côtés des Kurdes. Et donc, Mathilde Panot, sur très cette lourd, question donc. de la protection des Français euh, face aux fichiers S, eh dont radicalisés. La protection radicalisés. des Français, elle passe d'abord, donner plus de moyens au renseignement humain, parce que là, vous avez une masse de gens qu'ils doivent surveiller. On leur demande ah bah de plus surveiller, a, plus notamment gros, plus des, 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 des militants écologistes sûr. et autres. Oui, puis les 1300 fichés S oui. de vos amis d'extrême droite et euh, et aussi. Sanou, Donc, voilà, voilà, voilà. On a pas <laughs> que des islamistes. Il faut d'abord donner des moyen de... moyens humains au renseignement. Ensuite, il, il faut faire en sorte euh, que euh, on puisse respecter l'État de droit, et notamment pour respecter l'État de droit, il faut donner des moyens à la justice, parce que la justice est aujourd'hui complètement clochardisée, je reprends euh, les mots euh, des magistrats euh, notamment, et que s'il n'y a pas ces services publics pour faire en sorte qu'on respecte cet État de droit, eh bien nous n'y arriverons pas. Donc, nous avons d'ores et déjà les moyens gros, de punir on sévèrement. Et donc, on crie non, on ne laisse l pas rentrer, je n'ai jamais dit qu'on laissait les rentrer, j'ai dit qu'on accueillait dignement celles et ceux qui étaient là. Là, elle est bien, franchement, elle est bien. là Et là, en plus, on arrive sur les sujets la vie chère, on arrive sur nos sujets à nous, la gauche. Enfin bon. Alors, il veut peut-être relancer une question. Bah, de toute façon, comme d'hab, t'as beaucoup moins de temps sur les, sujets de la... sur les sujets de gauche que le reste. Mais bon, ça Donc on va voir ce qui va se passer. On le savait plus déjà. Ah, elle va parler. Plus vous serez Je confrontés de ça. fait. Ou... Vous avez vu comme elle est nulle. Enfin, désolé. Mais là, en vrai de vrai, elle a bien répondu. On va punir les djihadistes cas, et les débiles d'extrême droite. Et là, euh, euh, vous voulez rentrer les. Rentrez, les, les, les euh, plus d'argument en fait. Euh, de, fou, de moyens de fou, de fou. De, à la fois des renseignements et l'embolie de la justice. Ça me paraît ah, être oui. une évidence. Donc, peut-être que la meilleure solution, ce serait d'abord de mieux contrôler les frontières pour ne pas avoir à se retrouver dans la situation bah, actuelle. Euh, regardez. C'est tellement. Tout n'est que ça. Il n'y a rien dans leur programme à part est la faute des immigrés, quoi. Madame Mélanie n'arrive pas On à contrôler les mais frontières, c'est complètement Mme... irréaliste ce que vous pourquoi êtes vous, en train de dire. Pourquoi vous me parlez de Madame Mélanie C'est votre allié au niveau européen. Mais Madame Mélanie, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'elle dit, Madame Mélanie Ça devrait mm -hmm. vous plaire. Enfin non, ça ne devrait pas vous plaire, d'ailleurs, parce que vous, en l'occurrence, vous êtes pour l'immigration clandestine et, et la régularisation de l'ensemble des clandestins euh, sur le sol un français. Donc Mélanie, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « elle dit, Je suis pour euh, un traitement imparable » Euh, et implacable pardon de l'immigration euh, clandestine et à côté de ça euh, j'accueille un certain nombre euh, d'immigrés de, travail, de, de travail dans son pays. Pas tout à moi, fait dire, mais... moi je vais vous dire ce n'est pas ce que je souhaite pour la France. <laughs> je considère aujourd'hui et ouais. je pense que ça n'est pas la position de Madame Panot qu'aujourd'hui il faut arrêter avec cet euh, argument des métiers en tension que ça fait 40 ans qu'on appelle euh, à l'immigration y compris clandestine pour les métiers en tension et ça fait 40 ans que ces métiers sont toujours en tension. Donc moi je ne suis pas d'accord. C'est bien Pascala Pascal, brode dans le vide sur du hors sujet c'est très bien. Avec cette vision des choses et je considère ouais, que même aujourd'hui l'immigration de travail doit être beaucoup plus réduite et que c'est d'abord les Français qu'on doit Remettre au travail les 5 millions de chômeurs, Et les bien. 3 millions de jeunes sans allez, activité, c'est ça notre priorité. Mesdames, euh, vous voyez à l'écran les euh, temps de parole, vous êtes à peu près à égalité. À, à 15 secondes près, je voudrais qu'on aborde euh, la question de la. Vie. Ah, voilà, bah, trop bien, il reste 12 minutes. <laughs> c'est ouais, ouais, 25 secondes près, mais c'est pas Et grave. Et notamment, euh, nous sommes à pile une semaine de Noël, l'inflation a un peu ralenti au mois de novembre, mais la situation reste très, très difficile. Hein. 83% des Français déclarent que l'inflation aura un impact sur leur course de Noël, 30% des 18-34 ans ah, voilà. de ne pas fêter Noël par manque d'argent. Euh, Mathilde Palot. Ah la preuve qu'il y a tellement de musulmans dans ce pays. <laughs> 30% des Français qui fêtent pas Noël. Voilà, le grand remplacement, il est là. <laughs> Quelle est la solution Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous dites aux Français ce soir qui se serrent la ceinture au moment où ils doivent faire leur course de Noël ou, ou leur course pour les repas, les repas des fêtes Alors, la, la France est devenue, sous Emmanuel Macron, un océan de malheur. Il y a un chiffre qui, moi, m'a particulièrement tordu le ventre dans, dans le sondage IFOP. C'est les 20% de Français qui risquent de se retrouver seuls au fêtes de fin d'année, notamment parce que les oh, est sont trop chers, notamment ah. parce que le train lui aussi est trop cher et donc qui. C'est pour, pour Dany grand... ouais, Moi c'était juste le train, <laughs> frère. la solitude. Oui, après euh, toi tu pourrais prendre le train, il n'y aurait rien, pas où, où, manière, y rien au bout. Quoi. <laughs> et sinon tu prends le train, tu t'arrêtes à une gare, bon, tu reviens quoi. <laughs> <Ouais, bon, rire> wow. j'ai pu prendre le train, j'ai personne <laughs> ouais, à, à voir. Hein. Ah, surtout le train en pleine période de Noël, il ne doit pas être cher là c'est Jamais la France euh, qui a faim <laughs> euh, Le nombre d'enfants qui sont à la rue Qui ont euh, explosé Vous êtes non seulement madame Maréchal Le Pen Une ultra ultra raciste mais aussi une ultra libérale Puisque oh. vous refusez comme les macronistes Donc, a... Mais en fait j'aime bien Elle a pas dit raciste depuis le début Mais elle lui a dit ultra raciste <rire> allez, <rire> allez hop c'est emballé C'est pesé En télésalaires vous refusez de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, vous refusez euh, de rétablir de, de faire une taxe sur les super profits, vous euh, refusez euh, le blocage Allez. des prix. Or, qu'est ce que dit par exemple le FMI? Il n'est pas une organisation insoumise. Le FMI dit que la hausse des prix se nourrit de l'augmentation des profits. Et donc, il faut impérativement, c'est ce qu'on avait porté dans notre niche parlementaire, encadrer les marges à la fois des raffineurs, des distributeurs, de l'industrie agroalimentaire et mettre des prix planchers, parce que là aussi, il faut les protéger pour les agriculteurs pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Bref, tout ce dont nous ne voulez, vous ne voulez pas, puisque vous, votre. Là, en plus, déjà que d'habitude, la FI, même par rapport aux RN, ils peuvent leur sortir des trucs comme ça. Mais là, face à ah, Reconquête, bah là, ça... ah, oui, oui. immense partie de bourgeois hyper libéral, oui, ultra-voté. Oui, Rappelle hein, que de les de gens fou. qui votent Reconquête, ce n'est pas ceux qui votent RN. Hein. Le vote ouvrier est plutôt. Enfin, une partie du vote ouvrier est RN, mais euh, c'est le 16e hein, euh, qui vote euh, Zemmour. Hein. C'est vraiment ah, les bien sûr. bourgeois, puis... racistes, fin de race. Et puis surtout, là, tu vois la différence c'est qu'elle euh, a été dans une posture d'hurler par-dessus en permanence. Et dès que ça parle de la question sociale, ça a arrêté de parler. Gros, c'est tellement choquant. C'est là aussi qu'ils s'aliènent tellement de gens, euh, reconquête, tu vois. C'est que sur euh, le point social, ils ont rien à dire. Ils sont éclatés. Et je, mets, je suis prêt à parier qu'elle va réussir à reparler d'immigration. Je suis persuadé que sur la question sociale, elle va redire sur l'inflation. Je suis sûr qu'elle va redire les immigrés d'une manière ou d'une autre programme économique, c'est perdre Macron mais en pire. J'ai pas un programme économique Donc, euh, communiste, oh, oh. je vous le je vous le confirme. On essaie de la... prendre dans la... Ah là, en... là là, allez voilà, le communisme. Hein. Et là vous voyez, c'est là où, par contre, désolé mais genre même des gens un peu euh, RN qui vont dire à Marion Maréchal, elle est jolie. Là les gens là, ils sont en train de souffrir devant leur télé, ils peuvent pas voir leurs petits-enfants, qui peuvent pas venir le train, il est trop cher, machin. Tu vois Et là et là ils entendent ça alors qu'à 18 il faudrait augmenter les prix. Je vous dis pas que ça va les rendre profit, hein, ça va les prendre pro, pro RN, hein. mais, euh, euh, mais vous non, voyez mais... bien quand même, quand même que là, genre euh, c'est scandaleux, quoi, d'en avoir à ce point rien à foutre et d'être juste sale les immigrés, les immigrés, les immigrés, fiches. Euh, vous répondez à Mathilde Panot qui dit notamment parmi les propositions de la France Insoumise, il y a le blocage des prix. Est-ce que ça, c'est Oui, une, je, prends, je prends juste un tout petit peu de hauteur, si vous permettez, parce que, oui, en effet, en euh, vous, vous Panos, avez oui. raison, et je suis euh, évidemment extrêmement attentive à la situation de nombreux Français, de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui sont dans une situation de précarité tout à fait. Terrible parce que notre pays est dans une situation économique terrible, c'est vrai. Rappelons-le aux 3 000 milliards de dettes, c'est un pays qui est un enfer fiscal. Plus de Pourquoi elle est arrivée sur l'enfer fiscal Elle a dit Ouais, ça y il y a des impôts mais on paye trop d'impôts. les charges, ouais je Non, mais l'indécent ça a dit Oui, c'est vrai. mais là, là-dessus, ils ont 20 ans de retard. Non, mais là, je pense que c'est même pas du 20 ans de retard. Ils sont déconnectés, c'est la bourgeoisie. Mais tu te rappelles quand ça avait pas. De Zemmour, euh, de la précarité étudiante, et il avait répondu pas de frais de notaire sur le premier achat de logement. <laughs> oui, c'est pour moi ça, a dit tout. Oui, euh, oui donc il y a des étudiants, ils n'arrivent pas à manger tous les jours. Bah, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'ils ne vont pas payer le notaire pour quand ils vont acheter leur <laughs> oui. premier logement. Et les gens étaient en mode Mais oui, c'est hein le. On dirait, que c'est la séquence qui a tourné, moi que j'ai une vidéo adorable, hein, mais tu du, du fils de Carlito. Qui répond, euh, ouais, un salaire moyen c'est 5000 euros, tu vois. Et t'as Carlito oui, qui oui. se marre et euh, qui est en mode Non voilà, bon, attends, t'es un peu dans le privilège, tu te compte. rends pas compte. Oui, mais il a 10 ans, ça. donc comme t'as 10 ans, je trouve que c'est adorable, tu vois. Il est né, il est né oui, avec mais de l'argent, tant mieux pour lui. Mais par oui. contre, quand t'es Zemmour avec t'as 70 10 ans, je sais pas combien là. Oui, Calme-toi, frère. De fou, de fou, de fou, Genre euh, C'est dire s'ils sont déconnectés. 1000 milliards de prélèvements sociaux, un taux d'inactivité extrêmement élevé, une baisse de la productivité, un déficit de la balance commerciale. Et moi, ce que je crois, c'est que si nous en sommes là aujourd'hui, euh, avec en parallèle des services publics de plus en plus dégradés, c'est justement parce que euh, vous et vos amis, Madame Panot, euh, eh depuis euh, des années, immigration. Euh, et notamment depuis François Mitterrand, eh ont détruit, la valeur euh, travail parce qu'ils ont appauvri ah, les classes moyennes là, en voulant pas clair. les taxer euh, toujours plus parce qu'ils ont défendu euh, les 35 heures, euh, la retraite à 60 ans, euh, ouais, ben euh, le super. RMI, parce qu'ils ont voulu toujours plus d'immigration. Vous avez a compris, il y a Il y toujours plus d'immigration. Elle l'a dit. Mais gros, il y a de ah, l'inflation oh, parce qu'il y avait la retraite à 60 ans, mais là il n'y a plus la retraite à 60 ans et pourtant bah, les gens ah, ils ont encore plus qu'avant. Là Vous êtes mais sûr que c'est pas le libéralisme macroniste c'est non mais là c'est là c'est éclaté au oh. sol là c'est coûte près de 5... cinquante 000... elle est éclatée sur le et vous êtes ah trop forte elle l'a plié en deux waouh wow, ouais, vraiment ils ont été gaslight ils ont été gaslight par Twitter par euh, les droitards qui Quoi que disent un raciste à la télé et les gauchistes qui sont en mode on avait raison dès le vrai début vrai on la colle si et hey, c'était périlleux alors elle a pu s'éclater on la colle dès le début hein. ah oui, oui de fou de fou comme d'hab Dani raison Toujours oui, raison. milliard oui, de 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 <laughs> d'euros net euh, chaque année. Et donc moi, je m'inscris évidemment en faux avec cette... Qui a dit ça à un moment Ils sont dans cette pièce avec nous. Alors, tu vas voir le début de la VOD, mon ref. Il y a tout le chat qui est comme ça. Quand je dis tout le chat, c'est 100% du chat. <laughs> et je considère que le pouvoir d'achat des Français, avant de distribuer des chèques ou de bloquer des prix, avec toutes les conséquences que ça a évidemment sur euh, les marchés, d'autres s'y sont essayés en Europe, euh, notamment euh, en Hongrie, et avec des conséquences euh, relativement déplorables. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le pouvoir d'achat des Français, c'est d'abord l'argent que l'État ne vous prend pas. Je l'ai dit euh, au début de cette introduction, c'est un enfer fiscal. Donc moi, la première chose que de Ah non, le pou... eh, ça, c'est ton pouvoir d'achat, toi. Toi, si tu as t'angoisse de donner un... Peu... De tes thunes et ton immense fortune de ta dynastie familiale donc culé là, on a ah pris ouais. du pognon à toute la France. En Ils plus, ont vécu du racisme, gros. Elle a été full business en mode France-Afrique en plus, Marion. Ben oui, elle a eu du full racisme business gens, en Afrique et tout. Genre, c'est vraiment les impérialistes, colons, racistes. Leur parti a détourné combien d'argent à l'Union européenne, de la France, de machin. Ça vient ouais, donner de des, fou, des de leçons de oh non, mais en fait. C'est à cause du fait que vous avez la retraite à 60 ans et les 35 heures que maintenant vous êtes pauvre. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie Faire l'État, selon moi, euh, c'est d'abord de faire en sorte que l'État prenne moins sur les salaires et donc de baisser les charges aujourd'hui qui se trouvent sur les salaires, de faire en sorte que le brut et le net se rapprochent, notamment par une baisse de la CSG pour les salaires euh, du SMIC jusqu'à 2000 euros et également pour euh, les petites retraites. Mais pour cela, euh, eh bien, il faut que l'État fasse un certain nombre d'économies et ça, de ce point de vue-là, on ne sera vraisemblablement pas d'accord, notamment sur euh, les dépenses sociales, puisque aujourd'hui, les dépenses ah bah oui, sociales bah dans notre pays, c'est 33% du PIB. T'as vu, elle est pas bien, elle se recoiffe et tout, tu sens voilà, vraiment tu le tu... social, là, ça est là, est là, éclair. Éclair. Elle est éclatée là-dessus. Genre, c'est. C'est du discours libéral, euh, sarco, tu sais, c'est très. C'est au-delà euh, de ça, la grosse. Le ouais, maire, tu vois, mais, 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 mais mauvais, quoi. Genre, c'est. Alors là, elle n'est pas bien. Là, elle n'est pas un rapport au sein de, de l'OCDE parce qu'il y a une véritable dérive de l'assistanat dans notre pays. Les Français sont découragés euh, de travailler parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, euh, on peut parfois gagner autant et avec plus d'avantages sur le plan social quand on ne travaille pas et qu'on profite que quand on travaille. Et donc, oui, il faut faire des dépenses. Euh, il aurait fallu, selon moi, mettre en place la priorité nationale. Pour les aides sociales, il aurait fallu euh, supprimer tout de suite Alors. les régimes spéciaux. Il aurait fallu supprimer le régime des intermittents euh, du spectacle. Bref, faire des économies. On, on a le, de, on, Charles, juste, sure on a le temps d'aborder ces sujets. Ouah, économiques. Elle veut se mettre avez, les intermittents à dos, mettre à dos, un, à mais un, eux, à au pouvoir, ils gouvernent pas. C'est vraiment genre, c'est une dinguerie. Ils sont fous. Smith et ouais ouais, de fou, de fou. Genre elle et elle et elle s'est encore la NPE dans sa tête. et J'espère que l'intermittent sur le plateau de BFM va arrêter de la filmer là. <laughs> tu où ah la ouais, filmer quoi elle, elle se met un doigt dans le nez là. Non, restons euh, sur, la question, restons sur des, la question. des salaires si vous des, le des voulez bien puisque, mesures, vous dites, hein. puisque vous dites vous euh, dites nous on n'est pas pour ni le blocage des prix ni ouais, du SMIC, hein. On est pour baisse de charges. Sur les salaires. Sur les salaires. le brut du net. Pour euh, augmenter le pouvoir d'achat des Français. Des réponse. Rapprocher le brut du net. Mais attends, si tu rapproches le brut du net, est-ce que le net va monter ou est-ce que c'est que le brut qui va descendre en plus Oui, que parce que c'est oui, pas clair là. Ça veut rien dire. On dirait qu'on va avoir bruts sans sécurité, ni ça. chômage. Oui, c'est ça, genre, parce que bon, c'est. Voilà quoi. Ouais euh, D'accord. Okay c'est oui, effectivement très intéressant pourquoi est-ce très intéressant parce que vous, ce que vous appelez charge s'appelle des cotisations oui. ah, et les cotisations fait. sont ce, ce dont nous sommes nous l'héritier c'est à dire ce qui est arrivé du Conseil national de la résistance, ce qui a permis notamment la sécurité sociale mais aussi oh. la retraite et d'ailleurs j'ai vu que vous vous réjouissiez ah, de bien, euh, la réforme des retraites plus grand mouvement social depuis 50 ans ah, ferme sa gueule dans hein. ce pays avec la retraite à 64 ans monsieur Zemmour disant même allant, euh, aller à 65 ans. Pourquoi est-ce intéressant Parce que lorsqu'on réduit les cotisations, du coup, on appauvrit la sécurité sociale, donc la possibilité pour les mmh. gens de bien se soigner, on appauvrit les caisses de retraite, et donc, ensuite, vous nous expliquez qu'il faut travailler plus longtemps, etc. Donc, vous dites exactement pareil qu'une sorte de Macron radicalisé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, vous... oh oh là, 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 là. Bon, là, là c'est son domaine, là et ça c'est intéressant euh, ça euh, que, euh, euh, alors vous parlez des 35 heures 35 heures dont je vous rappelle juste si vous regardez les chiffres que c'est le plus grand moment de création euh, d'emplois euh, dans notre histoire et que, avec des effets de euh, disons qui font débat et que, et que, euh, si, sur euh, si sur si l'emploi depuis... et sur la oh, désorganisation. Le libéral ah oh, mais pourquoi oh, il, check? Euh, il a rien fact-checké tout à l'heure il a rien fact il a un truc à dire là depuis de le XXe siècle, le temps de travail a été divisé par deux, les richesses, elles, ont été multipliées par 50. Donc, c'est cette richesse qu'il s'agit de se répartir. Et j'entends que, quand même, Emmanuel Macron, vous êtes aujourd'hui euh, celle qui protège les riches. Ensuite, vous nous oui. parlez des assistés. Parce que ça, j'ai ramené quand même... Oh non, non, mais on avait dit la fille! Oh ah non, les failles. On a dit là, il nous écoute ah, pas! Oh les feuilles! Oh là là, les failles. Arrêtez ah d'amener des feuilles! Ah <laughs> les feuilles de la France Insoumise, ils sont On obsédés. voit pas, on voit rien! <laughs> on ne voit pas dans Ce n'est pas clair! On ne comprend pas ce qui est écrit. Arrêtez avec <laughs> vos feuilles à 4 <laughs> C'est ce pratique pour que vous vous rendiez compte parce que vous parlez et d'ailleurs... Je ah, regarde même pas. <laughs> je ne sais pas programme. si ceux qui sont la, devant leur télévision voient... Ah, bah oui, oui, bah oui, merci, bah oui, merci. <rire> Un <laughs> faux plat, oui, on ne sait pas trop. C'est une partie d'agario. <laughs> <C 'est... rire> Le rond oui, va faire manger. Cal excède largement la fraude sociale. Ah, ah voilà, ouais. merci. Alors, ah, ouais, ça, ah, eh, ça c'est les intermittents. Ah, ils, sont les intermittents ils sont dit ouais, ça, Les intermittents. du plateau <laughs> On va pas supprimer votre régime Il a sont <laughs> <fini. rire> Ouais non, je peux, je peux, donc, mais c'est fois... quand même pas clair, hein. même, même de si près. Si, hein. on comprend, aussi on comprend. Le fiscal, dont vous ne parlez jamais, quant à euh, si, la fraude si. sociale, c'est 2,3 milliards d'euros. Donc, il n'y a pas d'assistance. Mmh, c'est tellement petit. Hein. C'est là, les gens, vous voyez. Hein. Vous voyez, c'est ah oui, oui, eux, c'est eux, hein. eux, les virus de notre nation. C'est vraiment les droits à tard, les mar maréchaux. Eux, ils sont bien dans le euh... blanchiment, dans l'évasion fiscale, dans tout ce que vous voulez. Ils sont là. Hein. Vous avez vu combien ils prennent et après ils viennent dire Ah les Noirs et les Arabes, des fois ils ont touché une caf en trop. Eh vas-y. c'est une... En vrai, c'est une dinguerie. Le discours est tellement. C'est dans ce pays, autre que les riches, Moi, je... qui eux regardent, contrairement à ce que vous pensez sur les personnes exilées, qui eux vont regarder les droits un peu partout des autres pays pour savoir où est-ce qu'ils vont cacher l'argent qui doit revenir dans la solidarité nationale. Je vais vous dire avec nous sur la question des impôts, vous êtes mal barré. Parce que dans notre programme, tous les Français et Françaises qui touchent moins de 4 000 euros auront moins d'impôts à payer que ce qu'ils payent ouais maintenant. C'est ce que nous appelons l'impôt progressif. Donc, euh, je vais vous dire bon. ce qui va se passer avec ce que vous proposez de faire. Pas d'augmentation de salaire, pas de blocage des prix, pareil, pas d'encadrement des marges. C'est exactement non, non, ce que fait je, le gouvernement. Je suis d'accord avec vous. Nous n'avons pas du tout en effet la même, exactement la même vision ce que économique. Fait le gouvernement oui, allez, allez, péquée, allez, allez, ça crée allez, allez. Un risque de récession. Allez, je vais -E vous dire. La consommation populaire n'a jamais été aussi basse depuis 33 ans. Qu'est-ce que ça crée derrière La populaire c'est le principal facteur de la danian sur bah non mais bah non du coup on est bien avec ça attends vous croyez quoi vous croyez qu'on gagne attendez alors deux choses deux ah ouais, choses un, un on, est bien, de fou. on est bien on est bien et deux si un jour on est au-dessus moi je suis trop content ah ouais ah ouais le jour on est au-dessus mais là c'est qu'on a des couilles en or un tiers je n'attends bah, si ça si j'ai des couilles en or moi je suis chaud de donner un peu ah ouais ouais de toute façon, on paye pas des lourds impôts nous. des poils de couilles en or il n'y a pas de problème mais pas on paye des lourds impôts ah ouais. C'est ça aussi. Un peu sur la société Nous, on, est, on a touché avec Raz, il est vrai. Quelques CAF, quelques RSA, quelques Z ah, comme les ça ici là. prenez hein. moi, un an, les a remboursés. <laughs> L'État, il a récupéré ah ouais. direct. Ah ouais. Donc, vous voyez, pariez sur vos RSAistes un peu. La croissance euh. de ce pays. Et donc, derrière, ce sont des TP. votre RSA, t'inquiète, hein. ils arrivent à chaque fois. Bonjour. 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 3 000 oui. euros. Oui. On dit, <laughs> oui, monsieur. Merci, monsieur. <laughs> Au revoir, monsieur. Oui. De PME qui ferment parce qu'ils n'ont plus de carnet de commandes qui sont remplis. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et nous avons bien vu, puisque vous parlez sans cesse des impôts de production à devoir baisser, oui, oui, nous avons fait. bien vu, avec Emmanuel On Macron, défendre la compétitivité ce que de notre industrie. Vous croyez au ruissellement, madame Maréchal crois... Le Pen non, Moi, je crois qu'il faut défendre notre industrie. C'est marrant, que vous parliez de la baisse Mais vous de vous croyez production. Au ruissellement ça ne vous intéresse pas, pas, la baisse de production ah, si, ça nous intéresse. intéresse pas la baisse nous, la on est la de la relocalisation. Et la question de la compétitivité, ça joue un petit peu dans votre logiciel ou pas du tout Eh bien, c'est pour le ça que, que nous, nous, nous sommes pour un protectionnisme le écologique le et solidaire, pour notre, justement notre relocaliser. Le, le fait que, que ah on... là là, elle est pas bien. Là, on voit qui domine qui. Ouah Ouah voilà, Mathilde Ouah en plus, c'est bien, c'est la deuxième partie, c'est bien, l'industrie n'arrive très, très, très plus à tenir la concurrence parce qu'il y a aujourd'hui un coût du travail qui est beaucoup trop élevé, parce qu'il y a des impôts de production, en effet, qui sont beaucoup trop élevés. Et là, je vous rejoins d'ailleurs parce qu'il y a aussi des marchés qui sont euh, trop peu protégés, ça c'est indéniable, mais bon, après, on ne va pas tomber d'accord, ça, ça me paraît évident. Non, bon, mais pas dit, vous êtes une... Emmanuel Macron... radicalisée. Oui, on entend cette espèce de discours caricatural, alors on est contre les riches, on est contre les patrons, la réalité bah. de la politique que vous défendez, c'est qu'en fait, ce n'est pas les riches qui sont les premiers touchés, c'est souvent les classes moyennes d'ailleurs, parce que c'est elles qui sont... Qu'est-ce qu'elle de le dire dans notre pays, c'est elle qui porte un bout de ah bah bras. oui, mais c'est faux. Est est pas elle pas qui dans le porte programme. un bout de bras, une dérive ah oui. aujourd'hui de la politique d'assistanat qui est très loin de l'esprit originel du Conseil national de la résistance. Pardonnez-moi, parce qu'une fois plus, 33%, des dépenses, 33 des, des dépenses du PIB, c'est inédit. C'est nous sommes le pays qui dépense le plus de ce point de vue-là au sein de l'OCDE. Donc n'en faites pas euh, un modèle. Et le problème, c'est que ce sont précisément les classes moyennes qui portent à bout de bras ce système parce qu'elles sont euh, à tous les niveaux, elles payent des impôts et des taxes, et notamment sur leur salaire. Et donc moi, j'y reviens. Je pense que la solution, une fois plus, c'est pas d'administrer l'économie en bloquant les Prix, ça n'est pas euh, d'augmenter le SMIG, ce qui va évidemment être répercuté pour nos entreprises qui le ont déjà SMIG. du mal à boucler les fins de la vie. À 90, tout le monde n'est pas une... non, mais c'est le RMI. Elle va nous dire euh, quand je vais à la NPE, je vois les gens. Bah non, du coup, euh, au chocolat à 8 euros. <laughs> <C 'est rire> <C 'est vrai. rire> ah ouais, de fou, mais la meuf elle vit dans un autre monde. Bah oui, après, que... à vie dans un autre monde. Euh, ça, ça c'est réel, vrai, les gens. Hein, elle, elle a. C'est pas ce que c'est le monde réel, elle, hein. <laughs> Ça, ça aussi, les droits toujours le réel et tout. Il y a les mines, moi, je veux bien croire, les quelques droits pas païens dans leur vie, c'est d'extrême droite, comme des gueulemons. D'accord, les petits blancs, à la limite, je veux bien les croire. Mais eux, eux, ils sont zéro dans le réel, ces gens-là. Ah oui, clairement entreprise du 440 non, mais... que, je suis désolée Madame Benoît l'essentiel c'est des TPE PME elles n'arrivent pas aujourd'hui c'est euh, la consommation à, à populaire, populaire donc c'est et, et surtout elles ont du mal à faire de la trésorerie et elles sont extrêmement euh, exposées aux fluctuations euh, du marché donc pour toutes ces raisons là oui la solution me semble euh, en effet de baisser que moi je paye moins d'impôts c'est ça en fait à chaque fois bah oui. c'est vrai ah, des gens ils souffrent bon. mais moi du coup moi je paye moins d'impôts moi c'est ça, ça la fait. solution non oh, mais qui croit cette farce les dépenses sociales indues, de baisser aujourd'hui le train de vie de l'État, euh, non pas sur le régalien, mais sur la suradministration euh, euh, aujourd'hui, et donc pour pouvoir en effet baisser ses charges sur les salaires, parce qu'une fois de plus, moi je ne crois pas euh, aux chèques et aux mesures temporaires qui s'accumulent, ou aux niches, je crois à une réponse structurelle. Et en cela, d'ailleurs, vous me dites vous êtes là sur Macron, sur Macron, sur Macron, en cela, j'ai une vision totalement différente d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron, lui, depuis qu'il arrive au pouvoir, n'a fait qu'augmenter la dette, n'a fait qu'augmenter les impôts, on n'a jamais payé autant d'impôts et de charges euh, dans ce pays, et n'a jamais envisagé de pouvoir baisser les charges sur les salaires, donc euh, de ce point de vue-là. Je suis désolé, mais nous on n'a pas tout à fait la même vision. que. Okay, on dirait Macron, c'est un socialiste maintenant. <laughs> ah, mais ça, c Mais moi, je pense que ils ont ce qu'il les fait bander là, c'est euh, le mec argentin là. Je pense qu'ils vont avoir un tournant libertarien, euh, les émoureaient bientôt. Ouais, ouais, oui, oui, vois, oui, très oui, anti-État, oui, oui. très au final, Macron, c'est aussi du socialisme, etc. Tu vois. Je pense Et... que. Je pense que. Ouais, ils puis vont, en France, euh, le ils discours, tu es affaibliement, quoi ouais c'est ça il y a tellement de mais trucs ça marche pas parce que justement tu vois là pour moi c'est pas c'est pas pas un bon, on parti attache à ça gagner, la preuve mieux, le quoi. RN oui, oui, le RN cartonne parce qu'il mélange deux choses que la France sait bien faire du social et du racisme oui c'est <laughs> ça c'est ouais. pour ça que c'est plutôt chi de les de, de les niquer mais bon il y a des ans quand même pour les avoir hein. Tout le monde a compris, du coup, donc Reconquête et l'extrême droite refusent d'augmenter les salaires, puisque l'extrême droite et la Macron, ils votent ensemble contre l'augmentation des les salaires. les salaires, mais pas avec la on même mesure refuse. que vous. Oui, non, ça, non, que oui, oui, c'est ce qu qui a, a ensuite toutes les dépenses sociales ah bon derrière. Ça refuse les... de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, donc de faire rentrer dans les dépenses. Vraiment du social, bah, pas vraiment en fait, mais par rapport au discours de Reconquête, là on juge par rapport non, en fait, à Reconquête, là euh, on juge Marion Maréchal-Zemmour par rapport à Marine. Donc oui, rien à voir, désolé c'est ça c'est ça et en fait c'est surtout que le RN politiquement ils, veulent, ils sont des libéraux et ils veulent rien faire de social ils votent avec euh, la Macron, les macronistes ils sont à peu près d'accord mais ils ont un discours médiatique de façade qui fait croire à de la politique sociale que les pauvres gens il ils ne mangent démonter. plus et, puis... et c'est d'ailleurs pour ça que il euh, y a euh, un silence de Le Pen sur euh, sur euh, pendant plein de moments parce que euh, elle veut pas montrer qu'elle est à peu près d'accord avec Macron mais elle ne veut pas non plus gueuler avec, euh, avec la gauche euh, parce qu'elle bah, n'est elle pas oui. pour aller euh, contre. Genre sur l'absence pendant les retraites, sa position molle, un peu vite fait, contre le truc, et en fait, non, et on ne comprend pas, etc. Et en fait, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un angle qu'il y aura au moment de 2027, c'est qu'il n'y a jamais eu autant euh, de députés euh, Rassemblement National, c'est vrai, mais du coup, il va y avoir un bilan de ce sur quoi ils étaient d'accord ou pas. Quoi. Et justement, toute leur position euh, libérale, économique, sont évidentes dans leur vote à l'Assemblée quoi donc ça sera aux gens en phase 2 de le rappeler et de bien montrer aux gens que bah, c'est bien sur ces questions là c'est bien leurs alliés quoi ouais. puis la force du, la force aussi du RN c'est qu'ils ont justement ces Golmont la Reconquête qui les dédiabolisent ouais, qui, qui radicalise le truc ouais de l'état et ensuite madame Mar ma Marion Maréchal Le Pen va vous expliquer elle va vous l'expliquer maintenant pourquoi effectivement elle est à la retraite non, pourquoi pour vous, la retraite vous, à 64 pourquoi vous, ans vous faites attention mappelle Marion Maréchal Le Pen vous pensez que j'ai honte Ah bah non c'est juste je que j'économise et je de la, connais de la économiser ah de si de la justement, ça m'amuse parce que voilà là bien répondu le bah bon non t'as honte je t'appelle plus par ton nom j'ai de me gêner, mais tout ah, va bien. Oui, hein, C'est oui. voilà, appelle... le social et elle lui parle de son nom de famille. Hein. Voilà, aïe, bref, vous avez aïe, vu aïe, du aïe. Grand... Elle est perdue. Aïe, aïe, aïe. Elle déteste faire appeler Le Pen. Mais oui, oui, elle a eu raison. Non mais c'est très bien oui. la, la séquence là. Non, non, de, euh, économiser de la salive non, parce à civil, que mon nom, mais mon si nom non non je l'enlève, mon nom, civil elle civil, est c'est Mon nom, elle est c'est oh. maréchal. Alors donc, elle, euh, baisé, donc, hein. elle va vous en expliquer ah, non seulement il pourquoi il il elle, il elle il est pour il la, il la retraite il il à 64 ans, ans, voire à 65 ans comme c'était dans le programme, et surtout pourquoi dans son programme, au présidentiel notamment, se retrouve ensuite la volonté de réduire les dépenses publiques. Et ainsi, alors qu'elle est en train tout à l'heure de dire qu'il y a des oui, millions par de Français exemple, qui n'arrivent plus qu faut à se les... soigner, elle va expliquer comment est-ce que, justement, l'hôpital public va continuer de s'effondrer avec les mesures qu'il propose. De même que l'école publique va continuer de s'effondrer avec ce que euh, Mme Maréchal-Le Pen ah bon euh, bon, oui. quoi, continue de vouloir. Oui, je vais vous expliquer même pourquoi, mmh. parce que vous aviez dit en 2019 quelque chose qui était intéressant. Il y a de nombreux secteurs où l'État pourrait laisser davantage de place aux privés, comme l'école ou la culture. Ah bah, tiens. Voilà, oui. donc, en plus de cela, ah vous êtes là, là, Je considère qu'aujourd'hui, la vie publique du l'éducation tout. Je considère qu'il doit y avoir une école publique, mais je considère qu'aujourd'hui euh... les contraintes mises sur le privé sont beaucoup trop fortes et qu'on on empêche Mesdames. la création d'écoles privées dans notre pays avec une réglementation totalement excessive. Alors que justement, moi, je trouve ça qu'il puisse y avoir différentes offres éducatives dans notre pays. Bah, mais c'est bon. vrai que bon, vous, euh, ça dépend des moments. Parce que quand c'est des écoles euh, catholiques, vous faites la chasse aux écoles catholiques et Adia, vous, vous dénoncez les, les écoles catholiques qui euh, excluent un, un élève qui avait les cheveux roses. Par contre, quand c'est des écoles musulmanes, proches des frères musulmans, là, vous les défendez. Donc, on nous sommes les partisans pas de l'école publique. La oui, mais oui. ça se voit je... quand vous défendez Mesdames, les frères musulmans. Une, seconde, écoles, vous mais oui, plus, rire, une école proche des frères musulmans. Ouais, L'imaginaire, leur... leur... Leur leur... c'est une dingue. Oui, et puis là, ah, la ah, fille, ah, leur plaisir, c'est-à-dire, bah, nous, on est des laïcs, quoi, on aime l'école ah, publique. Oui, c'est bah, vraiment oui, de ce de qui les fait là, kinker. C'est ça qui me fait oui, rire C'est social-démocrate, la fille, quand même, tu vois. Les vrais, tu vois, des honorables, je le dis dans le bon sens du terme, là. Mais tu vois, ça me fait rire. On va voir apparaître vos temps de parole, Marion Maréchal, Mathilde Panot dans... Quelques instants, voilà, à une vingtaine de secondes près, vous êtes au, au même niveau. Et justement, dans la vie quotidienne des Français, il y a cette question de, de, de l'école. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait plusieurs annonces importantes depuis la rentrée. Euh, L'interdiction des, des abayas euh, à l'école, choc des savoirs avec notamment des, oh, des groupes de niveau au collège. Oh, le revenir. dernier mot donné au professeur sur la question oh du redoublement. Oh wow, le social, ça, réussir, a duré, ça a duré 5 5 minutes. 10 minutes. Hein. Ah ouais mais c'est une dinguerie et là c'est l'école et la baya non mais attendez oh mais putain de merde oh la, la, la télé c'est <laughs> insupportable Alors, reparlons des arabes quand même s'il vous plaît ça fait longtemps on n'a pas parlé des arabes ça serait bien qu'on oh reparle putain, des arabes d'une robe de, gros, de robe longue oh là là c'est rappel c'est ça hein, rappel c'est de robe longue, là ça fait combien de temps c'est horrible <laughs> Également à venir l'expérimentation oh. sur l'uniforme. On va prendre ces points-là, euh, les uns après les autres. Mais euh, d'abord par rapport à, à la politique qui est, qui est menée sur cette question éducative. Euh, Mathilde Panot, on imagine que euh, vous n'êtes pas satisfaite. Je crois qu'Alexis Corbière disait dans les colonnes de la Tribune du Dimanche que l'atalisme était une forme de, de nostalgie ou de référence à une école qui au fond n'a jamais existé. Oui, tout à fait. Euh, les, je crois que les élèves de notre pays n'ont pas besoin d'uniforme. Ils ont besoin qu'on les forme, et notamment d'avoir plus de professeurs, plus euh, euh, d'aide euh, à l'éducation, puisque un enfant... Ah, allez. La baïa que vous défendez La baïa en fait, la, la fille oh. essaye de dire un truc social, elle euh, extrême... oh. oh, <laughs> <C> est extrêmement... <laughs> les hommes wow, C'est une dinguerie oh, L'obsession de l'uniforme qui n'a aucun sens Vraiment, genre, c'est... Genre, les gens qui croient que quand il y avait un uniforme à l'école, les gens ne voyaient pas la classe sociale des élèves et que ça a réglé les problèmes de disparité sociale à l'école et que c'est vraiment c'est une illusion de Il Faut être abruti pour croire. Ah bah ça. moi sinon je propose enfin, en uniforme à l'école la baya pour tous et toutes. Ah ouais. <laughs> Vous en pensez quoi enfin, de mon non, idée C'est ridicule. Non, vraiment ça c'est complètement con quoi. Ça c'est qu On a quasi pas d'histoire de l'uniforme. Mais oui mais même dans les autres pays. Dans les autres pays où il y a des uniformes, le truc, c'est le gros truc de comme ça, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de différence. C'est ultra faux, c'est ultra faux, ça fonctionne pareil, c'est complètement rien dire. C'est vraiment les gens qui se sont pas renseignés plus de 5 secondes qui pensent ça. On enlève la récré. hop, on met juste la prière à la place. <laughs> oui, voilà, <c> <laughs> vous allez voir mon programme, où il va vous plaire. Enfants en situation oui, de handicap sur quatre est déscolarisé dans notre pays du fait du manque d'AESH pour qu'il y ait des professeurs remplaçants alors que des millions d'élèves manquent des heures de cours parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçants qu'il y ait la gratuité réelle de l'école notamment la gratuité des cantines la gratuité des fournitures scolaires plus d'infirmiers plus de psychologues voilà ce que payée, nous demandons madame madame pour l'éducation à l'inverse de ce bon. qui est proposé par madame Maréchal Le Pen oui mais c'est une question de priorité n'existe pas la gratuité madame Pado, c'est toujours payé si, par quelqu'un si, si, bah oui justement c'est ce qu'on appelle justement la république Faire en sorte que je n'existe pas la gratuité. Ah, oh, Dixie, la... Oh, gratuit, la, la, la nantie du racisme. Hein. Ça n'existe pas la gratuité. produit, c'est toi. Oh, a... Qu'est-ce qu'elle a payé dans sa vie, elle oh, Je sais pas, gros. Des tailleurs éclatés. Hein. <rire> <rire> Globalement... Justement, euh, par exemple, l'uniforme. Ça compte 200 euros par enfant. Nous, on a calculé si euh, on mettait cet argent-là de l'État sur les 200 euros par enfant, on arriverait à peu près à faire l'ensemble, dans le pays, hein, des, des, des fournitures scolaires gratuites. Eh bien, moi, je trouve que c'est une priorité bien plus bon élevée, argument. bien plus forte que très bon de tout prix Vous voulez faire payer des uniformes alors qu'on pourrait payer les fournitures à tout le monde Pour moi, t'as terminé le débat, quoi. Genre, t'as terminé le truc, quoi. Genre, c'est... Vraiment, genre, c'est... En plus, si les frais ou leurs uniformes, je suis pas sûr que ça serait fait en France, hein. Oui, les non, de vraiment... droite, là. Non, mais gros, non, mais les gens qui parlent de, de l'uniforme, ils, oui, ils sont complètement con. C'est juste un truc pour faire genre, Personne... ils ont un programme Personne... sur l'école, oui, vous avez ça. entendu, oui, ils veulent ça. juste privatiser l'école et tout, c'est tout ce qu'ils veulent faire, quoi. Ça n'a rien sens. de voir, mais vous imaginez on les mots au pouvoir Mais gros, hein, en plus, surtout, ils croient que ça va changer quelque chose, mais genre, enfin Genre, c'est tout sur quelle paire de pompes t'as. Sur ta coiffure, ton téléphone, quand les gens ils se voient le week-end, quand tes darons ils viennent te chercher, la bagnole de tes parents. T'sais, ils ont vraiment l'impression que ça a créé de l'égalité. Non, mais ils y croient pas. C'est tellement faux. C'est juste pour exciter leur, leur électorat fou. de bourgeois. Ouais, C'est bien. Oui, ça dire ça, ça serait bien, vraiment, les jeunes, ils vont filer droit. Si L'État claque des thunes pour payer des uniformes alors qu'ils ne payent pas de fournitures scolaires, qu'ils payent pas de profs supplémentaires, qu'ils payent pas euh, oui, des, bah des oui. trucs de sport plus stylés, qu'ils payent pas des PC mieux, qu'ils payent pas des trucs euh, de la meilleure bouffe dans les cantines, des trucs comme ça, c'est vraiment c'est juste un scandale, c'est juste que t'es étais une merde en fait si tu bah souhaites ouais. ça t'es une merde. Genre c'est vraiment le dernier quand toute l'école sera parfaite et que T'auras des écoles qui sont stylées, avec des classes avec des effectifs réduits, des cantines avec de la bouffe stylée. Une PS5 des, des pour positifs, tous et toutes. Ah non non. Une 5 pour tous et toutes. Ouais. Des iPads par élève, un iPad par élève, euh, des dispositifs portables oh. de qualité. Que quand tout ça sera fait et qu'on verra, là on pourra peut-être faire l'uniforme, mais ils se rendront compte qu'en fait il y en a pas besoin parce qu'on aura une école stylée. Donc ils se diront ah bah en fait je suis complètement con, il y a pas besoin de l'uniforme, c'est une idée de teubé Voilà. Donc bon. Le Et débat a fini, le toi. Programme de Oui, mais c'est étonnant. Sur l'uniforme, d'ailleurs. Moi, je, je trouve que la proposition de Gabriel Attal va plutôt dans le bon sens, mais plutôt. C'est une, une expérimentation des, plutôt, voilà, plutôt avant de, de voir ouais, si ça fonctionne. J'aurais aimé qu'il qu mette en place directement l'uniforme, mais pour une raison simple, c'est que pour moi l'uniforme. Euh, non, mais Milan, toi, si t'es un wib. En fait, le les problème, Les gens pro-uniforme, vous êtes des wib. Vous allez à persona, vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes dans persona. Vous êtes vraiment. En plus, dans persona, désolé, mais l'uniforme, ça n'empêche pas le harcèlement. Ça empêche pas que les pauvres <laughs> ils, ils se font moquer d'eux. Ça empêche pas que dès que t'as un peu plus de. Ça empêche pédé, pas Hitler à la fin en boss final. <laughs> oh <Voilà>, la ref. <laughs> bon, bref, ouais, ça me fait trop rire. Ouais, euh, euh... Ils courent en permanence derrière les vêtements de marque de leurs enfants. Et puis, c'est une manière aussi de. Ça, ça devrait vous plaire, pourtant, de dissimuler les différences sociales entre les enfants qui sont vecteurs d'isolement de, de, ou de stigmatisation ou de discrimination. Donc, je trouve ça plutôt positif. Et puis, ça permettrait aussi de mettre un frein aujourd'hui à, à l'offensive euh, islamique dans nos écoles hein, qui s'exerce à travers le voile. Vous êtes toujours contre le port du voile dans les écoles, on est d'accord, Madame mm -hmm. Je ne me trompe pas très bien. Et contre la Baïa, que pour le coup, vous avez euh, défendue et contre lesquelles les professeurs sont totalement démunis. Donc, ça réglerait, on va dire, de nombreux problèmes, euh, à la fois économiques et sociaux, et en même temps culturels au sein de nos écoles, éviterait d'exposer de, oh, nos professeurs en premier lieu, qui justement avec toutes formes, ces problématiques. Très... Maintenant, sur le reste des propositions de Gabriel Attal, moi je regrette qu'il n'aille pas au bout aussi de ses propositions, avec la fin par exemple euh, du collège unique, plutôt que des expérimentations, une fois de plus, euh, simplement de, de classes de niveau, mais c'est vrai que nous n'avons pas la même vision de l'école, Madame Panot c'est vrai que moi j'ai une vision ah, ça, de, de l'école euh, du mérite, dans laquelle en effet, euh, les Le élèves... mérite, la nantie La nantie qui nous parle de mérite oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais elle, on va la mettre dans le collège où je suis allé, on va voir comment elle réagit. La tête dans la oh, main. C'est fou. Quand le professeur entre dans la classe, et donc une, une école aussi de l'autorité et de la discipline, quand vous êtes enfermé dans une lecture égalitariste, dont tous les effets depuis les années 70 à travers le pédagogisme démontrent que c'est un nivellement constant vers le bas, d'ailleurs vous devriez être content parce que c'est plutôt oh, les méthodes Longfrey. que vous défendez d'une école ouverte et sans autorité qui nous a conduits là où on est aujourd'hui dans les classements PISA. Donc une fois D'accord. Donc, on va mettre l'uniforme et on va privatiser l'école. Et là, la France va briller à l'international. Tout le monde va être élevé. C'est le mérite qui va. Qu'est-ce que le, mais bon. le discours. Non, mais c'est bien. On va faire comme les États-Unis. Hein. Ils font que des QCM. Ils sont tous complètement teubés en sortant y a de là. Shooting, Ça fait un hein. peuple d'abrutis, school shooters, <laughs> complètement cons. On va faire que du privé. C'est vachement bien. Ouais, vraiment, soyons les États-Unis. Hein. On va leur faire faire des QCM. Ils vont, ils vont croire que leur pays, c'est la Russie parce que c'est le plus grand sur la carte. Hein. Merci, hein, c'est bon. Wow. Vos modèles de Golmont là en Plus, oui, nous pas Vous de avez un problème dire. avec euh, l'autorité ou la discipline à l'école Je vais vous expliquer ce qui, est, ce qui détruit l'autorité des professeurs. Ce qui détruit l'autorité des professeurs dans ce pays, c'est que en 1980, un professeur, alors qu'il débutait, gagnait en moyenne 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, un professeur. En fait, qui je suis d'accord sur les salaires. 1,1 euh, SMIC en moyenne. Et donc, en déclassant la place qu'avait le professeur dans la société. Elle a dit 100 fois le SMIC, là, j'ai bien entendu. Oh, putain, les profs, ils se mettent bien. Hein. Ouais, putain. 100, 100 fois, fois le SMIC, vous dites 10 touchez... fois 1 Ça, 100 fois virgule 1, gros. Ah, mais c'est une fois plus Ah ouais, genre, c'est une dinguerie. Mais en fait, vous touchez 10 000 balles, c'est une dinguerie. 1000 fois Putain, ah, mais, mais c'est trop là! Vous êtes riche, les, profs, les profs, c'est une sens. dinguerie! Après, là où aimant, c'est que t'as as un peu plus du SMIC pendant deux ans et après tu passes à 3000 euros par mois, oui, les profs. Oui, c'est ça. Te et, te et, et en plus, et avec 40 mois de vacances, semaines de gros. vacances. Mais oui, 10, 7, mois, de 10 mois de vacances, gros! 10, Genre, 10, mois. En plus, 10 mois de vacances et 4 heures de cours par semaine pour être payé voilà. 5000 balles. Tout ça pour être raciste avec les élèves en plus. Tout ça pour être un maton avec un portefeuille qui humilie des gens, quoi. C'est de... trop bien, c'est trop bien ce métier. C'est aussi comme ça qu'on lui a fait perdre de l'autorité. La deuxième chose, c'est que vous étiez récemment, Madame Maréchal Le Pen, à un colloque au Sénat avec des parents vigilants, donc euh, mm -hmm. ceux qui ont créé euh, un, un syndicat de parents d'élèves, qui s'appelle les fait. parents vigilants, qui ne cessent de menacer des professeurs. Non, ça il a été le tout cas, tout le par il exemple, à Valenciennes, où quoi. ils ont menacé une professeure qui voulait faire une sortie il avec dénonce ses élèves à Calais une militante, des migrations. Une militante, militante pro-immigration engagée ah. qui faisait des sorties scolaires sur le temps scolaire avec ses élèves pour aller visiter des enfants de migrants. Oui, en effet, ça a été remonté donc et vous dénoncé médiatement vous des ah. sur les... Tu te rends compte quand même, t'as une prof wow. qui amène des élèves dans des camps de migrants pour leur montrer la réalité wow. de la misère sociale, machin, etc. Une Et elle se fait dénoncer. Vous vous rendez compte quand même c'est super grave. Et moi ce que j'adore, c'est quand même vraiment... ah c'est vraiment grave qu'elle qu ait fait ça. Wow. Alors que limite, enfin tu te dis ouais oh, la prof de gauche que c'est quoi Et Je vois ouais, la prof que c'est quoi on lutte contre la propagande idéologique à l'école. On lutte par exemple contre la loi. Ces initiatives aboutissent parfois sur les réseaux sociaux à des menaces contre ces professeurs. Il n'y a aucune menace. Ce sont des parents dont les élèves sont dans des classes et qui rapportent en effet le fait que certains professeurs utilisent le temps scolaire pour pouvoir faire de la propagande politique et idéologique sur le temps scolaire. Et ça, je veux dire. Toi, tu fais pas de propagande politique et idéologique. Comme des profs à Sciences Po ou je ne sais plus où qui disaient des dingueries comme Forisson qui était prof d'histoire oui bon d'accord OK super hein, oui, oui il y a, oui, des part... c'est des galomons euh, qui forcent avec leurs idées oui ça existe oui effectivement Participe aujourd'hui de la d'une dérive et d'un détournement de la fonction initiale Alors de l'école. l'école Effectivement, pour, nous pour nous for, sommes... formater les enfants. Je suis désolée de vous le dire, même si ça va plutôt nous dans le sens nous de sommes favorables à une école émancipatrice pour l'ensemble des enfants de ce pays. Et donc, qui se donne à la fois les moyens de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse apprendre dans ce pays. Donc... Prof de lettres, Forisson sont actuelles. Oh le diable. Ah oui, prof de ah pardon. Ah, ah, désolé. Dieu, était prof de lettres. Ah non. Mama, non mais faut ah, pas être euh, euh, faut ah pas falsifier l'histoire. Ça change tout. Ça change absolument tout. Pardon. que vous, on vous avez, par exemple, avec vous une invité à ce colloque une professeure de français qui considère que l'école fabrique des masses de jeunes violents euh, euh, avec veut le retour de la discipline en classe face à des élèves qui ah, sont des petits délinquants. Attendu. Vouloir le retour de l'autorité à l'école. La Et je vais vous dire contre se C'est terrible. Euh, vouloir le lui. retour de l'autorité à l'école. Mais voilà. elle, en fait, en plus, non, Elle a fait pas une bonne publicité à l'école privée. Elle. Vous avez vu comment oui, oui. c'est une golmont Je suis ah, oui, passé de par les, des collèges de Golmont, hein, vraiment hein, qui sont classés euh, zone d'éducation des Golmont, ça s'appelle. Tu oh, vois Je suis passé par la, ça et j'ai l'impression que je suis moins golmont qu'elle. Alors qu'elle a eu les des écoles privées super chères, machin. Trop bizarre. Toi, hein vous as aussi <laughs> Les gags <laughs> Les gags <laughs> Zone générale d'éducation Golmont. <laughs> Moi, je cherchais du bac avec Zerg pour faire plaisir à Daddy qui qu'il adore les Zerg, mais j'ai pas trouvé. D'accord, ok. Wow, c'est. Moi, bah ouais, je vais te faire plaisir. T'aimes les Alors Zerg, t'es failli. fan il de tous les Protoss. <laughs> non, mais, mais j'aime bien les Zerg en fait. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas très précis. C'est que je préfère le mode solo de StarCraft II of the Swarm car je trouve que c'est la meilleure extension solo qu'il y a eu. Mais par contre, en multisource, je, je ne sais pas vraiment dans le gameplay Zerg car j'aime prendre mon temps dans la partie et construire mon gameplay. Et gagner une <laughs> game, voilà. Gros, tu sais qu'il y a des gens qui vont être heureux de tout ça. Oui, c'est tout à fait d'accord, Tadi. J'ai le même avis. finalement... <laughs> c'est bizarre, tu, de des... tu représentes les fans de Blizzard sur le chat. Non, mais après, les gens, moi, j'aime trop Zeratul et tout. Oui. C'est magnifique, Zeratul. Rien compris, non, vous inquiétez euh, pas, moi de aussi. la hein. loi de 2001. Un truc. Sur la question. Eh, Zeratul, il a trahi la Ouma. Enfin, il, il s'est coupé la natte, mais c'était pour le bien de la Ouma. <laughs> Rappelez-vous de ça, les frères. Qu'on se souvienne de erratouls, quand même. Bref, on, on reprend, pardon. De l'éducation à la sexualité. Vous savez, depuis la loi de 2001, il y a l'obligation pour chaque élève, par niveau, d'avoir trois cours moi, par an d'éducation à la sexualité. Madame à quoi servent ces cours d'éducation à la sexualité pourquoi. Bien loin des fantasmes. Je vais de vous, dire vous allez me dire pourquoi, mais moi je vais dire d'abord pourquoi. Rapidement, pense malheureux. Parce que. Parce que, que moi, euh, parlez pourquoi, de votre non, non, Pourquoi est important de Respecter la loi, alors que seuls 15% des élèves ont justement des cours d'éducation à la sexualité, parce que c'est à ce moment-là qu'on leur apprend par exemple qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant, et c'est comme ça qu'on lutte notamment contre l'inceste dans ce pays dont vous ne parlez jamais. Madame Ensuite, c'est aussi vous... le moment justement comment elle l'a détruit. On Ensuite, Là, on n'a oh... plus notre chat qui est oh, oh, euh, totalement non. raté, alors que ça a fait 20 minutes qu'elle l'a détruit. De bout en hey, vous êtes vraiment, vraiment gaslight -like par Twitter là, on peut, on peut le dire et l'affirmer. Hein, ah ouais, de fou, vraiment, vous avez lu trois. Ah, oh, il fallait euh... pas débattre. Au final, ah elle lui a bah fait non. servir la soupe. Ouais, bah il y a oui, deux trois fois, elle a été elle déstabilisée. C'est un débat. Tout le monde est déstabilisé à un moment. De vous, vous prenez pas. Trop. En fait, là, vous n'allez pas sur le ring sans, sans prendre des coups. Deux fois. Hein. Genre c'est. Ah oui. Hein. Au collège, qu'est-ce que c'est le consentement Qu'est-ce que c'est un rapport sexuel consenti Comment est-ce qu'on se prémunit contre les maladies sexuellement transmissibles Et c'est contre ça que vous luttez. Madame Eh oui Bah non, parce qu'ils vont couper le zizi des trans, ils veulent couper le zizi des enfants. Ah ouais, ça relayait relayé par tous les rappeurs gaulmons de ce pays. Mais partout, c'est vraiment. En oui, effet, vraiment, la vision gens... que j'ai de l'école, c'est d'abord une école de l'instruction et non pas de l'éducation à la place des parents. Donc, je considère que l'école doit se recentrer d'abord sur le fait d'apprendre à lire euh, et à compter avant euh, de faire de l'éducation à la place des parents. Ça, c'est une première chose. Oui. Moi, je ne suis pas du tout opposé, en revanche, à ce qu'il puisse y avoir euh, une sensibilisation euh, à ces questions de sexualité. De... Les gars <laughs> du chat qui sont gaslight -like par Twitter, Gaslight -like sur la <laughs> vie du chat. <laughs> non, point d'exclamation de chat. Non, arrêtez, arrêtez de c'était la guerre, on a dit vous engueulez pendant point, point 20 minutes pour que vous commencez chat. à dire bon, peut-être qu'elles sont mauvaises l'une et l'autre. Bon, peut-être que Marion maréchal n'est pas assez bonne, mais justement, c'est parce que Marion maréchal n'est pas assez bonne que Bâtit Panot a été décevante. Bon, c'est vrai que là c'est pas mal. Bon, en vrai, Bâtit Panot, elle est trop forte, c'était ça. L'évolution de votre avis, je l'ai vu, je l'ai lu. Le chat est un ensemble homogène, composé de personnes qui se ressemblent toutes à 100%. Il peut néanmoins changer de forme selon les besoins du stream et uniquement du stream. Le chat n'a aucun droit de regard <laughs> sur la question. Ah, en fait, vu qu'on passe des paliers de viewers, on revient aux bases. On doit rappeler on point d'exclamation, ce de chat. C'est ça que j'aime bien. <laughs> C'est le contrat social de ce stream. Notamment, évidemment, dans le cadre légal que vous venez euh d'aborder, dans le cadre du cours de biologie, par exemple. Ce qui me dérange, en revanche, c'est le fait que depuis des années maintenant, euh, ces cours passent de l'éducation sexuelle stricto sensu, et donc à ce qu'est la sexualité sur le plan euh, biologique, à euh, une éducation au plaisir sexuel de plus en plus. Faux. Et je le vois d'ailleurs à travers la propagande d'ailleurs d'État, euh, qui a été faite à travers un site Internet qui a eu de très nombreuses publicités sur les différents euh, euh, comment dire, euh, arrêts de bus dans notre pays, et qui, en effet, ne faisait pas non plus de l'éducation sexuelle ou de l'éducation au consentement contrairement à ce que vous dites mais véritablement tout un panel sur les questions d'éducation sexuelle et différentes pratiques sexuelles et ça en cela je suis désolée oui ça me gêne et ça me choque et parents ah vigilants là, là, le SMS hein. ça c'est le SMS fake ah news ah ouais ah ouais du elle, écrit ah, elle l'a écrit hein. elle-même fake news qui a tourné partout c'est ah n'importe et la crime est d'accord avec ça hein. ah Oui, mais les, les gens dossiers, hein. ça mais ça c'est parce que sur les gosses les gens croient toutes les fake news qui passent et ils sont matrixés c'est un vrai problème ah ouais. hein, parce qu'ils sont... et je comprends la panique genre sur les gosses je comprends vraiment oui, c'est un peu genre, flippant je si de tu crois que c'est vrai c'est un peu les gens... de fou de fou je comprends pourquoi les gens sont flippés sur la question mais justement si ça concerne tes gosses renseigne-toi vraiment quoi genre renseigne-toi pour de vrai sur les trucs sinon c'est genre là que tu dois avoir une responsabilité quoi et parents vigilants n'est pas du tout de ce et dont parents, vous êtes en train de ah, parler. Je et rappelle que vigilant, cours Éducation pas. à la vie affective et sexuelle ».« Éducation vous... non, mais mais un titre à ça la fait... vie affective » oui, 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 mais en fait, Madame, ce n'est pas du tout ce et, que vous êtes en train de et dire. Et, dire. Les parents et, vous, et vous, vous êtes en train de créer une menace sur les professeurs. Allez-y, Marie-Marie Marchal, et ensuite, je voudrais dernier sujet est très grave. Et Les parents vigilants dont vous parlez ont justement rapporté le cas d'une infirmière qui est venue en cours dans le cadre de ces cours d'éducation sexuelle et qui a tenu des propos, en effet, sur des pratiques sexuelles qui ont profondément choqué les enfants qui ont été en place. Toujours le même exemple. Parents, un non, exemple 100 sur 800 000, 000 élèves sur une 000 classe d'âge ah mais après, Et voilà, mesdames. comme d'hab, voilà. moi je suis sûr que tu peux avoir une prof ou une infirmière qui va être une Gaulmont ou un Gaulmont qui va dire de l'indé, des, de l'un bah ça se fait virer, ou ça se fait rappeler à l'ordre, ça, ça prend un blâme. Mais c'est pas la majorité, comme je rappelle, Fourisson était prof d'économie. Bégodo euh, voilà, parle de vous, comment ça Et Comment ça, Bégodo parle de vous là maintenant, là Là tout de suite, là, il aussi là. On veut savoir. Tu peux pas arriver avec une, une info comme ça et pas dire. Sur live de Tsunami. Apparemment, vous dites trop dinguerie, Golemon. <laughs> <laughs> oh, c'est une dinguerie de dire ça, c'est vraiment un Golemon Voilà, ce sera ma réponse. Non, on verra plus tard, on va le laisser finir son live. On, on réagira <laughs> aux avis problématiques. <laughs> mais Godot a dit Dany est Smashable. Oui, bon, allez, allez, je commence à plus croire à vos fake news. Il a raison. Oh, ça va. Ah, ah, okay, pff, bah, bubuche, putain, je on n'a pas, pas le droit d'avoir, on n'a pas le droit de rire dans ce pays, en fait. On n'a pas le droit d'être de des gauchistes. En fait, vous, en vous avez été là à répéter. C'est pour le travail, hein. Oh. Pendant dix ah ans. ouais, ah, gros. Et nous, on n'a pas non, le droit de, de, de rigoler. Pire, tu te rappelles le truc de attends, c'était quoi C'était, tu sais le mot compliqué que les gauchistes ils utilisaient tout le temps là. C'est pas indu indubitablement, mais un truc comme ça. Tu te rappelles pas quand c'était ça leur blague Ah, ah nonobstant. Ah voilà, votre blague infinie pendant 5 ans à gauche qui nous a fait passer pour des casse-couilles. Euh, nonobstant. Ouais gros, on était, euh, la gauche perdait à cause de ça. Hein. Nonobstant. Mélenchon euh, était à euh, 12% marrant. dans les sondages à, cam, à cause non de, non de ça. Acab, hein. nonobstant. <laughs> oui, oui, euh, nonobstant. C'est drôle. Oh. S'il vous plaît, avec... il nous reste quelques minutes avant de, de, de passer à vos cartes blanches. Je voudrais juste qu'on pose la question de la laïcité. Vous avez parlé il y a un instant des abayas. Mathilde Panot, pour vous, y a-t-il ou non des attaques, des offensives pour mettre en cause le principe de laïcité à l'école Alors. Euh... Il y a des attaques à la laïcité euh, dans, dans notre pays, par exemple quand euh, euh, il y a une cérémonie religieuse en pleine Élysée, quand euh, ils se oh là trouve là que <laughs> Wings of Liberty était mieux de temps. Ça j'aime. Ah, ouais, et puis après préparé. quoi ils vont faire la, la blague friot de ces en dernière analyse. Voilà, ça, ça vous fait mourir de rire. Oui, quoi, voilà, mais ça, c'était monde de la gauche avant que Daniela existe. C'est-à-dire, en vrai, en il y avait rien. Décrépitude. C'était tu sais, comme la planète Terre, quoi, quand il y avait genre des têtards dans la mer, des trucs un peu osef, tu vois. Un jour, nous, on est arrivés, et là, l'humanité, les dinosaures, les trucs stylés, sont arrivés à ce moment-là, tu vois. Ah ouais. Ah Gros, en fait, la gauche avait la gangrène. Super, ton donnier. Et on a amputé les gangrènes de la gauche. On a été obligé de venir pour faire le sale travail à amputer la gangrène à coup de à Vous étiez là, nonobstant, Obstant Usul chez Jean Massier, c'est vraiment pas mal. L'uscolousbul. Ah ouais, la méta Pour le À Acab. 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 C'est le speud ici ou quoi oh. Vous avez créé la gauche en sept jours. Eh ouais Bah ouais Et là c'est dimanche C'est la vie du gauche. Seigneur. Hein. Ouais, et là on se repose et on est encore en train de vous aider. Donc allez vous faire enculer un jour. Ça va. <laughs> Nous, par exemple, cet exemple de ce qui s'est passé au collège d'Issou dans les Yvelines où des élèves ont refusé de regarder un, un tableau du XVIIe siècle qui montrait des femmes nues avec des parents qui se sont plaints, une professeure qui a été diffamée. C'est plutôt de ce type d'offensive-là dont je parle, Mathilde. Alors, première chose, déjà, moi, je veux soutenir euh, les enseignants dans la liberté euh, pédagogique qu'ils ont et je trouve ça très important et je voudrais d'ailleurs redire qu'un des problèmes de notre pays, c'est le nombre de professeurs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie lorsqu'ils rapportent euh, des problèmes euh, sur cette question. Ensuite, la deuxième chose qui me semble euh, extrêmement Importante et qui me semble très grave dans ce qui est en train de se passer, notamment ce qui s'est passé avec la Baïa. C'est que quand vous demandez maintenant à la jeune génération ce qu'est la laïcité, ils vous citent une liste d'interdits. Or, la laïcité, c'est d'abord et avant tout une liberté de conscience. Et une liberté de conscience, ça veut dire la liberté de croire ou de ne pas le croire. Je rappelle que nous sommes dans un pays, contrairement aux élucubrations euh, xénophobes, dans lequel 60% des Français n'ont pas de religion. Eh bien, la laïcité est une liberté et moi j'aimerais qu'on le remette mmh. tel que c'est et qu'elle ne soit pas mmh. instrumentalisée parce vous que vous cette liberté la la vous êtes conjuge ça concerne les musulmans vous réponse êtes de quand ça les, les catholiques en fait vous voyez c'est tout à fait révélateur parce qu'en fait Madame Panot est incapable de vous dire aujourd'hui et d'accepter que s'il y a une offensive contre la laïcité à l'école je suis désolée de vous dire elle vient pas des bouddhistes ou même des catholiques elle vient d'abord et <laughs> avant tout des, des élèves musulmans dans le pays et que les services de renseignement bah ne <laughs> vient des pas des bouddhistes l'argument bouddhiste j'étais pas prêt Ouais, D'accord, ok ouais, c'est... Eux-mêmes d'ailleurs expliquent que ce ne sont pas simplement des actes isolés venant d'une petite révolution euh, d'adolescents, mais véritablement des offensives qui sont organisées. Et le plus souvent d'ailleurs fomenté et accompagné par euh, des réseaux islamistes dans le pays qui mettent à l'épreuve aujourd'hui euh, le, le, la solidité justement de nos valeurs ouais, laïques au sein de l'école. Et moi je vous trouve ambigu sur ce sujet, je vous le dis. C'est-à-dire oui. que euh, sur la question de la baïa, bon, vous avez complètement lâché. Sur la question du voile, vous en parlez toujours à demi-mot et de manière euh, extrêmement euh, gênée. Moi je suis d'accord avec vous, pour moi la laïcité c'est une liberté. Euh, encore faut-il accepter de l'appliquer de manière totalement intransigeante et ce n'est pas le sentiment que j'ai. Ah bah, c'est pas, ce pas qui, non plus ce que vous, ce vous qui, faites, vous. Hein vous concerne, moi je suis totalement pour l'adaptation de la laïcité à l'école, je suis même pour son extension à l'université, je considère qu'aujourd'hui il ah ne oui, devrait pas y avoir de signes religieux euh, au sein de ces établissements euh, publics, ce sera probablement d'ailleurs une manière je le dis, de pouvoir peut-être libérer d'une pression une partie de ces bon, gens. Bon ça laïcité vous avez compris c'est quoi quoi, c'est retirer voilà. les, les signes religieux des musulmans <laughs> surtout, hein. Possible, hein. surtout les ouais, musulmans super, quoi. alors qu'on pourrait après, considérer si... que c'est autre chose, on pourrait considérer bah tu viens avec tes signes religieux on s'en bat les couilles pour être bah ça, mais oui, aussi, c'est bizarre. Bah oui. Jeunes femmes qui aujourd'hui se sentent obligées de porter le voile dans notre pays parce que si elles ne le portent pas dans certains territoires ou à certaines euh, occasions, elles sont ah, traitées comme euh, des filles de mauvaise vie. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe dans une partie du territoire quoi français, euh, Madame Panot. Et donc c'est aussi protéger ces femmes-là et leur émancipation, comme vous dites, que de garantir euh, qu'elles puissent bon, euh, se le voir. Le seul endroit où elles sont traitées de filles de mauvaise vie, c'est le Twitter de Balti hein. <laughs> <Si> Mais voilà, <laughs> ça dans même, en même après, il est voilà pas de. Quoi. Tu vois, même lui, il dit des dingueries. Oui. Ah, Adélaurant l'a très oui, bien démontré. Donc bon. Respectez la laïcité. Mais moi, je vais mais vous très dire Twitter, la Pour nous, c'est la loi de 1905. Rien que la loi de 1905 et ah, que, ça, que la loi de 1905 et pas l'instrumentalisation dont vous en faites contre une partie de nos, nos concitoyens d'une certaine religion. L'offensive islamique elle n'existe pas, Madame Panot. C'est pas moi qui la met en place. C'est pas moi qui l'instrumentalise. Elle existe. Tous les chiffres le démontrent. Oui, vous jouez avec les peurs. Enfin, non. Ah, en je en fait. joue avec oui, les oui, peurs. Oui, je moi, j'aime bien le message des que tu as donné. Non, moi, l'aime bien. Pour ça, j'ai mis une seconde. Mais je suis obligé, gros. Tu es obligé. Brian, t'inquiète. d'accord avec toi L'ensemble des musulmans ne se pas de problèmes pour ce pays. Il a une augmentation euh, oh non oh non bégodo sur dinguerie et Golmont. Non au secours il y, a, il y a une euh, il y a une ambiguïté. Ouais, Moi c'est surtout Daniela ce que j'entends le dire à peu près dans chaque phrase je pense. <rire> 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 oh mais c'est une dinguerie, on dit pas si souvent Golmont que ça. Attends. Mais bah oui. C'est quoi son avis de de, de, de Goleman, là C'est quoi ça tout ça ils disent beaucoup Golemon. Ah ça c'est Twitter euh... mais moi aussi je, ouais. je suis tombé. C'est Dany surtout qui dit Golemon. Ah il nous défend. C'est Dany euh, surtout. Euh... Oh c'est Dany gens tu dis pas Golemon toi Il a raison Pegoto a raison Pegoto a raison C'est de la faute de Dany tout ça Moi j'ai jamais dit Golemon de toute ma fucking vie Je déteste ce mot. De toute façon je trouve ça problématique. Oh, la dernière fois il avait dit Dany Rose alors calme-toi. Hein. Et dinguerie, mais on ne sait on jamais. En fait. je, pense je pense que, que c'est indifféremment peu utilisé comme... Comme tu l'as utilisé tout à l'heure, à savoir c'est un truc super. On va ouais, faire une dinguerie dans le prochain numéro ça. et donc tu vas nous dire laquelle d'ailleurs. D'ailleurs, dinguerie, il y a, il y a une. Oh ah euh... le débat, on il a l'air d'être le meilleur live. Ça a l'air d'être le meilleur live. Ça a l'air trop bien, on va réagir à ça. Oh le poulet là. Oh, y a oh le poulet après. qui s'annonce. Oh là, soyez présents le prochain live. Oh, ça me fait trop mal, tu sais, il est mort de rire à moitié en le disant. Non, mais après, attends, Faut attends. Scan sur le terme golmon, c'est réel, gros. Ah, oh, mais après, c'est une dinguerie, non, on n'arrive pas. C'est bien. Bah c'est une oui. dinguerie, ce mot, gros. Les gens, c'est. On... je peux pas faire autrement. On est gaulmané pour l'instant, ça va ça va arrêter, mais moi, je trouve qu'on a ralenti. Après, dinguerie, ça va, on peut le dire autant qu'on veut. De toute façon, nous, on a un usage fesque du langage. Ah oui, c'est ça, c'est un mot qui est le mot schtroumpf, on en a plusieurs d'ailleurs, des mots schtroumpf. Oui, il y a des et mots On les strumpf. dit pour schtroumpfer. Voilà, genre c'est ça Ça a plusieurs sens, il faut deviner en fonction voilà du contexte. Voilà, il y a un contexte dans les phrases. Ah, c'est ça. ça. On invente du langage, ça fait de nous proprement des écrivains parce qu'on révolutionne la forme. C'est ce que Bégodeau il dit d'habitude. Donc moi je le dis ça au pif en espérant que ça passe. <laughs> Vous avez compris quoi <laughs> On a des attentes à la laïcité euh, qui eh ben, ont les explosé attentes à par la rapport à la laïcité, à ça, passe, ça passe par ce que je disais tout à l'heure. Ça passe par soutenir les professeurs, notamment par la hiérarchie. C'est ce que je disais mmh. tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on oui, qu apprend à tout le monde que nous avons besoin d'unité du peuple français qui passe par la laïcité parce que c'est la seule manière de vivre ensemble. Et le lycée Aberoes que vous avez soutenu, des oh, vous avez sais, soutenu. Proche des Frères musulmans, pour c'est votre vision. Nous ne pas Proche des Frères musulmans. C'est une dinguerie cette histoire. C'est Aberoes nous avons, dit que... non, nous avons vous dit qu'il y avait un deux poids de mesure qui était Lésanté. assez évident. Oui, oui, vous pas soutenu. Vous ah, ne soutenons pas un, le... le... les... un lycée d'excellence, un lycée Écoutez, modèle. Écoutez, ce que... ça, c'est ce que a dit, non pas nous, mais euh, le directeur non, 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 non. de Sciences Polides, non plait. pas nous, mais l'ancien directeur, le président du département qui est à l'air. Donc, nous, nous sommes pour l'école publique, gratuite, laïque. Nous disons juste qu'il y a un deux poids de mesure qui va dans le sens de ce que je disais sur l'instrumentalisation des peurs. Mesdames, s'il vous plaît, c'est la fin de ce débat. Il reste deux cartes blanches, une chacune, une thématique que vous souhaitez. Abordé, euh, comme vous avez commencé le débat, euh, Marion Maréchal, c'est Mathilde Panot euh, qui ah, euh, a abordé sa carte blanche. En premier, la quelle est la thématique que vous avez choisie blanche. Alors, moi, je voulais parler euh, d'avortement parce que euh, toutes les 9 minutes oh. dans le monde, une femme meurt du fait d'un avortement non sécurisé. En France, oh. c'est une femme sur trois qui a déjà eu recours à l'interruption volontaire de grossesse. Que ça vous plaise ou non, l'avortement fait partie des, de la vie des femmes euh, de ce pays. Alors, à chaque fois que vos alliés d'extrême droite arrivent au pouvoir, c'est ce qui s'est passé par exemple en Hongrie, où vous avez vanté euh, la politique nataliste de M. Orban, ils s'en prennent aux droits des femmes. En Hongrie, ils forcent donc les femmes, lorsqu'elles souhaitent mettre fin à une grossesse, à écouter le cœur du fœtus euh, avant de pouvoir mettre fin à cette grossesse. Oh. Ou en Pologne, où ils ont wow. quasiment interdit l'avortement, au point que six femmes sont mortes, je vais vous en parler d'une, qui s'appelle Isabella, elle avait 30 ans, elle avait une fille de 9 ans, elle souhaitait un deuxième enfant, et au milieu de sa grossesse, il y a eu un problème avec le fœtus, elle s'est retrouvée à l'hôpital, et les médecins... L'ont empêché d'avorter en disant qu'il fallait attendre que le cœur du fœtus arrête de battre. Isabella est morte d'une septicémie wow. en envoyant un dernier SMS qui disait Les femmes sont devenues des couveuses. Je vous wow, le dis, la liberté d'avorter. On dirait la série badante qu'il y avait eu sur le... ouais, fou, The On-Man C'est ça, je crois. The English. Ouais, the uh, retail, tout, 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 tout ça. The Le retail. droit d'avorter, c'est la liberté d'enfanter. Ce que vous allez faire va provoquer des morts parce qu'une femme. Qu que je vais faire si elle Et a décidé d'avorter, lorsque vous voulez, par exemple, dérembourser euh, l'IVG. Mais j'ai jamais dit vous répondez à Mathilde Panot. Alors, vous répondre. Alors non parce que je c'est confus mais vous me parlez en fait de la constitution de l'IVG parce que de quoi vous me parlez non, que, je vous parle du moi droit à dans ce pays, y Je n'ai jamais ça. proposé de remettre en cause l'existence et la légalité de l'IVG dans le pays. Donc je oh, ne sais pas Ah mais de as quoi voulu vous arrêter de le rembourser. Ça, 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 Non non, non, des non des je n'ai jamais je n'ai jamais proposé de remettre en cause cela. Non, je suis très précis, il y a une dizaine d'années quand vous étiez au Front national, il y avait une divergence entre Marine Le Pen et vous sur la question de savoir s'il fallait ou non dérembourser notamment les aides qu'il peut y avoir au planning familial pour être extrêmement précis. Exactement. Voilà. Non, mais mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'en l'occurrence le, le, le planning, familial ah, euh, ah, finançait ah, en ce familial, ah. concerne ce planning familial-là, des avortements illégaux. À et donc sur la question de la constitutionnalisation de l'IVG, c'est très simple. C'est-à-dire que le débat, attention, il n'est pas de savoir si en effet l'IVG doit rester ah, légal ah, ou non dans notre pays. Il s'agit de savoir si on va on va intégrer la question de l'avortement et constitutionnaliser ce droit à l'avortement, donc et le mettre et le figer, le fixer au sein de la Constitution. Et c'est là où je trouve que c'est une Juridique ah voilà. Parce qu'une fois de plus, le prétexte utilisé, c'est de dire qu'au... Du fait qu'il y aurait une menace sur la question de l'avortement de l'autre côté de l'Atlantique, notamment aux États-Unis, il faudrait fixer ce droit dans notre Constitution. Ah, je vois là une dérive, puisque la Constitution, une fois de plus, soyons fidèles à la hiérarchie des noms, c'est notre contrat social, c'est ce qui régit nos institutions. Elle n'est pas là pour être le réceptacle de tous les droits individuels. Et donc, au prétexte qu'il y aurait une menace aux États-Unis, si demain, on dire que la PMA est menacée au Burkina Faso ou, je ne sais pas, le changement de sexe en Biélorussie, on va inscrire ça dans la Constitution. Je trouve que c'est une. Absurdité. Bah... Maintenant, ce qui est vrai aussi, Madame, ah, c'est bah, que je vrai... considère <laughs> aussi bien qu que la n'est pas un acte anodin. Et et J'en mais... demandais pas autant, mais c'est ouais, à propos. Pourquoi... Bah, c'est elle qui propose. Non, mais là, attendez. C'est à propos. d'un gris, d'un gris golem. Elle a proposé <laughs> elle-même. Je suis désolé. Euh, nous, on n'a rien voulu à la base. Est bon, on bah, change écoute, les mots. trans dans la constitution, hein. Même titre, euh, voilà, que ah, je sais pas. Que, euh, une bah, euh, une, une appendicite un qu'on qu enlèverait, ou euh, une, une, une carie à soigner. Et quand je vois qu'il y a aujourd'hui 234 000 avoir dans notre pays, je, je vis plus ça comme, comme un, un, un goal échec goal. que comme une satisfaction, parce que je pense que c'est toujours des, des drames personnels et des moments euh, désagréables. Vous savez, euh, euh, moi-même, je, je suis, on comme on, on dit, et je me permets de vous en parler, parce que ça a été sorti par des journalistes. c'est vrai que Je suis heureuse que ma mère considéré. Gros, Heureusement, t'as parlé fort, ça m'a oh, la, la seconde de Gaulman, front que t'as failli dire. Ouah, Bref, pardon, excusez-nous. Oh, soit un, gros, un acte sais. anodin parce que sinon je serais pas devant vous aujourd'hui. Et moi, je préférais qu'on se pose la question de savoir mmh. comment on fait pour accompagner Merci. ces femmes qui souhaiteraient aussi garder leur enfant parce qu'il y en a. Je pense qu'ils le font aussi pour les oui, bon bon On entend bon pas marier, oui, ne pas à non. ces femmes-là et ne pas les fatiguer. Mathilde Panot, vous répondez rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de temps et ensuite la carte blanche de Marion Maréchal. Entre vous, nous réussirons à gagner la constitutionnalisation de l'IVG, y compris parce que vous dites c'est la norme suprême sur notre communauté nationale. Je vous dis juste qu'il n'existe pas de peuple sans euh, la question justement de liberté ou non d'enfanter. Donc ça rentre tout à fait oui. dans ces nouveaux droits. Tout comme d'ailleurs nous voulons rentrer des nouveaux droits sur lesquels vous êtes opposés, notamment Merci. du droit de mourir dans la dignité. Et donc voilà. maintenant la carte blanche ah. de Madame Maréchal, quel sujet avez-vous choisi pour cette carte blanche Alors, Les Arabes j'ai choisi un sujet qui ne m'amène pas Pardon. nécessairement d'ailleurs à vouloir m'opposer à Madame Panot, mais j'ai voulu parler de ce sujet parce que je souhaiterais. Euh, euh, pouvoir faire entendre la voix de nos agriculteurs qui depuis maintenant euh, près de trois semaines manifestent dans l'indifférence générale, nos agriculteurs qui sont... Euh euh, aujourd'hui, qui sont en train de mourir. Ah, ça hein, va. Je vous rappelle, en 10 ans, c'est moins 100 000 exploitations, 100 000 qui partiront à la retraite euh, dans les 10 ans euh, à venir. En parallèle de ça, une explosion des importations sur le territoire français, une baisse de la production. Et nos agriculteurs, dont je rappelle qu'un se suffit de chaque jour, hein, quand même, euh, sont aujourd'hui victimes de plusieurs choses. Les marges abusives de la grande distribution, euh, de la concurrence déloyale, mais aussi euh, la surfiscalité et la surréglementation. Et j'en veux beaucoup, d'ailleurs, hein, à Madame Ursula. À là, là elle, a les pas, Ouah, elle, elle a dit, pour les gens qui ne connaissent pas, elle a dit... Le euh, le, elle a dit les revendications euh, du syndicat FNSEA euh, qui sont des sortes de, de macronistes, euh, foule productivistes. Euh, surtout, vous veulent, avez eu le problème, enfin, voilà, la fiscalité. Voilà, c'est-à-dire voilà, que ça, sur voilà. les agriculteurs, moi, je veux bien la rejoindre, tu vois. Mais le problème, la fiscalité, comme. Ah oui, après, après, attention sur la question de l'agriculture et de la paysannerie et de des gens qui prennent cher et qui arrivent pas à vivre de, ouais, ça, de ce qu'ils produisent. C'est bien sûr. Qui a mis en place des réglementations, notamment le pacte vert soutenu par la France euh, insoumise, ou des réglementations qui aujourd'hui vont aboutir euh, à une baisse de 10% de la production euh, européenne, à une baisse de 10% des terres agricoles, au moment où justement il faudrait augmenter la production mondiale, parce que d'ici 2050, et j'en finirai par là, euh, il faudra doubler la production mondiale. Donc je trouve que c'est criminel parce que on est en train, comme on a tué notre industrie nucléaire, comme on a tué notre industrie, de tuer notre agriculture et de nous rendre dépendants des marchés étrangers, au prix évidemment euh, du bien-être de nos agriculteurs. Mario Maréchal, euh, on va voir les compteurs. Il reste. Vous avez deux minutes d'avance, donc réponse de, de Mathilde Panot et Alors, nous allons devoir conclure ce débat. Euh, Sur la, la question encore, que, mais, bah, la que vous portez, euh, le modèle que vous défendez, notamment, vous parlez de la question des normes, on pourrait parler de la question des, normes, de la question des pesticides, puisque vous êtes très favorable à continuer avec euh, glyphosate et autres pesticides. Voilà, C'est voilà. Justement, le modèle qui a détruit les paysans. Vous le disiez, un paysan et se oui. suicide tous les jours dans notre pays, peut-être même un peu plus, ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes dans un système mortifère dont les paysans sont les premières victimes des pesticides, notamment qui sont utilisés, en plus d'empoisonner l'ensemble de la population. Nous nous disons qu'il faut une loi d'urgence sur la question alimentaire, alors que la faim est en train de disloquer le pays. Nous voulons à la fois encadrer les marges des distributeurs de l'agroalimentaire, ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, mais aussi faire des prix planchers pour les agriculteurs pour faire en sorte qu'ils aient des revenus dignes. Nous voulons annuler les dettes des paysans qui vont transformer leur agriculture vers une agriculture paysanne et écologique. Nous voulons mettre fin aux traités de libre-échange qui mettent en concurrence euh, les agriculteurs, de même que nous pouvons appliquer des clauses de sauve sauvegarde. C'est ce qui a été fait notamment sur le dimétoate, qu'on pourrait refaire, c'était sur les cerises, qu'on pourrait refaire sur beaucoup d'autres produits qui protégeraient les agriculteurs, mais aussi celles et ceux qui mangent. Euh, ce qui se fait en France, et permettrait justement. En fait, tu vois que euh, Mathilde Panot parfois un peu en stress sur les sujets phares de Marion Maréchal mais globalement elle tient. Sur tout le reste à défendre voilà. par contre, sur tout le reste Mathilde Panot, mais euh... tempête et euh, Marion âmes, Maréchal elle est elle incapable d'aller sur le social et même là son truc sur les agriculteurs ça. pour revenir sur la fiscalité. Le discours là, là de la France est Insoumise trop sur le carré, sujet, quoi. ils sont trop carrés, à' est trop à l'aise. Regardez ça, comment ça, ça sort, ça. tout seul. C'est qu'il qu y a un de... sujet qui est l'enfer, parce que le débat public, en plus, a été radicalisé par les médias. C'est euh, tout, toutes les angoisses racistes et toute l'islamophobie, euh, la question de l'immigration, où ça a été tellement... Euh, le, la fascisation des médias, l'extrémisation des médias est tellement horrible que c'est trop dur de se dépatouiller, mais tout le reste, ça survole, quoi alimentaire alors qu'aujourd'hui les agriculteurs sont complètement dépendants notamment de ce un volailler de ce qu'il donne à manger à ses volailles et du prix auquel il achètent euh, ce qu'il donne à manger à ses volailles On sera au moins d'accord sur la souveraineté alimentaire mais pas sur les raisons les merci, beaucoup. merci beaucoup merci euh, beaucoup mesdames je suis désolé on va devoir abréger ce, ce débat qui était très intéressant vos temps de parole sont à peu près au même niveau je vous remercie Moi, je peux avoir une conclusion parce que c'est pas tout à fait au même niveau Donc, oui 30 secondes. mais alors 30 secondes très rapidement et ensuite vraiment très rapidement parce qu'après on doit on doit y aller moi, je voulais juste, euh, Madame euh, Maréchal euh, Le Pen, vous, vous réponds, ouais. raconter que vous êtes euh, un pur produit euh, du lupénisme. Vous êtes raciste. Vous défendez la bourgeoisie. Vous voulez la guerre civile dans ce oh. pays. Je crois que la France a besoin de tout oh. autre chose. Oui. La France a besoin euh, de répondre aux grands défis de notre siècle, notamment en étant unie. Et je veux redire aux gens qui nous écoutent, ayons le goût du futur. Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Marie-Maréchal. Ah, écoutez, après ce débat, moi, je me confirme que donc je suis la candidate des policiers et des gendarmes quand vous êtes la représentante des émeutiers et des racailles <laughs> et des, des amoureux de la France en effet quand vous, vous êtes la représentante euh, de ceux qui la détestent et notamment des islamistes. Je suis. Euh, oui, c'est vrai. La, la, la candidate des racines chrétiennes et d'identité française quand vous vous êtes la représentante <laughs> du déboulonnage des statuts et de la repentance et je finirai par ça. Oui, moi je suis oh là, la candidate qui veut lutter contre l'immigration pour la paix civile quand vous vous êtes au contraire à la guerre civile. Vous Merci beaucoup. Merci le panneau. Oh là là là, ridicule. Oh, la, vie, la pauvreté de la vision non, de la France. Donc, il faut enlever les la... impôts, oui, mettre des ça. écoles privées, virer les Arabes. Et c'est les lourdes racines chrétiennes de la Nantie, là. Oh, super, là, le, le programme politique. Hein. Franchement, sur la globalité du débat, elle l'a bouffé. Et il y a des angles d'amélioration sur les sujets où. Mais ça, euh, va, franchement, oui, oui, franchement, solide, ça va, franchement. Elle est solide. Hein. C'est dur, les gens. Franchement, elle est solide. Hein c'était Et puis voilà, il y a le contexte passé, médiatique hein. qui fait que, évidemment, ah, ça, les, je ça, sais qu'à gauche ça. vous l'avez déjà, peut-être trop, parce que maintenant vous êtes en train de faire plus débattre, du coup bon, peut-être un peu trop, mais vous le savez ces choses-là, mais il faut quand même les dire, tu vois. C'est vrai que voilà le ouais. contexte, d'un débat BFM, où au final, même quand ça parle de questions sociales, ils arrivent à dire hey, « Eh la maya <laughs> !» tu vois, et à revenir et à toujours tout tourner autour de ça mais globalement quand même et puis tu vois ça se sent que dans le deal elle elle a pas du tout marre maréchal elle a pas du tout envie de parler de trucs sociaux quoi particulièrement bah, rien, avec le a programme a de Zemmour hyper libéral a rien, qui ressemble a à Macron bah, oui. en pire, du coup bah oui non moi je trouve que le débat s'en est bien sorti hein, quand même hein. je je ressens oui, de ça avec euh, en me disant oh, putain c'est elle lui tient tête quoi elle lui tient tête ça. après ouais un peu plus de puis mauvaise va, foi pas... la fille des fois trop bonne élève quoi c'est ça, un il... peu plus de mauvaise foi, un peu plus de harnes de sur la première partie, comme il y a eu sur la deuxième, et c'était parfait. Mais ouais, donc ça va. Parce que sur la deuxième, justement, ça a rien lâché, quoi. Donc euh, on n'est pas loin d'un truc parfait, hein, en vrai. Il hein. n'y a pas grand-chose à améliorer. Hein. On le savait depuis le début, le chat le savait. Oui, 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 oui. Allez, non, mais c'est bien, c'est bien, franchement. Il ne faut jamais aller débattre. Très, très dit. chaud, et <laughs> ça fait plaisir de voir ça. Ouais, bravo Mathilde, évidemment. Bah ouais, hein. Ah, oh, Ça fait plaisir. Bon, il nous reste quoi Rien Enfin, si Rien. Oh, on ça a si on a mais j'ai la, oh, la flemme des droits tard. Ah, j'ai la flemme. Et après, il fait... y a ça. Ouais, j'ai a... faim. Y a ça, si on fait ça, tu ça, fais ça et après, c'est un achat, j'ai faim. 120 000 euh, ça... millions d'obèses en Chine. Non, mais sinon, non, on moi arrête. Qui veut le devenir, trop faim. Sinon, on fait un petit blabla et on arrête dans 5 minutes. Petit blabla et on arrête dans En vrai, il est 23h52. À moins qu'il y ait d'autres clips de Bégodo, là Non, mais on regardera la prochaine fois au pire. Oui, on regardera on fera un réact complet des dingueries de Bégodo. Des dingueries des dingueries du Gaulmont, là. Arrête, arrête. Faut qu'on le dise moins. Mais mais le mot, le mot, le j'y oui, Mais oui, je sais, mais oui, oui. Non, mais il sera interdit euh, à d'autres moments. T'es <laughs> une merde. c'était oh, trop drôle. En fait, je sais que ça, en fait, ça m'aurait. En fait, ce qui m'énerve, c'est que ça m'aurait <laughs> un peu rendu heureux comme ça m'aurait énervé. Ah, ouais, ouais, ouais. Vraiment énervé. Ça va grailler quoi, Razi, te demande euh, Je sais pas. Aucune idée. Ah oui, c'est vrai, cet extrait, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est hein. un programme qui est oui. très social, donc c'est vrai que nous, on est, on est beaucoup axés là-dessus, euh, tout simplement. C'est-à-dire, vous enfin, avez deux, trois exemples, euh, vous, vous pouvez redonner le moral euh, à la région, ça passe pas du tout dans salon Bah, en fait, il euh, y a. Alors. Euh, <laughs> Excusez-moi, je, je réfléchis, je réfléchis, en fait, je sais pas. Tout en tête. Wow. Euh, programme du FNJ Non, non, pas le programme du FNJ euh, sur les actions sociales. Euh... Wow. Mais au niveau, au niveau régional ouais. Ça, c'est vraiment les racistes quand tu leur en parles wow. d'autres choses que des musulmans, ils réagissent comme un sang ah vraiment... ouais, Tu Je te sais. rappelles euh, la meuf à la télé aussi quand ça avait parlé de quoi et qu'elle avait demandé de couper euh, alors que c'était en direct Oui, 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 oui C'était bah, quoi non. Je me rappelle plus la question c'était un truc comme ça sur les, la politique sociale qu'il y avait elle avait rien à dire euh, je sais plus c'était quoi oui sur quest c'est quoi pour les services publics ça elle, elle savait pas ce que c'était les services publics elle savait pas quoi répondre et tout genre c'était trop drôle quoi. ouais en tout cas c'était du, du petit poulet hein ouais du petit poulet bon en plus y aura probablement pas je pense BFM c'est chaud je sais pas on verra si on met une VOD ça va ça peut être très dur ouais je pense ça peut être finito. Donc profitez bien de ces moments-là en... en réac parce qu'après, c'est toujours compliqué. Parce euh, ouais, les compléments d'enquête, de BFM et tout. Malheureusement, pour les gens, Michel VOD, il faut regarder sur Twitch. Là, la oui. fin de la vidéo. Oh, rien que pour ça. Oh, oh. C'est bon, on a compris qu'elle était nulle et qu'elle a répondu rien. Elle nulle. Oh là là. Mais c'était bien. Fais voir, je vais regarder les hashtags. Je vais voir les gauchistes qui disent de la merde. Oh, on s'en fout. Non mais je regarde moi, c'est mon plaisir. Oui, mais bah tu des après, après le stream. Débloque, oh. Oui, bah et oh. l'eau fraîche jusqu'à quand? Jusqu'au 20 décembre. 20. Prenez la, prenez la. Continuez, c'est le moment, la point d'exclamation et l'eau fraîche. Vous avez la vidéo de rase qui était incroyable dans le live précédent. Un immense banger déjà sous côté, hein, Désolé. Hein. Bah ouais. Déjà. Ce sous soir, côté, on hein. se fait le mafé. Ah, let's go, trop chaud. Eh bah, ben. Ça va se faire le mafé derrière. Ça mange bien. Hein. Du fou. Alors que moi euh, j'ai rien Après, ouais. <laughs> ouais, en vrai, après, je crois que t'aimerais pas le mafé toi. Peut-être tu as le live après, je sais pas. On a rien là de spécial à faire non, c'est bon, c'est fini les journées de hein. moi j'ai bouffer enfin, après peut-être que j'aurai Dark Soul aussi. On verra, vous aura le choix. Ah, si, si je me motive. Mais non, mais on s'en bat les couilles gros. C'est trop dur. Bref, quand même, on s'en branle. Bref, euh, oui. Bah, du coup, on a rien à dire, ce chat n'est pas intéressant finalement. Bah oui, allez, adieu Juste après, ouais, oui, peut-être après, oui. Nombreux... Golemon, je peux vous raid, mais en fait, j'ai faim d'abord. Sinon, je vous raid, j'arrive et je veux manger devant une vidéo, c'est possible aussi. Oh bah si, non, mais je réfléchis, laisse-moi réfléchir, au pire, par toi, toi. Le raid. Vas-y, je vais raid, je vais, raid, vais bah, Évidemment qu'ils vont te dire le raid, t'as cru qu'ils allaient dire oh, Non, vas-y. Mais par contre, je vais... vais prendre 5 minutes pour aller bouffer. Hein. Cassez pas les pieds. Hein. Bah, ça marche pas Ah, si, ça marche. Ah, Laissez-moi 5 minutes le temps de lancer parce qu'il faut que je désactive Ah oh, tu vas leak. Ah oh, il va leak pendant son Ah, je vais rien leak oh. du tout, frère. Oh là là ah, ah j'aime bien ça te stresse un peu ah oh, t'es une merde gros. ah j'ai trop envie de liker des trucs du coup ah oh, ouais les gens je vais tout vous raconter tout sur le Zawa Show oh, mais gros non mais la vérité c'est que tu vas rien raconter attends par après. contre on est mais tu vas lâcher des trucs et surtout tu vas être un gaulmon tu vas être en mode ah ça je peux vous le dire et tout le monde va comprendre parce que t'es teubé, et que t'en dis trop Genre, c'est ça qui m'énerve, c'est que tu fais pas exprès à la limite, tu ferais exprès, je comprendrais. Mmh. Ah, je vais vous donner ces indices! Et les gens vont tout deviner, genre tellement trop. Oh, je suis merde. trop heureux de tout ce qui est en train de se passer. trop une merde. Hein. <laughs> oh. Alors, du coup, je vais vous donner le live des indices. Les indices du Zawah Show, c'est parti! <laughs> oh.